この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。Et bienvenue sur le plateau de Sumimasen Turbo. Sumimasen Turbo, votre émission 100% pop culture japonaise et jeux vidéo, ou peut-être l'inverse. En tout cas, on est réunis, on est de retour sur ce magnifique plateau. Plateau largement agrémenté, comme vous pouvez le voir, avec une petite figurine supplémentaire issue de la collection personnelle de Greg. Parce que je crois que, j'ai l'habitude de dire que les émissions sont exceptionnelles, mais là je pense qu'une émission, on va parler en long en large de Final Fantasy VII Rebirth. Si ça, c'est pas la cerise sur le gâteau, je pense que personne ne s'y a pensé. Non, voilà, une exclusivité mondiale. On va parler de Final Fantasy VII, puisqu'on est le seul à en parler avec cette figurine sur le plateau. L'exclusivité, c'est nous. Oui, évidemment, bien sûr. Je sais que c'est un avis très attendu. On a la chance, tous les trois, d'avoir pu parcourir le jeu en long, en large, en travers. Alors, plus ou moins longuement, parce que c'est un long jeu. Mais on aura donc l'occasion de revenir en détail sur ce qu'on pense réellement de ce Final Fantasy VII Rebirth. Scoop-ou. Parce qu'on en était resté à Final Fantasy XVI. Oui, on était resté sur Final Fantasy VII. Un petit peu mitigé. C'est vrai que c'est pas la plus grosse note de notre rubrique Famitsu Masen que le monde nous envie. Famitsu a rendu son verdict d'ailleurs sur Final Fantasy VII Rebirth. C'est 38 sur 40. Et c'est moins qu'FF16. Ah. C'est moins qu'FF16. Est-ce que ce sera le cas également dans Famitsu Masen? Eh bien, vous le saurez. Après cette... allez, dans quoi? Une heure? Deux heures? On ne sait pas. En tout cas, vous serez fixés. D'ici là, on aura également évoqué toutes les recos, puisque nous sommes là aussi pour ça. On va disséquer un petit peu l'actualité japonaise. Alors, c'est un petit peu moins lourd. Non, ce mois-ci, c'est plus léger. Ce sera plus léger, mais on voit promet... qu'on approche la fin de l'année fiscale. Ouais, exactement. Je pense que les scoopous vont tomber plutôt le mois prochain. Ouais, il est temps de rentabiliser, là. C'est clair. Rappelons-le, l'année fiscale japonaise s'arrête le 31 mars. Comme l'année scolaire. Voilà. Exactement. Vous aurez également un petit tour d'horizon de l'actualité du jeu vidéo japonais, puisque nous sommes là pour ça. Et puis, pour commencer cette émission, un petit rappel que sans les membres Patreon, nous ne serions rien. Et en plus, on a eu la chance de pouvoir les croiser de visu il y a ne serait-ce que 15 jours. C'était directement à l'eSpot de Paris, rue de Rivoli. Et à cette occasion, dans Sumimasen Turbo épisode 12-2, eh bien, nous avons pu interagir directement avec certains chevaliers, puisque c'est comme ça qu'on appelle nos patriotes. Et grâce à vous, eh bien, cette émission continue d'avancer, de progresser. On peut même faire venir notre sémillant réalisateur Hubert, qui retrouve sa régie favorite. Tout va bien, Hubert? Tout va bien, ouais. T'as kiffé? Est-ce que j'étais bonne, les gougères? Les gougères sont bonnes. Très content d'avoir fait ce live. Voilà, c'était un peu compliqué, hein, techniquement. On avait des petits soucis techniques. Wow. Tekken, c'était chaud, non? Tekken, ouais, mais en fait, on aurait dû faire des répétitions. On n'a pas eu le temps de faire parce que l'écran géant, le beau studio de l'eSpot ne fonctionnait pas. Ouais. Bah, on n'a pas fait de répète, mais bon, il y a eu des... Je crois qu'en régie... Franchement, ça s'est bien passé. En régie, tu devais pédaler sur un vélo pour mettre en route l'écran. Ouais. Vous êtes toujours aussi nombreux, évidemment, à nous suivre sur les réseaux et on vous en remercie. Merci à tous ceux qui souscrivent tous les mois à patreon.com/sumimasen. Merci aussi à ceux qui prennent le temps de nous rejoindre. C'est le meilleur moyen de soutenir cette émission, même s'il y a d'autres moyens qui existent. Il y a simplement le pouce, il y a l'alerte, comment on dit? On fait sonner la cloche, c'est ça, hein? Mmh. On active la cloche, je ne sais plus, bref, c'est des expressions. Alors, on m'a expliqué que la cloche, c'était pas ouf, en fait. Ah oui? Parce que, en fait, oui, c'est... Ça change toutes les semaines. Mais ah non, bon, mais c'est l'algo, ça. A priori, la cloche, c'est une seconde alerte. Ah. Si t'es déjà abonné à un truc, tu reçois déjà une alerte pour dire hey, machin a fait une nouvelle vidéo. Si tu mets une cloche, en fait, c'est une super alerte. Ah, bah autant être alerté doublement à l'arrivée, l'avènement d'un nouveau Sumimasen. C'est quand même très important dans l'agenda personnel des gens. Ce que je veux dire, c'est qu'on donne beaucoup d'importance à la cloche, tu vois. Ah oui, d'accord. Sans vouloir parler d'Aeris, mais c'est. Comme l'a dit si bien dit Greg, si vous commentez, eh bien ça pousse l'algo. D'ailleurs, on voit des gens qui sont là juste, qui nous laissent un petit commentaire juste pour dire moi je suis là pour l'algo. Et ben merci, ça nous fait remonter dans les recommandations YouTube. Et puis ben voilà, mois après mois, nous on est là, on sera présent. D'ailleurs, l'important c'est que les chevaliers, nos auditeurs, enfin nos spectateurs soient contents.
On reviendra d'ailleurs prochainement sur les modalités pour obtenir ce magnifique Soumi Book 2023. Flou. Ah, je suis flou. Recule. Ah oui, attends. Voilà. Pour les patriotes. Regardez. Oh là 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 là. Voilà, cette collection de vignettes, c'est la collection intégrale des notes de Famitsu Mimasen. Il y a même de la première année. De la première année, il y a même certains tests rédigés par. Pardon. Oui, hein, c'est vrai. Pas pourquoi nous, tu cherchais. Même Hubert. Oui. Même Hubert a écrit. Ouais, même Hubert a écrit, ouais, parce que Hubert ne sait pas que monter, il sait également écrire. Et nous lui sommes redevables. C'est même lui qui nous prévient, il met des petites alertes Google, donc ça veut dire qu'il sait lire également, donc c'est très pratique. Hein, c'est... Non, non, mais on va le garder. Hein. Ouais, il y a des chances. Bon, tout ça pour dire qu'il y a également de grandes chances que nous partions au Japon. D'ailleurs, le TGS est repoussé un petit peu, ce sera plutôt fin septembre que fin septembre. Il fera moins chaud, je pense qu'ils ont eu tellement de problèmes... De climat. Voilà, l'année dernière, qui se sont dit, on va pas prendre de risques, on va se rapprocher d'octobre. Et nous sommes déjà en train d'établir le programme, mon cher Daniel. Normalement, nous irons, si le soutien des patriotes continue. Je sais que l'année dernière, on avait mis un palier qu'on avait franchi et qu'ensuite, on était redescendu. Si on maintient le cap et si ça monte dans ce sens-là, on aura assez de sous pour le faire, parce que j'ai découvert l'année dernière, ce que tu m'avais prévenu, c'est que... Les impôts ? Non, les impôts. Le yen est bas ? Non, mais c'est que ça coûte quand même assez cher. Comme ah bah, sans blague. Et c'est pas que les chococros de Hubert. Hein, non. Il y a le kérosène, ouais. Il y a le lit. Non, il y a surtout le lit pour Hubert. Oui, c'est très important. Il demande un king size, hein, Hubert. Et un matelas, le matelas de Thomas Pesquet, là, tu sais, mémoire de forme. Ouais. Une petite vertèbre qui porte la caméra toute la journée. Si le soutien continue et ça continue de monter, revient vers... Arrête de menacer les gens. Je suis zéro maintenant. Mais voilà, si ça continue dans ce sens-là, donc on se prépare à l'échéance Tokyo Game Show. Et rappelons-le, Tokyo Game Show, on avait fait plus de 15 vidéos sur place. Et j'ai entendu dire, Hubert, qu'il y a un nouveau contenu qui vient du Japon, que tu es en train de préparer. C'est ce que tu as dit dans les Director's Cut. Ouais, rappelons-le, les directeurs. C'est une exclu Director's Cut et tu balances dans le pas Director's Cut. Bah écoute, pour les gens qui veulent s'abonner au Director's Cut, voilà. Ouais, il y a des petits... Ah bah là, c'est vraiment le tease de tease. Il y a des petits moments dans les coulisses, filmés à la mano, hein, même des zooms manuels, vous verrez ça si vous êtes... Bonjour. Pardon. T'as dit ? Non, j'ai dit bonjour à la caméra avec Cloud. Ouais. L'installation des jouets. Tout le monde n'est pas Hubert, hein, il faut bien l'admettre, et on débute, nous aussi, derrière la caméra, même si bon. Mais on va réussir, nous aussi, à avoir autant de talent qu'Hubert. Non, ça, c'est impossible. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va commencer cette émission. On la commence généralement par l'Euroco. On va juste faire une toute petite interruption pour placer un eye-catch et on se retrouve juste après. C'est parti. Avant de se pencher sur le cas de Final Fantasy VII Rebirth, sans doute la raison pour laquelle vous avez cliqué sur la vidéo de Suimasen Turbo épisode 13, on a l'habitude ici de commencer par des recos. Bah oui, on fait les choses à l'envers et on va d'ailleurs s'intéresser, Daniel, à ta première reco, puisque tu as pris le temps de regarder l'idole d'Hubert en long et en large. Je vais la faire à l'envers, tellement à l'envers que ça va être une anti-reco, évidemment. Ah bon ? Bah, j'annonce un peu la couleur. J'ai vu Hideo Kojima Connecting Worlds, qui est un documentaire produit par... A24 sur Famous Legendary Video Game Creator Hideo Kojima. Et c'est plutôt un making-of de Death Stranding. Ouais. Et je pense que c'est un des plus mauvais documentaires que j'ai vu sur Hideo Kojima à ce jour. Ah bon ? Ouais. Mais il y en a eu d'autres ? Alors, bah, il y a eu beaucoup d'autres parce qu'il y a eu les making-of, par exemple, de ses précédents jeux. Metal Gear Solid 2, ça date. Mais il y avait le DVD qui avait été fourni. Il y avait le DVD. Moi, celui que j'adore particulièrement, c'est celui de Rising Revengeance, où justement, on le voit à un moment dans un cul-de-sac créatif et tu le vois comment il harangue son équipe et tout ça. Là, c'est un peu le Hideo Kojima 2020, c'est-à-dire, il raconte un peu le passage à vide qu'il a eu après. La fin de MGS n'est même pas nommé, tu vois. Je crois qu'il est nommé une fois d'après ceux qui tiennent la comptabilité. Je crois qu'il est à peine nommé, sinon ils disent Famous Tactical Espionnage, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, c'est un film qui s'attarde beaucoup à montrer Hideo Kojima dans des moments très très gentils où il donne des conseils aux gens, on montre qu'il dirige et tout, mais c'est surtout une manière d'inviter les copains
à dire tout le bien qu'il pense de Hideo Kojima. Alors, je les ai plus en tête tous, mais on les a vus passer. Norman Reedus, George Miller, Guillermo del Toro, Nicolas Winding Refn, Mads Mikkelsen, Mamoru Oshii qui est là aussi. Ouais. Il y a Shinji Mikami, Shinya Tatsukamoto, plus les doubleurs, plus Yoji Shinkawa dit sans doute la chose la plus intéressante de tout le documentaire, puisqu'il dit. Ce mec, c'est un peu à moitié un prophète, en fait, parce que ce qu'il annonce arrive souvent. Et ça, justement, n'est pas adressé dans le film. En fait, ce film contente de manière très, très, très superficielle de suivre Kojima, qui regarde l'horizon pendant trois quarts de ses plans. Il regarde l'horizon. Ouais, là, je vois la bande-annonce, on dirait plutôt une pub pour parfum avec voilà, Kojima. Quoi. C'est un peu ça. Il regarde au loin. Il est à un moment sur un bord de mer, donc il regarde le bord de mer au loin. Il dit ouais. Il dit j'aime les films indés. Super, t'apprends rien de nouveau, t'as pas d'insider quel qu'il soit, alors que quand même Death Stranding, la seule chose que tu apprends c'est que tu sais qu'il a vendu le projet Death Stranding à Sony en ne leur disant pas vraiment ce que c'est le seul truc vraiment qui est un peu admis. Et sinon, tu le vois avec ses poteaux. En gros, tout est très complaisant. C'est un peu une hagiographie, un documentaire marketing. C'est un doc marketing, ouais. Est-ce qu'on sait qui l'a fait ? Alors, attends, c'est... Est-ce que ça se trouve, c'est juste un mec qui aimait bien Kojima et qui s'est dit, tiens, je vais faire financer un docu pour rencontrer mon idole. Du coup, si j'ai bien compris, les auteurs dans le jeu vidéo n'existaient pas avant Hideo Kojima. C'est un petit peu ça le propos du film. Alors, ton poteau Jeff... Jeff Keighley qui dit que c'est le plus grand... artiste, le plus grand auteur de jeux vidéo. Ça, il y a toujours. Alors, c'est toujours un débat qui est possible. C'est un débat qui est possible, mais bon, en même temps, on connaît les jeux vidéo. Je veux dire, pour moi, un auteur se définit par la patte, par les choses qui le définissent et qui le distinguent des autres. Pour moi, ce serait plutôt Shigeru Miyamoto qui est quand même. Il y a toujours débat, mais en tout cas, le présenter comme le seul, l'unique, et avant lui, il n'y avait pas d'auteur, ça. Et surtout, surfait. De vendre un peu le côté un peu plus indé, alors que bon, c'est quand même un jeu qui a été financé à 99% par Sony. Bon, il y a des choses qui collent pas, mais surtout, le fait est que tu n'apprends rien en tant que documentaire. C'est vraiment un documentaire, ça doit être un point de vue. Il n'y a pas vraiment de point de vue. Voilà, ça doit t'éclairer sur quelque chose, il n'y en a pas. Je pense que vraiment ils sont passés à côté du sujet et c'est très très décevant, parce que je l'attendais, en fait. Je me disais, ah, il y a peut-être un potentiel. En plus, quand même, Death Stranding, il s'est évoqué juste une fois, mais c'est quand même un jeu extraordinairement visionnaire d'un jeu sur les livraisons pendant que tout le monde est cloisonné, et pendant, je veux dire, c'est ce qui nous est arrivé littéralement, encore une fois, Kojima prophète. C'est Yoji Shikawa avait un bout de la réponse. Mais en même temps, et ça n'évoque même pas non plus son côté un petit peu fripon, tu vois, le côté un peu pas déglingo. Oui, mec, il est très lisse, alors que c'est un gars qui adore faire des blagues. C'est un mec assez rigolo. Et honnêtement, il y a une phrase clé qui résume ce documentaire. C'est un moment, il y a une grosse réunion de matinée. Il dit, ah bah, comme il y a la caméra, l'ambiance est bonne. Genre, hein, tu vois, il admet que bah, s'il y a la caméra. Et du coup... Bah en fait, la caméra n'a pas su se faire oublier pour faire un bon documentaire. Ouais, en fait. Il a la réputation d'être quelqu'un d'assez difficile au travail. J'avais eu la chance de l'interviewer à l'époque de... Ah, je ne sais plus, en tout cas, autour des années 2010, toujours donc chez déjà, Konami. Et déjà, il était Hideo et Kojima. J'avais posé la question, et il paraît que Hideo Kojima est quelqu'un de... On dit qu'il est très difficile de travailler avec Hideo Kojima. Bah, avec, c'est Kantoku. À quoi devez-vous cette réputation? C'est un mec qu'on appelle Kantoku. J'avais senti un froid parcourir l'armée de gens autour de lui dans la salle. Et il a dit, oui, c'est vrai que je peux parfois être un peu autoritaire dans mes décisions, ce genre de choses. J'ai rencontré Kojima, mais évidemment aussi les gens qui travaillent avec Kojima, et que c'était passionnant parce qu'ils nous racontaient les gens, surtout la période justement dont j'en parlais dans Rising Revengeance, c'est le moment où la boîte était dans le fossé, ils se disaient mais comment on va faire et tout, et comment ils la ranguaient, et moi j'aurais voulu voir une vidéo sur les pep talks qu'on m'a raconté sur lui, comment il motivait son équipe, parce que c'est quand même un chef d'équipe. Et je pense que bah voilà, le documentaire passe à côté de son sujet. C'est un documentaire qui est disponible sur Disney+ dans le monde entier, sauf en France. En France. Bientôt, j'imagine. J'ai profité d'un micro séjour à l'étranger pour le voir, mais j'imagine que si vous avez un cousin à l'étranger, mon ami VPN. Et attention, nous ne sommes pas sponsorisés par des VPN, oui, c'est vrai, rappelons-le. Pas encore. Qu'est-ce qu'ils foutent d'ailleurs? Nous n'incluons pas de publicité commerciale. Mais non, mais on a répondu à ce sujet dans le FAQ du live. On a dit non, on ne fait pas d'OPSP jeux vidéo. Voilà.
Très bien. Bah écoute, en total contrepoint de ce document, de cette hagiographie d'Hideo Kojima, j'ai eu la chance, juste la veille là, du tournage, de regarder le reportage NHK World chez Capcom. Donc ça s'appelle Yakucam, c'est ça, les 100 caméras. C'est un dispositif qui consiste à placer 100 caméras dans un endroit, quel qu'il soit. Et là, en l'occurrence, c'est directement dans les bureaux à Osaka de Capcom, pendant la création de Street Fighter 6 et en parallèle de Resident Evil 4. Et honnêtement, enfin, on voit des discussions qui sortent un petit peu du cadre. On voit enfin des remontées de bretelles. On voit enfin des projets qui tournent mal. On voit des jeux complètement buggés. C'est-à-dire que des gens stressés. C'est-à-dire qu'un mois avant la sortie, on voit l'état dans lequel était Resident Evil 4, qui pourtant est un modèle de finition quand il est sorti. Ouais. On voit que les séquences ne se lancent pas. On voit les personnages qui passent à travers Léon. D'ailleurs, la partie qui concerne Resident Evil est peut-être meilleure que celle de Street Fighter 6, où on voit tout ce qui est modélisation, comment ils équilibrent les coups, le temps que peut mettre simplement Street. Toi, t'aimes bien voir les gens souffrir, en fait. Non, mais c'est vachement éclairant sur les difficultés que tu peux connaître dans les processus de développement. Après, dans les interviews, tout le monde dit c'était formidable, c'était incroyable. Là, tu vois comment le mec, il passe 2 jours ou presque à régler simplement la texture de la boule de feu poison de Aki, le personnage additionnel de Street Fighter 6. Ça, c'est assez incroyable. Et là, on voit donc dans les extraits, tu vois l'état dans lequel était Resident Evil 4 avant. Un mois avant la sortie, et aussi comment les interactions avec le service de Quality Assurance, donc le fameux QA, qui fait des remontées, qui dit « j'ai jamais vu autant de bugs un mois avant la sortie », alors que l'équipe est en train de cravacher pour intégrer les dernières fonctionnalités en jeu. Donc il y a cette espèce de compte à rebours et de prise en étau du réalisateur, entre d'un côté le QA qui lui remonte des centaines de bugs, et de l'autre côté le producteur qui lui dit « ça c'est pas prêt, ici c'est pas assez sombre, ici c'est pas assez lumineux, pourquoi vous n'éclairez pas ce chemin ?» Et tout ça, ça montre la difficulté que c'est dans la dernière ligne droite de finaliser un projet aussi d'une telle envergure. Et étant donné qu'il n'y a, le seul point de vue que tu as, c'est des caméras qui sont là cachées, effectivement, comme tu le dis, il n'y a aucun commentaire à part les cartouches que l'on voit pour expliquer celui-ci il fait ça, ça donne, au bout d'un moment, tu finis par oublier que les caméras sont dans le bureau. Oui, et puis les gens, les gens sont exaspérés, les gens se prennent des commentaires. Quand le mec qui assure le contrôle qualité sur la boule de feu vient dire « non, ça va pas du tout, il va falloir que tu le refasses », alors que le mec, il a tout gonné. Mmh. Et rien que le fait d'aller s'adresser à son supérieur pour lui demander un check, sent déjà que ça lui coûte. Tout ça, ça donne enfin une petite vision parcellaire, certes, mais de ce que peut être la réalité d'un développement au sein des studios japonais. Et un bouclage, en plus. Et un bouclage qui plus est, avec dans les bons moments comme dans les moments de tension assez élevée. Et enfin, un peu de vérité, un petit moment de vérité, loin de tout ce qui est aseptisé, loin des interviews Famitsu. Je savais pas que t'allais faire ce sujet, parce que ça se complète bien avec le sujet. C'est le pendant contraire. J'ai pas encore vu Connecting Worlds, même si j'ai un ami commun qui... Bref, je vais me débrouiller. on se débrouille, vous savez. Mais je suis sûr que tu les mets c'est un miroir complètement réfléchissant, un anti-miroir de ce que peut être Connecting Worlds. Et rien que pour ça, c'est disposition, c'est gratuit. Vous pouvez aller sur la chaîne NHK World. Je ne sais pas si ce sera disponible longtemps, par contre, parce que c'est un reportage qui a été diffusé il y a déjà quelques mois et qui est enfin traduit, disponible en anglais à tout le monde. Il n'y a pas de VPN, il n'y a rien que. Peut-être on peut consulter un lien très facilement. J'essaierai de mettre un lien dans la description, en espérant qu'ils soient encore valides. Mais vraiment, si vous intéressez de près au jeu de Capcom, je pense qu'il y aura quelqu'un qui aura fait des petites copies de sauvegarde, au jeu de Capcom et même d'une manière générale au monde du développement et encore plus au monde du développement japonais, c'est quelque chose d'assez éclairant que je vous conseille d'aller voir. Ça ne dure pas très longtemps, en plus, c'est l'affaire d'une grosse demi-heure. Ah ouais. Donc, et en plus, on voit des documents internes exclusifs. Donc c'est vraiment une très très riche idée. Daniel, je te retends le bâton de parole, puisque tu vas nous parler de cinéma cette fois-ci. Non, série. Série, pardon. Série. Écoute, il y a une mini-série, comme on dit, qui vient de commencer, encore une fois, disponible en France sur Disney+, mais elle est dispo, c'est bon, celle-là. Pas besoin d'aller en Suisse. Pas besoin d'aller en Angleterre. Passer la frontière. Voilà. Est-ce que tu te souviens de Shogun ? Parce que le restaurant Shogun à Courbevoie. Non. Les mamans se souviennent bien de Shogun, et maintenant aujourd'hui les enfants peuvent s'en souvenir. C'est une série adaptée du roman de James Clavell, et c'est un roman culte des années fin des années 70, début des années 80,
qui a déjà été adapté dans une mini-série aussi dans les années 80 avec Richard Chamberlain. J'ai donné les vidéos à notre camarade Hubert si, quand il voudra les mettre. Et c'est une version très modernisée et très, beaucoup plus japonaise qu'avant. Alors, tu te souviens, Greg, on en avait parlé de ce truc de la manie du Japon. Mmh. Les bandeurs du Japon, c'est comment ? Ah non, moi j'appelle ça le Japon Sama. Le Japon Sama. Après, j'ai plusieurs. Voilà, voilà. C'est alors. T'as plusieurs noms pour te moquer des gens qui sont trop fans, plus fans du Japon que les Japonais. Shogun est un des trucs vraiment une des œuvres originelles, quand même, de ce truc, de cette passion que peut développer le Japon et qui nous raconte l'histoire quand même d'un marin, qui débarque. Il est quoi déjà ? Il est portugais, non ? Non, justement, il est pas portugais. Lui, il est anglais. D'accord. Il est capitaine de son bateau. Attends, il est joué par. Il a un nom qui est incroyable. Il s'appelle Cosmo Jarvis, l'acteur. Cosmo Jarvis, ouais, c'est un super héros. Il joue John Blackthorn, que vous connaissez peut-être, puisque si vous avez joué un certain jeu de Team Ninja, tout ça est très inspiré. C'est inspiré de la réalité, mais les noms sont un peu différents, puisque au lieu de s'appeler Ieyasu Tokugawa, il s'appelle Lord Toranaga. Et Lord Toranaga est joué par un extraordinaire acteur que ça ne m'étonnerait pas qu'on ait déjà mentionné. Oh, on en a déjà parlé plein de fois. Hiroyuki Sanada, alors j'adore parce qu'il y a des journaux qui disent « Ah, c'est la révélation Hiroyuki Sanada ». Le mec, il approche des 60 ans. Et le George Clooney japonais, et il a c'est été, la révélation. Il a été notamment... pour nous autres, les yeux, il a été Hayato dans Sengoku, mais il a roulé sa bosse puisqu'il a joué. En France, on le connaît surtout parce que c'est le journaliste dans The Ring, la version japonaise. Ouais. Dernièrement, il a joué dans John Wick 4, il a joué dans. Même dans Avengers. Dans Avengers, il a un petit rôle. Et oui, effectivement, comme tu dis, il est dans la Samouraï et Bullet Train. Les gens redécouvrent Hiroyuki Sanada, là, dernièrement. Et là, vous voyez la série originelle avec Richard Chamberlain. Pourquoi je disais le goût des mamans ? Puisque je pense que. Richard Chamberlain, oui, bien sûr. Je pense que il était validé par le comité des mamans. Des mamans, puisqu'il était la star. Il était la star d'une autre série qui s'appelait Les oiseaux se cachent pour mourir, qui a fait énormément de mal à notre cinéphilie dans les années 80. Et donc Toranaga a été joué à l'époque par Toshiro Mifune. Donc c'est intéressant de voir que Hiroyuki Sanada joue désormais le rôle de. Qu'autrefois le plus grand comédien asiatique de tous les temps, Toshiro Mifune incarnait. Il y a Tadanobu Asano aussi qui joue un rôle assez important dans la nouvelle version. Et ce qui est intéressant, c'est que Hiroyuki Sanada n'est pas juste comédien, il est aussi producteur. Et il a conditionné sa présence à beaucoup d'éléments, comme par exemple, il voulait que tous les membres du staff soit japonais ou alors qu'il y ait des conseillers japon sur tous les éléments. Ah oui, il voulait pas de brochette de fromage. Il a zéro brochette de fromage, alors que Shogun de l'époque. Shogun était à peu près respectueux, ouais, comme peut l'être une production américaine des années 80, mais ça reste quand même les. Alors, c'est pas brochette de fromage, mais c'est les mystères de l'Orient. Ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont mystérieux, ces Japonais qui enlèvent leurs chaussures avant de rentrer dans leur maison. Ils sont brutaux, mais en fait, au fur et à mesure, tu découvres qu'ils ont un cœur. Voilà. C'est un peu ça. Et d'ailleurs, je tiens à dire. Heureusement que l'homme blanc est quand même là pour apprendre à leurs femmes comment on fait l'amour, tu vois. Enfin, c'est un peu White Savior, évidemment. Voilà. Et je tiens à dire que la VF de cette série d'originelle est. La voix française était jouée par Claude Giraud. Ouais. Claude Giraud, que vous connaissez peut-être, puisque c'est celui qui jouait Slimane dans Rabbi Jacob, et aussi c'est la voix d'Ulysse 31. Et donc, à chaque fois que j'entends sa voix, je suis transporté, vraiment. Mais alors, du coup, tu nous as pas dit si c'était vraiment si bien que ça. Elle est vachement plus noire. Ah. Elle est vachement plus hardcore. Il y a des séquences un peu d'humiliation, parce que, évidemment, les Japonais étaient tough à l'époque. Et il y a aussi un truc qui est vraiment bien mis en valeur, c'est la lutte d'influence de l'Angleterre et du Portugal, justement, puisqu'il y avait les chrétiens, les protestants, il y avait la guerre de religion s'exportait par petites bribes jusqu'au Japon. Les Japonais n'en avaient rien à foutre, évidemment. Mais en tout cas, avait un impact sur la manière dont le Japon s'est ouvert à l'Occident à ce moment-là. C'est une période assez charnière et assez passionnante. L'espèce de Ieyasu est assez intéressant, puisque quelque part, c'est celui qui va...
qui va ensuite unifier le pays et qui va donner une période de prospérité inouïe dans l'histoire du Japon, hein, puisqu'il y a 200 ans ou 300 ans presque sans guerre. C'est très, ouais, franchement, j'ai pris plaisir, c'est assez intéressant, et c'est pas complètement Karate Kid 2, quoi. Karate Kid 2 que tu connais pour étant le, avec Pat Morita au Japon et le tambourin technique pour ceux qui aiment Karate Kid 2. Mais j'adore Karate Kid 2, je suis désolé, mais oui, mais voilà, ça n'a pas forcément bien vieilli, c'est ça que tu es en train de dire. Ça n'a ni bien vieilli, c'est pas très représentatif. Disons que il y a toute une mode de toutes ces œuvres de un occidental arrive au Japon et il apprend Tom Cruise, hein, dans Le Dernier Samouraï. Et je pense que Shogun, tel qu'il est réinterprété aujourd'hui, est beaucoup plus correct et beaucoup plus rigoureux dans sa représentation que ce qu'on peut faire ailleurs, quoi. Combien d'épisodes, si tu veux, je crois qu'ils en ont enchaîné Shogun. Ils en ont 108, il y en a 2-3 disponibles. Alors, c'est un par semaine, c'est ça? C'est un par semaine, ouais. Et il y a une grosse production de value. L'écriture... Ah bah, ils ont du fric, hein. Moi, je peux te dire qu'à la Comic-Con de San Diego, l'affiche de Shogun faisait toute la taille de l'hôtel... c'était le Marriott. Voilà. Voilà, donc c'est un hôtel, enfin t'imagines un immeuble de 40 étages aux couleurs d'une série. C'est la démesure, San Diego. Et dans le staff, on trouve des gens intéressants. Donc j'ai dit les comédiens, mais aussi dans les auteurs. Par exemple, il y a une ex-journaliste autrice que j'aime bien qui s'appelle Emily Yoshida, qui est dans le staff writer et qui, tu sens qu'ils ont essayé de prendre quand même des gens qui sont impliqués, qui ont à cœur de montrer un Japon cohérent, quoi. Pas juste un brochet de fromage. Oui, c'est vrai, c'est toujours le problème de est-ce que quand tu montres le Japon par le biais de l'Occident, comme Tokyo Vice, est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct? Là, je trouve que c'est vraiment, ils ont vraiment, vraiment très, très soigné. Et c'est aussi l'occasion de voir quand même Hiroyuki Sanada jouer. C'est vraiment, il est incroyable, cet acteur. Alors, la VO, elle est en anglais ou elle est en japonais? Alors, elle est en... Blackthorn, il parle en anglais. Et au fur et à mesure, il y a des traducteurs. Mm-hmm. Mais sinon, tous les autres parlent japonais. Mm. Donc, c'est vraiment... Ils ont vraiment travaillé la cohérence de ça. Je me souviens Il n'y a pas le syndrome Star Wars, quoi. Il n'y a pas le syndrome Star Wars. Syndrome Tekken. Il n'y a pas Richard Chamberlain qui apprend le japonais très, très vite, quand même. D'accord, voilà. Très bien. Bien, merci Daniel pour cette reco sur Shogun, disponible sur Disney+. Si j'ai vu le petit logo, décidément Disney+. Ils ont l'alpha, quelques recos, l'alpha et l'oméga. Ouais, exactement. J'en profite, allez, simplement pour remercier les gens qui sont venus me voir à la sortie du concert Nir qui s'est tenu courant février en France à Paris au Palais des Congrès. Est-ce que déjà... c'était absolument incroyable? Vraiment, c'était incroyable. Ah oui, là, tu voulais faire une blague sur le fait que Nier Automata a eu 7 Non, je pense qu'on voulait faire une blague sur Jannick Nicole. Par contre, je me moque. Est-ce qu'ils t'ont dit 7 sur 10 Non, ça va. Ils ont été. J'ai toujours mis en exergue la qualité absolument phénoménale des musiques. Là-dessus, je n'ai jamais transigé, mon cher Daniel. Et c'est vrai que les entendre réinterpréter par un orchestre de cette qualité, avec un chef d'orchestre sautillant qui était vraiment très très impliqué dans le processus, en présence de Keiichi Okabe, donc l'un des compositeurs de la bande originale. Okabe a fait le déplacement. Et Yusuke Saito également. Saito, c'était le moment d'annoncer les 8 millions d'exemplaires de Nier Automata, donc il était très fier de pouvoir annoncer ce nouveau cap directement sur scène, mais surtout l'interprétation était incroyable, en présence donc des deux interprètes, Amy Evans et Jannick Nicole. Je l'invite. Et embarras. D'ailleurs, elle s'est exprimée sur son compte Twitter personnel. Ah oui? Ouais, elle avait dit arrêtez les blagues. Mais en tout cas, en plus, la salle est vraiment à dimension humaine. C'est laquelle? C'était Palais des Congrès. En plus, je pense qu'en vieillissant et en étant daron, on gagne en sensibilité. Donc, moi, la moindre corde qui vibre à 3 mètres de moi, ça me met en transe et j'ai des frissons, voire des espèces de larmes qui montent aux yeux, c'est nouveau. Ah ouais, c'est vrai. Avant ça me faisait pas ça, j'étais relativement insensible, et plus ça va et plus je m'enfonce dans la sensibilité, c'est terrible. Mais j'étais transporté par la qualité incroyable, et puis les reprises étaient absolument sensationnelles. J'étais un peu déçu que mon morceau préféré ne soit pas comme dans l'original, parce que j'ai toujours cette espèce de petit poil à gratter en moi qui me dit que La version studio est mieux. La version studio est mieux. C'était Amusement Park, donc c'est l'un des morceaux les plus emblématiques en plus de la BO. Ça mixait ni Réplicante ni Automata, d'ailleurs, autant le préciser. Mais vraiment, on le voit d'ailleurs, Sautillé, le chef d'orchestre, là, sur la vidéo captée. Il est habité. Ah, c'est son goût. Et c'est normal, parce que ces compositions sont vraiment absolument
fabuleuse. Il n'y a pas d'autre mot. Ça fait partie des plus grandes bandes originales de tous les temps du jeu vidéo, je pense. En plus, pour un jeu extraordinaire. Et même pas du jeu vidéo. En plus, pour un jeu extraordinaire. Bah moi je pense que c'est tu sais on en reparle sans transition on enchaîne directement avec Greg. Alors Greg, tu sais qu'il y a des photomontages désormais sur le Discord de la communauté Soumimasen Turbo puisqu'on t'a grimé en Christophe Ondelatte avec un petit logo fait rentrer l'accusé puisque c'est toi l'homme des scandales. Je les ai pas vus de Soumimasen Turbo. Quel scandale nous amène Greg? Alors scandale un peu plus léger. C'est mignon aujourd'hui. C'est un scandale. Bon, disons qu'il y a quelqu'un chez Nintendo qui a passé un mauvais week-end, mais en fait il y a eu un menu Kirby au McDo au Japon il y a 15 jours, et le problème c'est que le contrôle qualité des peluches ne s'est pas passé comme il fallait, et en fait les peluches n'étaient pas bien. Alors voilà, donc ça c'est à quoi devraient ressembler les peluches normalement. Ouais, elles sont très belles, elles sont jolies, mais le problème c'est que voilà, elles ont été mal bourrées. Pour les peluches, on dit ça. On dit peluches, on met de la bourre. Ouais. Et donc, elles ont été mal bourrées. Donc, elles ont des formes différentes. Il y a eu aussi des bugs. Ah oui, elles ont pas les. Le Kirby, voilà. Il a pas les. Il y a eu aussi des problèmes de visage. C'est-à-dire que des éléments ont été mélangés. C'est-à-dire qu'un Kirby qui doit plisser la bouche ne plisse pas la bouche. Tu sais, il y en a qui ont des gros culs. Il y en a qui sont ovales. Il y en a qui. Enfin, la couture est pas au bon endroit. Donc, ça leur fait un vagin. Enfin, tu vois, il y en a des plats. Il y a des Kirby en forme de frisbee pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pas. Voilà, tu vois, là, il y en a un qui est grand, l'autre qui est en forme de poire. Enfin, ça n'a aucun sens. Il y a des yeux qui ont été mélangés, des bouches qui ont été mélangées. Alors moi, mon préféré, c'est celui-ci. C'est quand la bourre se répartit mal, t'as l'impression qu'il a un pantalon et des pieds. On dirait que Kirby a des bottes. Et Kirby avec des jambes, c'est très perturbant, je trouve. Mais moi, ça me fait... Ça n'arrive jamais, ça, au Japon, bah, avec la qualité d'effectuation. Ah si, on en a vu, il y a eu des exemples célèbres. C'est déjà arrivé, mais là c'est... Enfin, regarde, on dirait vraiment qu'il a des bottes et un vagin. Enfin, c'est très bizarre. Il est étrange ce Kirby, tu vois. Donc, on connaît pas vraiment le sexe de Kirby. C'est vrai. Qu'il est unisexe, oui. Kirby. Donc du coup, Kirby sold out parce que dès que le truc s'est enflammé sur Internet, tout le monde voulait y aller parce que c'était la loterie. C'est-à-dire que les gens achetaient un menu en espérant avoir un Kirby moche, en fait. Et puis ils se les alignaient en disant, regardez, moi le mien sourit alors qu'il devrait plisser la bouche. Ah, moi il lui manque les joues. Ah bah moi il a un pied à gauche qui est pas bon. Et donc évidemment la sentence est tombée dès le lundi. L'opération était interrompue. Ah oui. Voilà. Ils ont pas remis des Kirby. Je veux bien que la Chine c'est en face du Japon, mais faut relancer les usines et tout quand même, tu vois. Ouais. Donc toute l'opération est annulée. Incroyable. Ah ouais, ils n'ont pas transigé là-dessus. Hein. Pour qualité, c'est sacré. Un Kirby avec un pantalon, c'est impossible. On a vu des jouets McDo ou même d'autres chaînes de restauration de fast-food qui n'étaient pas conformes au personnage que tu espérais obtenir. Quoi. Mais alors là, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on est en 2024, qu'il y a du buzz, que les États-Unis ont commencé à s'en emparer. Et tu sais, là-bas, Nintendo, c'est sacré. C'est un peu disneyien comme gestion dans les droits et dans les images. Il y a aussi le fait que, je reprends différemment. Quand une figurine sort qu'elle est moche, mais qu'elle est moche parce que l'exécution est mauvaise, mais qu'elle ressemble à son artwork, pas de problème. Là, le vrai problème des peluches Kirby, c'est que tu as des Kirby qui n'avaient pas les éléments faciaux corrects. Tu as un Kirby qui sourit alors qu'il ne devrait pas sourire. Tu as un Kirby auquel il manque le rose des joues. Tu as un Kirby... Quand Kirby gonfle sa bouche, il est comme ça là. Il fait une espèce de bouche fermée. Mais là, tu avais des Kirby qui étaient en position gonflée, c'est-à-dire qui étaient en forme de ballon, mais ils souriaient, ce qui n'est techniquement pas possible dans la Bible de Kirby. Tu vois, tu peux pas gonfler Kirby et qu'il ait la bouche normale, il faut qu'il ait la bouche de quelqu'un qui retient sa respiration. Et comme ils ont mixé les éléments de visage et que tu as des Kirby qui ont l'air gonflés alors qu'ils sont pas gonflés et vice-versa, des Kirby qui ont pas de joues, ça, c'est impossible. Enfin, c'est comme si c'était des faux, en fait. Donc là, je pense que c'était vraiment ça le problème. Ouais. Tiens, tu vois, là, on le voit, là. On voit le Kirby qui est gonflé. Regarde, tu vois, les quatre Kirby, pour ceux qui ont les images, à gauche, c'est les quatre Kirby que tu pouvais avoir dans le menu. Et à droite, tu vois que sur la photo de droite, le Kirby de gauche, il est gonflé, mais il a un visage souriant. Alors qu'il ne devrait pas être souriant comme ça. C'est peut-être la version américaine-japonaise de Kirby, où les jaquettes japonaises, il sourit, et les jaquettes américaines, il a les sourcils foncés. Avec son pantalon, il est incroyable. Je ne peux plus dévoir, je ne peux plus unsee, comme on dit,
Kirby vagin quand même. Alors, ça, c'est vraiment, je ne vois que ça maintenant. C'est terrifiant. Allez. Tu m'as brisé Kirby, Greg. Nous qui avons eu la chance d'aller au Kirby Café pour voir des goodies absolument mirifiques, alors, au-delà des plats absolument délicieux. La validation était bonne. Souvenez-vous, l'Inde. On a eu Daniel au Super Nintendo World et on a eu Daniel au Kirby Café. C'était le méchant, à peu près la même émotion. Le nom, on dirait qu'il a une bouche. Ouais. Parce que la couture est placée au mauvais endroit. Waddle Dee, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il faut dire un truc, c'est quand même une grande tradition du Japon. C'est que les mèmes se réapproprient quand même les figurines et les jouets pourris. Mmh. On se souvient notamment de Mokos, qui était un légendaire figurine moche de Xenosaga 2. Ouais. Et je l'ai. Il fallait la boîte est énorme. J'ai pourrais la rapporter sur le plateau. Je la ramènerai. Très bien. Et Mokos, c'est vraiment. Et genre, on dirait que le robot, il a vécu l'enfer. Hein, alors, à la base, c'est Cosmos. Donc, la cyborg sexy de Xenogears 2. Cosmos. Et ils avaient fait, pour la sortie de Xenosaga 2, ils avaient fait une version collector qui était très chère avec Cosmos debout et Cosmos assise dans son espèce de moto volante. Et la moto était magnifique. Et en fait, le personnage qui allait s'asseoir à l'intérieur avait un visage horrible. Et donc, c'est un des tout premiers mèmes japonais au début des années 2000. Les Japonais sont partis du principe qu'en fait, elle était possédée. Donc, ils l'ont appelée Jashin Mokos, donc Mokos, le dieu maléfique, parce qu'elle a un regard hyper flippant, et voilà, je vous... Si tu la retrouves dans tes armoires, on l'avait mis en plateau, je pense que ce sera la mascotte de cette émission. Voilà. Ah non, mais Mokos, elle était extraordinaire. Il y a eu ça, et bien sûr, Toy Story... Oui, alors lui, il n'est pas cursed. Hein. Lui, il fait vraiment cette tête-là dans le dessin animé. Oui, juste que... voilà, les gens l'ont utilisé, les toy photographeurs l'ont utilisé de manière un peu détournée. Le Woody. Le pervers Woody. Toy Story. Et il y a eu des quantités de photos de toy photographeurs qui se sont régalés avec. Eh bien, merci messieurs pour cet instant reco. Nous, on va ouvrir la page que vous attendez toutes et tous. C'est Famitsu Mimasen avec peut-être le jeu le plus attendu de tous les fans de jeux vidéo japonais en 2024, à savoir Final Fantasy VII Rebirth, sur lequel on va sans doute s'attarder. Et là, je préviens Hubert, j'espère qu'il n'a pas trop faim, mais je vous préviens également vous. Hein. Je ne sais pas si vous avez du temps devant vous, mais en tout cas, ça va être un segment riche. J'espère que vous avez commencé un marathon. Et varié. Ouais. Si on faisait cette émission en plein de petits morceaux la prochaine fois. Non, mais en plus, c'est bien, vous pourrez jouer à Final Fantasy VII Rebirth. Et c'est un jeu qui prend du temps. Et en plus, écoutez ce qu'on en pense. Donc c'est formidable. Mais ça, ce sera juste après cette petite interruption. Est-ce qu'on peut faire plus lourd que Final Fantasy VII Rebirth pour un programme de Sumimasen Turbo? Je ne pense pas, franchement. Je fais 149 gigas, il me semble. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est. Il faut prendre le temps. Il faut avoir plutôt la fibre, hein, si vous voulez pas le télécharger en une semaine. En tout cas, on y a joué. Alors, autant faire un petit disclaimer. Voilà, on y a joué à des degrés plus ou moins longs, parce que c'est un jeu très costaud, comme on l'a dit. Greg, c'est quoi? C'est une vingtaine d'heures, quinzaine d'heures peut-être? Non, un peu plus que ça. Ah, quand même, d'accord. Ouais, 25, je pense, un truc comme ça. D'accord. Daniel, c'est 50 heures. 50 heures, c'est massif. Et ouais, j'ai vu la fin. Toi, tu l'as fini. 73 heures. Voilà, ouais. Tout simplement, parce que, on va le dire, c'est un jeu qui a une envergure absolument folle. Final Fantasy VII Rebirth, 4 ans après Final Fantasy VII Remake, qui avait peut-être émaillé votre confinement, puisqu'il était sorti en pleine période, dans cette période. Il est sorti une semaine ou deux après le confinement. D'ailleurs, les gens ont été sympas. Ils ont envoyé le jeu avant la date. Même avancé, pour que tout le monde puisse en profiter. Ils n'ont pas fait ça cette fois-ci. Non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est libre de circuler. Final Fantasy VII Rebirth disponible donc depuis le 29 février dernier, uniquement, exclusivement sur PlayStation 5, pour une très bonne raison, c'est que celui-là ose le pari du monde ouvert. FF7 Remake était un jeu particulièrement cloisonné. Et bien, comme il y a une correspondance entre le jeu d'origine et celui-là, Final Fantasy VII Remake se concentrait sur la période de Midgar. Et après le fameux CD1 de Final Fantasy VII, on pouvait explorer toute la région autour. Eh bien, c'est le pari de FF7 Rebirth, c'est ce moment de récréation, si j'ose dire, le moment de la course-poursuite hors du territoire de Midgar, qui nous est relaté ici avec, eh bien, Cloud, Barret, Tifa, Aerith, Red 13, qui vont partir explorer le monde gigantesque qui s'offre à eux. Daniel, tu voulais déjà réagir. Je veux juste préciser, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, on va faire toute une partie sans spoiler. Oui. On va se concentrer. Chapitrer sans spoiler, puis chapitrer avec spoiler. Voilà. C'est et encore avec spoiler,
Puyo va faire attention de ne pas nous spoiler. Oui, bien sûr que, voilà. Évidemment. On va parler de... On n'entrera pas dans tous les détails narratifs. On entrera un petit peu plus dans certaines mécaniques ou certains ressorts, ici ou là. Mais, donc, évidemment, vous avez le chapitrage, vous pouvez vous y reporter. On essaiera de mettre une autre balise au moment où on va rentrer dans le territoire des spoilers. Donc, si vous nous suivez sur YouTube, ce sera relativement facile. Il faut que j'apprenne à faire le chapitrage sur Spotify. Ça existe aussi. Et peut-être à cette occasion-là, ce sera l'occasion de le mettre en place. Comme ça, vous ferez... Enfin, Spotify et les autres applis de podcast, évidemment, je ne pense à ceux qui rendent cette option disponible. En tout cas, Final Fantasy VII Rebirth est disponible et comme on l'a dit, il fait le pari du monde ouvert. On va peut-être commencer par là d'ailleurs, puisque c'est quand même la grande nouveauté de cet épisode-là, c'est vraiment de décloisonner ce qui pouvait être l'exploration dans Final Fantasy VII Remake, qui était un jeu très chapitré, un jeu très couloir, avec, vous vous souvenez, les petites balises au sol bleues qui, voilà, il faut monter là, il faut s'engouffrer dans ce couloir-là pour camoufler le temps de chargement, ce genre de choses. Tel Final Fantasy XVI, là aussi on reviendra peut-être sur la mise en perspective de ces deux jeux-là, eh bien, on est relativement libre d'explorer les différentes régions qui l'on va être amené à parcourir. Oui, t'es libre. Oui, je disais que, par exemple, le jeu commence durant la démo de Nibelheim, qui est une démo disponible, donc c'est pas vraiment un spoiler. Et tu t'aperçois que pour un jeu qui fait le pari du monde ouvert, au début, tu peux pas vraiment explorer. Oh, mais c'est un tuto. Oui, mais c'est bizarre d'avoir une proposition de monde ouvert, de te retrouver contraint de ne pas pouvoir marcher ici et là. C'est un tuto, ça passe en une heure, ça va. Heureusement, très très vite. Très très vite, après 2 ou 3 heures, le jeu va vraiment ouvrir les portes en grand vers le monde de Final Fantasy VII. Et là, on va se transformer dans un... Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est un parc d'attractions? C'est le monde ouvert à la Ubisoft? Comment on pourrait le qualifier? Oui, moi je me suis vraiment senti agressé au début du jeu. Alors pas au début, après le tuto du flashback du village de Tifa. Quand tu te retrouves pour la première fois dans un monde ouvert... C'est un monde qui est ouvert mais qui n'est pas libre. Moi j'avais vraiment l'impression de jouer à Far Cry Fantasy VII parce que c'était horrible. À chaque pas, j'avais un truc. Et donc tu avances, tu as le gamin en short, là, Chadley, qui arrive. Salut Cloud, oublie pas, hein, j'ai mon simulateur de trucs. D'ailleurs, si tu vas là, ça va déclencher un truc. Tu vas là. Tu vas là, et là, d'un seul coup, tu commences à faire un truc, et oh, il y a un oiseau rouge. Il faut que tu suives l'oiseau rouge, parce qu'il va t'amener à un endroit qui est super. Tu commences à suivre l'oiseau rouge, là, hop, t'as un bébé chocobo. Il faut que tu suives le bébé chocobo, parce que sinon, tu pourras pas avoir accès aux arrêts de bus. Tu commences à suivre le bébé chocobo. Regarde, là, il y a un ennemi rare, il faut que t'ailles... Avec les quêtes et des quêtes, et que t'arrives devant la quête, et t'as trois objectifs. Voilà, ça ne s'arrête jamais. Et il empile les tutos. Et surtout, tu ne peux pas en finir un. C'est-à-dire que tu es en cours d'en faire un et tu peux pas finir ce que tu étais en train de faire. Il y a une autre proposition qui arrive juste derrière. Et la logique, c'était peut-être de dire regarde tout ce que tu peux faire. Ah ouais, mais c'est épuisant. C'est-à-dire que pour les gens comme moi qui ont souvent cette, ça t'arrive des fois, tu vas dans une pièce et tu arrives dans la pièce, tu dis merde, j'étais venu faire quoi déjà? Et t'as les clés dans la main et tu qu'est-ce que je devais faire déjà? Et pour les gens comme ça, c'est insupportable parce que je suis en train de suivre l'oiseau rouge, on me dit regarde, là il y a un monstre machin, donc hop, je vais tuer le monstre rare. J'ai dit mais je faisais quoi déjà? Et après, donc tu rentres et tu te fais engueuler par le gamin en short. T'as pas fait de... excuse-moi, mais tu me demandes 3 trucs en même temps. Donc à chaque fois que tu vas activer la tour, il va, comme dans n'importe quel jeu, te montrer te proposer toutes les activités encore annexes de... qui sont dans la région. C'est pour ça que Il y a ce phénomène de paillettes. C'est pour ça que je parlais de Far Cry Fantasy VII. Ouais. C'est que dans chaque monde ouvert, en fait, quand tu regardes la carte, elle est grise et il faut que tu ouvres une antenne Wi-Fi. Vieux réflexes de monde ouvert, tu fais le dépanneur SFR, c'est-à-dire que t'arrives, il y a une tour, alors au pied de la tour il y a toujours un monstre, voilà, décidé de garder la tour, tu lui pètes la tête, hop, alors c'est plus ou moins compliqué de monter les échelles, alors c'est pas le niveau de Far Cry non plus, mais Début, tranquille, et après tu vas voir que il y a des tours qui sont conçues de façon puzzle, on va dire. C'est des demi-puzzles, alors là c'est vraiment Far Cry 3 et 4, c'est pas non plus Zelda avec l'activation des piliers, c'est clair. Mais donc tu actives le truc et là d'un seul coup ta carte s'illumine de plein de petits points, là ça fait très jeu de 2010 en fait. Et après, tu dis, là, il y a un repère de brigands. Là, il y a un monstre célèbre. Il y a des ruines qu'on n'avait jamais revues sont là, en fait. Je vais prendre le point de vue inverse. Est-ce qu'il était possible de concevoir un monde ouvert où tu es relativement libre dans un jeu aussi narratif que celui-là, sans tomber dans cette espèce de piège de la multi-activité? C'est-à-dire,
Oui, tu aurais pu mettre des fils narratifs disséminés tout au long de la carte, mais c'est quand même un jeu qui est très balisé, Final Fantasy VII, où tu dois te rendre d'un point A à un point B. Alors, je vais répondre à ta question, pas forcément de la manière dont tu l'attendais, mais pour moi, d'une manière générale, j'ai trouvé, alors c'est peut-être parce que je suis vieux ou que je manque d'attention, mais j'ai trouvé que ce Final Fantasy VII n'était pas très lisible. Il y a eu un débat avant que le jeu sorte, il y a une semaine il y a eu un débat sur les réseaux sociaux où les gens gueulaient parce que il y avait de la peinture jaune sur les murs pour escalader. Ils disaient ouais c'est bon, j'ai pas besoin c'est de ça, c'est un reliquat du passé ça. Mais en fait... alors que moi au contraire je trouve le jeu très très peu lisible. Ah bon? Alors déjà je trouve que la caméra est trop proche du personnage, parce que il faut dire ce qui est, Final Fantasy VII est un jeu graphiquement magnifique, il est très très beau, et comme il est très beau justement il est très fouillis. Il est, enfin, tu vois, il y a pléthore de textures partout. C'est pléthore de particules aussi. La moindre feuille d'arbre est super détaillée. J'ai eu des gens en stream qui se sont plaints des textures des pierres. Ça peut être assez inégal, bah, surtout au début du jeu, hein, typiquement. Genre, je me disais, tu joues en mode... c'est quand même dur. Hein. Et le problème, les gens sont durs avec ce jeu. Voilà, et du coup, moi, je trouve que le jeu n'est pas très lisible, parce qu'à force de vouloir être hyper réaliste dans ses forêts, parce que, enfin, toute la partie dans les mines. Pour moi, c'est illisible. Il y a des cailloux et des cailloux. Et c'est. Alors après, j'ai eu un bug, on en reparlera plus tard. Mais je trouve que la caméra est trop proche de toi et je pense que la meilleure solution, ça aurait été. Alors je ne dis pas que je suis un grand game designer, hein, mais je pense que si la caméra avait été un peu plus loin de Cloud et que tu avais rendu les différents éléments du paysage un peu plus reconnaissables, parce qu'une tour avait une tour verte au milieu des arbres, ça. Très honnêtement, j'ai facilité mon exploration en mettant la minimap par défaut. C'est-à-dire que de base, je crois que tu es en mode boussole, avec simplement avec donc les itinéraires qui sont en haut comme dans n'importe quel de Witcher. Oui, oui, et il faut sans véritable minimap. Si tu passes par les options que tu actives la minimap, déjà, tu es un petit peu plus en confiance sur la zone environnante. Alors oui, mais je reprendrai un des points positifs de FF16. Qui disait, on n'a pas mis de minimap pour que les gens regardent le décor. Ouais, mais enfin, le décor de FF16, c'était du marron, donc c'était... Écoute, FF16, j'ai trouvé FF16 plus... Alors, t'avais moins d'activité sur la map, mais j'ai trouvé FF16 plus lisible que celui-ci. Daniel, je sens que tu t'échappes, là, et j'aimerais que tu... Pas du tout. Ah bon, non, je suis concentré. Parce que les gens nous ont dit, la dernière fois, on a vu Daniel s'échapper. Alors, oui, moi, je voudrais te maintenir avec nous en tension. Parce qu'on avait bouffé, figure-toi. Ah, ouais, et on était... Et surtout... Ce que les gens savent pas, c'est qu'on commence à enregistrer à 10h30 et qu'on avait fini à 20h. Ton rapport à ce monde ouvert façon parc d'attractions. Alors, toi, on sait que t'es pas fan de parc d'attractions, mais au-delà de la blague. Non, mais j'aime bien. Ce côté alors, j'adore les mondes ouverts. Far Cry-esque et ce côté. On n'a pas parlé, mais tu es constamment soumis à un loot intensif. Alors, qu'est-ce que tu penses d'abord, de ça, là, la première réflexion quand j'ai vu la map et j'ai vu. Ah merde, il y a des tours à actionner et ensuite il y a des bricoles à faire et qui ouvrent à des mini-jeux avec un petit QTE de musique, un petit QTE de triangle, triangle, triangle. Et genre, je me suis dit, ah ok, d'accord, ils ont tout mis dedans. Et en fait, il y a un truc qui est assez intéressant dans ce jeu, c'est que tu peux les faire, mais tu peux aussi ne pas les faire. Et le jeu appelle un peu un truc en toi de complétisme. Hein. Oui. Parce que t'as envie de faire 100% de la zone, mais en même temps, tu comprends que si tu fais 100% de la zone, t'en auras pour 250 heures. C'est l'idée de Final Fantasy. Si vous avez une espèce de psychose de la non-complétion et que vous voulez faire les régions à 100%, c'est peut-être pas le meilleur moyen d'aborder le jeu pour garder la rythmique globale du scénario. C'est-à-dire que je me suis un petit peu astreint à ça dans les premières et la deuxième région, et quand j'ai vu que c'était toujours le même cadva, et allait se répéter systématiquement avec la tour, l'invocation à affaiblir, le petit mini-jeu en plus, les chasses, les trucs, les coffres à trouver, les zones de coffres, je me suis dit, pourquoi, je suis désolé pour l'anglicisme, mais il y a une levelisation, une stagisation de FF7, c'est arrivé à... Le niveau de la mine. Alors, le niveau de la mine, est-ce que j'ai battu le boss? Oui, non. Est-ce que j'ai récupéré l'invoque? Oui, non. Est-ce que j'ai accès... voilà, hop, j'ai fini ou pas? Hop, tu passes au suivant. Tu déclenches une cinématique, donc tu récupères soit Yuffie, soit machin, et on te dit, attention, voulez-vous vraiment aller là? Vous n'allez pas pouvoir venir sortir avant un moment. Donc, il hop, a le bon tu, goût de t'indiquer le tu, niveau tu, nécessaire. Tu déclenches un event, voilà, t'as un tunnel de 3-4 heures où t'as surtout des cinématiques et un boss. Et après, pouf, un nouveau boyau dans lequel t'as des tours, t'as le mec en short qui te dit « Bonjour Cloud, j'ai des nouvelles épreuves pour vous. » Qui sont exactement les mêmes qu'avant. Et voilà, donc c'est...
C'est un monde ouvert, mais c'est pas un monde où t'es libre, je trouve. Ah, c'est pas un monde où tu t'impliques surtout. Alors, mais je pense aussi que le jeu est en développement depuis très très longtemps, et cette espèce de côté très procédurier, en fait, je pense qu'il y a 2 ans, on aurait trouvé ça super, mais qu'entre-temps, Elden Ring a mis un coup de vieux à tout le monde. Alors, il y a un truc, c'est que je trouve que quand même, le jeu se prend la tête à te proposer tout ce monde ouvert, mais en même temps, il n'oublie pas ce que c'est qu'FF7. Et c'est-à-dire qu'il y a des moments où t'es dans des entonnoirs narratifs, c'est les meilleurs moments du jeu. Je vais te le dire comme je le pense, je trouve qu'il y a 2 jeux qui juxtaposent. C'est-à-dire que quand le jeu devient tout d'un coup, quand le jeu vidéo, là, quand FF7 reprend ses droits, et tout d'un coup, t'as les boss, t'as les donjons, t'es dans un truc, il y a une espèce d'urgence, parce qu'en fait... Ça reste une course-poursuite. Voilà. Il y a le côté Shenmue du monde ouvert. C'est très important pour moi. FF7, c'est quand même c'est un jeu de course-poursuite. J'adore les RPG de course-poursuite, j'adore des Q8. T'es à la poursuite de Sephiroth, mais il y a aussi des gens qui te poursuivent. Et les moments où tu sens cette intensité, c'est le moment où le jeu, il est génial. Vraiment, le FF7 Rebirth est génial quand tu sens cette urgence, quand tu sens les mecs qui te poursuivent, quand tu sens que Sephiroth est devant toi, mais tu sais pas où il est et tout ça. Et en fait, à partir du moment où tu dois aller chasser des mugs, trouver des maillots de bain, où tu dois attends, parce qu'on allait chasser les mugs, à un moment, attirer les poulets avec des canettes. Moi, j'ai attiré les poulets avec des canettes, et à un moment, j'en étais à 50 heures. Je me disais, est-ce que j'ai vraiment le temps pour ça? Redonnez-moi la Shinra, s'il vous plaît. Ça reste une quête secondaire, hein, le côté des poulets. T'es pas obligé de le faire. Oui, les mugs aussi, c'est oui, c'est secondaire, mais c'est en fait, c'est les ça. Mais quand tu joues à Final Fantasy, t'as envie d'avoir toutes les armes. Mais les infiltrations de chocobo. Mais oui, en fait, c'est un jeu qui est d'une générosité tellement folle que t'as des milliards de trucs, des dizaines. T'as une bonne dizaine de mini-jeux, je pense, qui sont de toute façon assez inégaux. Mais il y en a qui sont très très bien. On y reviendra peut-être. Ah non, on va y revenir. Ah non, mais c'est sûr qu'on va y revenir. Et d'un autre côté, t'es pressé par le temps et comme tu le dis, c'est vraiment les moments où t'as la belle cinématique, où t'as la mise en scène incroyable, où t'as le combat de boss palpitant. Ça c'est vraiment les meilleurs moments, et d'un autre côté t'as l'impression qu'on t'a glissé, enfin même mis à enfoncer un monde ouvert au forceps qui est un petit peu superflu. Alors j'ai entendu une position qui consiste à dire avant tu tournais en rond dans la région autour de Midgar pour faire ton level up, là finalement ton level up au moins il est gamifié, t'as des trucs à faire et t'as des gens à voir, t'as des ennemis à affronter, ce qui se tient complètement, c'est une vision que tu peux faire. D'un autre côté le level up t'as l'impression qu'il est séquencé aussi, c'est à dire que finalement les niveaux augmentent assez lentement. Et c'est pas long, hein. Un ou deux niveaux de différence qui vont changer complètement le tunnel narratif dans lequel tu vas t'enfoncer. Alors ça dépend de la difficulté dans laquelle tu joues. Moi je pense que les niveaux de difficulté, alors il y a le mode facile qui est vraiment sympa. Ah, c'est carré. Tu as le mode normal et le mode dynamique où les ennemis s'adaptent à ton niveau. En fait je pense que ce mode dynamique est très bien pour les complétistes. Parce que justement si tu... En fait le jeu est fait pour que tu le joues de manière réaliste. Enfin, c'est mon expérience en tout cas. Et je pense que par contre, si tu prends le temps de faire toutes les quêtes et tout, tu roules sur le jeu parce que t'as trop de niveaux, t'as trop d'argent, donc t'as acheté les objets. Le différentiel n'est pas si grand entre le moment où tu fais une région à 100% et celle où tu la traverses tranquille. Moi, je suis pas d'accord. Ou alors, j'ai vraiment dû monter de niveau, mais je mourais beaucoup à un moment. Le jeu n'est pas facile. Je suis parti faire toutes les quêtes du mec en short. Et quand je suis sorti de toutes les quêtes, que j'ai équipé les bonnes matérias et tout, j'ai roulé sur le jeu. C'est-à-dire que là, le mont Corel, les ennemis ne me tenaient pas 10 secondes. Oui. Donc je pense que si tu fais vraiment beaucoup d'épreuves, il vaut mieux jouer en dynamique pour garder un peu ce challenge. Parce que le système de combat aussi est... si c'est facile, t'en profites pas en fait. Avant d'aller plus en profondeur sur le système de combat, je voulais simplement vous poser une question. Est-ce que vous prenez du plaisir à explorer le monde avec le système de parcours qui est mis en place? Moi, c'est très variable. Et je trouve que, et ça, c'est un truc qu'ils ont fait d'assez intelligent, c'est que je trouve que toutes les zones ont leur identité propre. Le désert, où t'es plus buggy. La jungle, où si t'as pas de chocobo, t'es rien. Il y a le moment où tu montes vraiment une vraie randonnée, quoi, un vrai truc où tu montes la montagne et tout. C'est vraiment pas mal. Moi, j'ai bien aimé ce passage. Et en fait, ça dépend vraiment des zones. Par exemple, la jungle,
La jungle repose sur un truc de gameplay de il faut avoir le chocobo pour ensuite sauter de champignon en champignon. C'est vrai que comme tu le dis, les zones sont très différentes en matière d'approche d'exploration. Je trouve que les persos ont vraiment beaucoup d'identité et les zones ont pas mal d'identité aussi. Mais simplement la mécanique, c'est pas Death Stranding, c'est même pas Forspoken en termes de parcours. C'est quand même assez. Parfois, t'as l'impression que tu peux grimper de rocher en rocher sans problème, puis des fois t'es contraint par des murs invisibles, pour ça, c'est encore une fois, on parle de lisibilité. C'est-à-dire que les gens se sont plaints que les falaises étaient peintes en jaune. Moi, je pense qu'il aurait fallu qu'il y ait des vraies balises sur ce que tu pouvais faire et ce que tu ne pouvais pas faire. C'est-à-dire qu'il y a des... Enfin, je ne veux pas repartir sur Charpentier San, mais il y a des... comment dire, il y a des trous que tu peux sauter. Et d'autres trous, on dit « Ah bah non, il faut que tu fasses tout le tour de la mine et que tu ailles résoudre une énigme à la professeure Layton pour faire basculer un truc, alors qu'il y avait quoi, 50 cm en plus par rapport au pont que tu as sauté un peu avant ?» Tu vois, le Mont Corel, où tu es obligé de... Non, c'est les mines de Mistril, pardon. Où tu es obligé de monter tout en haut, puis de redescendre, parce que Cloud, il est fatigué, il peut pas sauter la voie de chemin de fer. Juste après, tu les vois faire un saut deux fois plus grand que ce qui était là. Et c'est embêtant, je trouve, parce qu'on se retrouve encore avec ces problèmes de plus un jeu est réaliste, plus il faut faire gaffe à ce qui reste plausible derrière. On l'a pas dit que c'est aussi la promesse et la mise à l'échelle de Final Fantasy. C'est ça qui demande aussi un monde d'une telle envergure. Rappelons-le, le jeu original, il y a plusieurs échelles. Il y a l'échelle du combat, il y a l'échelle de la ville et il y a l'échelle du monde extérieur. Et puis c'est pas très bien respecté. Je veux juste dire un truc, parce que là, les gens vont dire oh là là, mais ils sont en train de charger le jeu. Comparé à FF16, c'est un bonheur de chaque instant. Je veux dire, je préfère. L'exploration du monde ouvert, tu veux dire, et même l'exploration. Les minigames et tout, genre tout en tant que plaisir global de jeu, après ce qu'on a vécu sur FF16, c'est vraiment. T'es en train de me faire la conclusion. On va peut-être, en tout cas, mettre en évidence les points positifs. Et parmi les points positifs, là on voit les mini-jeux, on y reviendra promis, hein, quoi qu'il arrive, on ne échappera pas, parce que c'est vraiment très important d'en parler. Il y a quand même l'un des principaux points positifs, à mon avis, c'est la façon dont ils sont à nouveau réapproprié le système de combat original de Final Fantasy VII, qui avait déjà été vachement mis en avant dans Final Fantasy VII Remake, et qui là revient encore une fois. Quand tu vois les efforts qu'ils ont fait depuis FF15, mettre un petit taquet à FF16. Bon, mais c'est FF15 aussi. Et même FF15, mais la différence de niveau. D'implication et de stratégie que tu peux avoir dans FF7 Rebirth. Et de complexité, et de build. Et en même temps, de simplicité par rapport à tout ce que le jeu essaie de magasiner. Au final, hein. Bon, évidemment, il faut avoir les codes de Final Fantasy, donc il faut savoir ce que c'est un ATB, etc. Le tuto, bon, même s'il est ce qu'il est, c'est... Vaut mieux avoir joué à Remake d'une certaine façon. Après, ça dépend des personnages que tu joues. Hein. Ça dépend de qui tu joues. Et ça, on peut y venir aussi. La qualité de gameplay, d'individualisation de chaque personnage, je veux dire, FF7 Rebirth, c'est un jeu qui rend miraculeux le fait d'incarner Katie. C'est peut-être le personnage que j'ai toujours laissé en retrait dans Final Fantasy VII original. Parce qu'il est un peu OZEF. Là, non seulement le personnage est particulièrement mis en valeur par le scénario parce que c'est son moment. Ne tape pas la table parce que Hubert fait des grimaces. Désolé, c'est l'enthousiasme, vous savez, c'est mon côté Patrick Helio. Mais en plus, le système de Katie, mais il est incroyable. J'étais en train de m'endormir sur le jeu, je le disais à Daniel, parce qu'on se parle. Je disais, le jeu, il avance pas et tout, il est trop long pour. On sent bien ce qu'on aura l'occasion peut-être de dire aussi tout à l'heure. Et au moment où j'ai eu Katie avec son gameplay particulier, donc tu dois invoquer le Mog, tu dois monter sur le Mog, il a une stat qui est indexée sur la chance, donc si tu boostes la chance, il va faire des dégâts incroyables. T'as un nouveau personnage que tu redécouvres. On avait redécouvert Yuffie dans Intergrain, qui est un personnage très efficace. On a Red 13 au début du jeu, qui a toute une mécanique de garde de vengeance, parce que le jeu introduit désormais le système de garde parfaite, qui n'était pas là dans le premier. Et de stagger. Le stagger était là, mais le stagger qui est proportionnel à la garde que tu mets avec Red 13. Il y a un stagger que tu peux renvoyer à l'ennemi, et si Red 13 part dans le bon moment, il va étourdir l'ennemi. Tu vois, je ne suis pas un joueur de Red 13, mais je suis un joueur de Yuffie. Je suis complètement craqué aussi. Je me suis réapproprié complètement les combos du personnage. Parce qu'elle peut le ninjutsu là, ouf, c'est parce tellement parce qu'elle s'adapte à toutes les faiblesses des ennemis et comme le jeu repose beaucoup sur le stagger, le fait de percer la faiblesse ennemie, ça te permet de faire monter cette jauge plus rapidement. Faut pas se fatiguer, elle le fait à distance en plus. Oui. Et elle peut se dédoubler. Elle peut triangle, dédoubler. Voilà. Elle a des shurikens hyper puissants. Enfin, mais ça c'était le réflexe d'Intergrain, mais elle tu a le un combo là. Plus combo de plus sur le combo. Et dans Intergrain, elle évoluait en duo et là, avec la synergie qui se crée avec les autres membres de
l'équipe qui déjà avait un gameplay absolument incroyable. Je pense à Tifa qui est ouf, Barrett qui est vraiment très plaisant à jouer. Bon bah Claude, on en parle pas. Barrett, c'est vraiment le tank quoi. Ouais, c'est le couteau suisse. Il peut tout faire. C'est-à-dire, tu le mets de loin et tu peux reprendre l'esprit de ton équipe et tu peux leur redonner de la vie. Je trouve ça dommage d'ailleurs qu'on puisse pas enlever Claude de l'équipe. Oui. Ouais. Pourtant, le jeu fait l'effort de beaucoup répartir les équipes et les compositions très très régulièrement, du début à la fin. Quand c'est scénaristique. Quand t'as Claude chez toi, tu peux pas l'enlever. Et c'est dommage parce que il y a des synergies qui paraissent évidentes avec d'autres personnages. Et là, t'as envie d'en profiter. T'as envie d'en profiter et t'en profites pas toujours. Mais le système, c'est vraiment de l'orfèvrerie. Le système de combat entre les matérias. Que tu peux activer pour justement compenser les forces et les faiblesses de chacun, mais ça c'était déjà présent. Il y a l'ajout des attaques synchronisées, donc c'est les petits points qu'on voit sous les barres de vie qui permettent donc d'avoir des attaques synchrones entre les différents membres. C'est quelque chose d'un héritage de JRPG classique depuis Chrono Trigger, mais ça marche très très bien là aussi. Au début, je trouvais et ça. Et t'es vraiment très récompensé. Hein. Ouais. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont vraiment très très récompensées. Poursuivre l'état de choc et celle qui rajoute une jauge d'ATB. Oui. Franchement, c'est quand le... quand tu pètes un ennemi en choc et que tu lui balances ta transcendance, ton attaque jumelée, tout, tu lui balances tout dans la gueule. Toutes les attaques qui montrent le pourcentage très, très de dégâts supplémentaires, notamment chez Tifa et Kaitis. Ça, c'est un bon système de stagger. Parce que t'as pas l'impression d'affronter un sac à PV. Tu sais que à partir du moment où tu vas le stagger, à partir de ce moment-là, tu sais que tu l'auras. Ouais. Mais et c'est bizarre parce qu'on voit de plus en plus de systèmes de stagger. Et celui-là, ils ont trouvé le bon équilibre. Oui, mais là, ce qui est malin, c'est que le stagger, c'est pas uniquement exploiter la faiblesse de l'ennemi, c'est parfois réagir à ce qu'il va faire, c'est-à-dire éviter telle ou telle attaque, se protéger de telle ou telle chose. Et du coup, il y a une multitude d'approches en fonction de la typologie de l'ennemi. Alors, il faut l'analyser pour la connaître. Pour que le jeu te la donne. Après, tu peux essayer de l'imaginer. C'est un ennemi de glace, bon, tu sais que ta magie de feu, ça va le stagger d'aussitôt. Mais c'est pas uniquement lié à une seule mécanique, c'est lié à plein de choses qui vont venir s'imbriquer. Et en plus, les compositions d'ennemis qui vont être mises face à toi jouent sur cet aspect-là. Et ça marche vraiment très bien. Le seul point négatif que je trouve aux attaques synchronisées, c'est qu'elles dépendent désormais d'un menu, d'un sphérié. Oui. Qui est pas forcément non plus très très lisible. Alors le sphérier, non seulement il est pas lisible, et puis surtout je trouve qu'il t'amène pas grand chose. Il faut vraiment aller loin dans le sphérier. Et là, il faut faire déjà des équipes. Il faut composer des équipes dans sa tête avant de déclencher le sphérier, parce que si tout d'un coup tu fais Cloud Tifa alors que tu joues pas Tifa, t'as pété. Les points que tu vas péter pour activer l'attaque synchronisée vont pas te servir à grand chose. Oui, et puis en plus le sphérier est dépendant non pas de ton niveau d'expérience. Mais ton niveau d'amitié, c'est-à-dire qu'il faut que vraiment tout le monde s'entende bien, sinon tu peux pas... Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que le sphérier est principalement composé d'attaques groupées. Parce que voilà, plus 3 en attaque, plus machin, il y en a très très peu finalement, par rapport aux nouvelles compétences que tu as à débloquer pour les groupes. C'est vrai que les sphères les plus intéressantes sont celles qui te permettent de booster la TB, et c'est peut-être le seul point négatif, enfin l'un des seuls points négatifs que je relèverais dans ces mécaniques qui sont quand même... particulièrement bien géré et particulièrement bien adapté au niveau de difficulté, c'est que tu restes quand même dépendant de la façon dont la jauge d'ATB va monter. Et malheureusement, les partenaires qui sont laissés en retrait, gérés par ordinateur, ils sont trop lents à activer leur propre ATB. Ils sont mous. Heureusement que tu as la matéria de Tifa qui lui permet d'activer ses propres attaques. Alors, je me demande dans quelle mesure c'est pas fait exprès ce côté mou et cette nécessité d'être un petit peu au four au moulin et de zapper entre les différents personnages. Il n'y a pas le côté Tales of, il n'y a pas le côté FF16, il n'y a pas ce côté tu gardes ton personnage attitré et c'est lui qui va tout faire. Tu es quand même obligé de switcher entre les différents personnages et ça aussi qui motive le fait de bien équiper leur matéria. Ce qui m'embête là-dedans, c'est que du coup, tu peux pas forcément profiter de certaines manières de jouer. C'est-à-dire, par exemple, tu veux jouer si tu veux jouer plus en distance. J'ai remarqué un truc, c'est que la console triche entre guillemets. C'est-à-dire que l'aggro, elle est sur le personnage que tu contrôles. Et tu peux l'abuser, ça d'ailleurs. Ah bah oui, bien sûr. Bah moi, dès qu'il y a un ennemi qui me saute dessus, hop, je change de perso. Bah oui. Donc l'ennemi fait demi-tour et puis du coup, tu le tabasses. Ah, moi, je me balade de loin. Mais voilà, dès que Barrett est loin et que tu prends le contrôle de Barrett, d'un seul coup, tout le monde se retourne vers toi. Enfin, ça n'a aucun sens. Enfin, si, surtout si tu as joué à des MMO, la gestion de l'aggro, elle est.
elle est ratée, quoi, je trouve. Et, c'est, ouais. Et ça te permet pas... Tu vois, moi, j'aime bien jouer à Aerys. Je pense qu'elle est nécessaire, mais elle est superficielle, du coup. Moi, j'aime bien jouer à Aerys parce que elle, t'es vraiment dans la préparation. Tu sais, tu poses tes glyphes, et on te fiche jamais la paix. Mmh. Alors que c'est un personnage qui est conçu, justement, pour pouvoir placer des mines un peu partout sur le terrain pendant que les gars au corps à corps se prennent des coups. Malgré la téléportation, elle se fait aggro, elle s'en prend plein la tête aussi. Les persos sont pas identiques ni égaux devant l'aggro et l'IA aussi. Non, mais c'est encore une fois, les monstres sentent qui tu contrôles et ils basent leur aggro là-dessus, pas au nombre de dégâts que tu leur fais. Ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'ils ont pris en considération tous les retours des joueurs en essayant de mitiger cet aspect-là qui avait déjà été relevé dans le premier. C'était déjà quelque chose qu'on avait vu, notamment le fait que le soin était dépendant de l'ATB. Mmh. C'est-à-dire que sans jauge d'ATB, tu ne peux pas activer de potion. Sans jauge d'ATB, tu ne peux pas utiliser cure. Ouais. Mais du coup, je trouve que le jeu, là, est très généreux en potions. Alors, ouais, déjà, cette générosité-là, qui va en plus de pair avec tout ce qui concerne la synthèse. Ouais. On en a parlé, hein, du loot qui est partout et du craft que tu peux réaliser. Tu ramasses des boulons et des fleurs dans tous les coins. C'est interminable. Et je pense qu'une petite option de ramassage automatique aurait pas la materia, été... ramassage automatique, ça aurait été sympa. Parce que pour l'international version. Ouais. Combien de fois j'ai détourné mon chemin juste pour un petit truc qui brille au loin. Surtout que l'interaction ne marche pas tout le temps. C'est un petit peu le côté Yakuza 8. Triangle. Tu passes à côté, il va pas forcément aller choper le truc parce que tu vas trop vite ou parce que le centrage sur le matériel que tu veux ramasser par terre ne se fait pas. Donc je voulais revenir donc sur la question de l'ATB. Ils ont essayé de mitiger ça. Déjà, tu as une matériel qui s'appelle magie auto, compétence auto, oui, qui te permet en unifiant avec une magie de faire en sorte que le personnage qui est laissé au contrôle de l'IA active en priorité celle-ci. La magie qui est associée à cette matériel-là. Ça te permet déjà d'avoir notamment Barrett qui utilise la fameuse grosse décharge chère à Hubert. On avait fait une vidéo comme ça, c'était marré. Okay. Qui est une des compétences les plus gratuites du jeu, d'ailleurs. Ouais. Au moins, tu es sûr que quand Barrett est géré par l'IA, Barrett va utiliser grosse décharge. Et même, tu peux mettre matéria auto, magie auto-soin à Aerith, par exemple. Ça peut servir et donc tu vas l'avoir. De toute façon, moi, quand t'as Barrett dans l'équipe, il faut commencer par prendre le contrôle de Barrett et balancer grosse décharge. Et après, tu passes à un autre perso le temps que grosse décharge se recharge, justement. Parce que sinon, il ne l'utilisera pas de lui-même. Et t'as même une autre matéria qui s'appelle, je crois, maîtrise des objets, qui te permet également de mitiger cet aspect de soins coûteux avec des activations d'objets qui seront gratuites. C'est-à-dire que si tu as ton cloud et que tu sais pas trop jouer, au moins tes premières potions, tu pourras les activer sans forcément aller jusqu'à... Tu vois, j'utilise pas toutes ces options, moi. Je suis plutôt... Je sais que tu es un homme de... Je t'ai vu jouer Elden Ring, depuis que je t'ai vu jouer Elden Ring, je sais que tu es un homme du sabre et du... Voilà, je suis un homme de brut. Tu es un brut forceur. Mais, j'aime le truc un peu cash. Mais si tu utilises, par exemple, Turbo ATB avec Kaitis, là, tu deviens le roi du monde parce qu'il est ultra puissant. Turbo ATB, ouais, elle est vraiment utile, par contre, j'utilise. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités de customisation avec finalement pas autant de persos que ça. Et je trouve ça assez intéressant. Et quand tu joues à ça et que tu repenses, désolé pour le tag gratuit, mais que tu repenses à la manière dont Final Fantasy XVI était mononeuronal et hyper limité. Ah, je trouve que c'est un peu facile de taper sur FF16 aujourd'hui, là où justement la proposition du jeu, bon, qui a échoué, mais au moins il proposait quelque chose, c'était justement une simplification. Mmh. C'est-à-dire que le postulat de base de FF16, c'était on va vous faire un grand jeu d'action-aventure narratif. Et... Ouais, mais là, tu sacrifies pas la complexité. Le jeu est peut-être un petit peu plus difficile à prendre en main qu'un Devil May Final Fantasy XVI, mais au moins, t'as quand même une richesse. Bien sûr, je suis d'accord, mais tu t'adresses pas au même public. Tu as touché très vite. Alors, c'est pas le même public. Je pense que déjà, FF16, tu regardes les ventes attendues de FF16 et les ventes attendues / ventes réelles de FF7 Remake, il y a quand même quelques millions d'écart. Ils savent qu'ils vendront pas autant de FF7 que de FF16. Donc, ils peuvent se permettre de faire un jeu plus compliqué, entre guillemets, je pense. Il y a aussi, alors même si évidemment les développeurs... Tu peux pas enlever les matériaux, les trucs comme ça. Bien sûr. Évidemment, même si les développeurs disent qu'ils espèrent qu'un nouveau public s'emparera d'FF7 grâce à ce jeu, on va pas se mentir, la majorité du jeu est surtout jouissive pour les gens qui ont connu l'ancien. Et le jeu est construit comme ça d'ailleurs. Je pense que si tu connais pas le FF7 originel, il y a quelques petits trucs qui te passent au-dessus de la tête, mais il y a surtout la moitié des scènes
qui sont sympas, mais où t'es pas genre ah oui t'es c'est pas, machin. T'as pas l'impression voilà, d'avoir le jeu tel que tu l'imaginais transfiguré et encore qui c'est va ça, au-delà ouais, de ton imaginaire voilà, de c'est 97. Un, c'est un excellent jeu, mais je pense que si t'as pas fait l'original, tu loupes quelque chose. Donc il y a ce côté regardez, c'est comme dans vos souvenirs, mais en plus qui le rend forcément plus complexe. Mais excusez-moi, je me faisais l'avocat d'FF16, mais je pense que c'est une bonne chose que chaque personnage ait une jouabilité différente dans FF7, parce que l'un des points forts d'FF7, c'est justement d'être ultra scénarisé, d'être ultra narré, et c'est là-dessus que ça repose. Je repense à l'émission précédente où on disait justement que Grand Blue Fantasy, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas trop d'attachement aux personnages. Là, on est dans l'hyper attachement. La dynamique entre les personnages, elle est incroyable. Et puis, le jeu est très bien écrit. Et on le verra après quand on dira dans le côté scénario, spoil, enfin, plutôt quand on parlera du scénar. Il y a des apartés sur les personnages intéressants. Les origines de tel ou tel perso. Et c'est jamais pénible. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Genre, t'as envie de savoir. Ils sont drôles, la dynamique d'équipe marche encore mieux qu'elle ne marchait dans le jeu d'origine. Et c'est vraiment. C'est magique à ce niveau-là. Je pense qu'il faut passer à l'étape d'après et qui est l'étape la plus importante de ce jeu. Ah, l'étape des mini-jeux. Ah, bah oui, les jeux de pêche. Évidemment. Alors, on disait que c'était un jeu. Il n'y a pas de jeu de pêche, je crois. Je ne l'ai pas vu. En tout cas, c'est un jeu qui est d'une générosité, mais. Oui. Délirante. Incroyable. Délirante. Vraiment, c'est. Bah, FF7 avait déjà beaucoup de mini-jeux. Parce que forcément, il y a l'épreuve du Gold Saucer qui là revient. Surtout parce que le jeu n'avait pas énormément d'envergure. Ouais. Je veux dire, t'étais quand même dans un bled. Alors là. Et là. Qu'est-ce qu'on a ? Et là, on te remet tous les anciens. T'as le Gold. Petit point, Queen's Blood obligatoire. Queen's Blood. Alors, faut le dire. Tout le bien qu'on dit de FF7 Rebirth, c'est que c'est un bon jeu. Mais qui est offert avec Queen's Blood. Ça, c'est ta take, ça. Ouais, Blood, franchement. Au début, t'étais pas convaincu. Non, hein, oui, encore une fois, je t'ai dit. Attends. Non, mais je me souviens. Attends, Denis. J'ai envoyé un message à Pouilleux, j'ai dit, mais putain, j'en ai plein le cul. Et Pouilleux, il me dit, essaye de changer tes builds, essaye un petit peu de machin. Et là, j'ai eu l'illumination. Ben oui. C'est le meilleur jeu de cartes depuis Marvel Snap. Non, mais vraiment. Ah ouais, non, parce qu'il comprend la valeur pour moi de ce que c'est qu'un jeu de deck. Alors. Moi, je suis pas un grand joueur de jeux de cartes et machin, tout ça, mais... T'es pas un maître du duel. Il y a un truc que je trouve important, pour en tout cas à mon envergure de ce qui me plaît, c'est qu'il faut que le jeu puisse être un deck pas trop compliqué à faire, mais en même temps instinctif de jeu, et surtout des parties courtes. Une partie ouais, de ça, ça dure 2 minutes et demie, 3 minutes. Et tu peux relancer très vite, parce que si tu veux que tu t'es abandonné, tu repars. Et ce qui m'est arrivé de multiples fois sur la fin. Et alors, tu sais quoi, une fois que t'as compris le truc, tu fais oh, parce que tu comprends que tu peux faire des decks un peu différents. Tu peux faire un deck offensif. Ah, tu es même contraint à des moments. Tu peux faire un deck défensif, tu peux faire un deck destroy. Exact, c'est les mêmes termes que Marvel Snap. C'est-à-dire, tu fais un deck destroy avec ton Galactus qui bouffait tout le monde. Là, par exemple, tu peux mettre une carte qui va détruire les autres cartes ou qui va rajouter d'autres cartes. Il y a une carte qui va mettre du bonus à d'autres. Et vraiment, c'est très très intéressant de s'y plonger. Ouais. Et c'est pas si compliqué surtout. Bah, surtout, t'as souvent la. C'est un peu obtus. Au début, t'as très souvent l'avantage du premier tour. C'est très très rare les mises en situation où c'est toi qui vas jouer en deuxième. Ah ouais, non. Quand t'as quand même un avantage assez considérable. Alors, mais ce qui est bien, deuxième c'est tour, que c'est que tu peux quand même contrer les zones et re-recontrôler les zones qu'il aura prises avant. Ce qui est bien, c'est qu'à partir d'un certain stade, tu vas aussi avoir un mode puzzle. Ah, intégré au Queen's Blood. Il est assez fiant, ouais. C'est-à-dire que tu vas arriver à un endroit où on va dire, t'as des épreuves imposées avec un certain nombre de cartes, ou avec c'est toi qui commence en deuxième, et ça va tu vas intégrer les mécaniques avancées. Mais je préfère le mode puzzle, moi. Ouais. Le mode duel, ouais. D'ailleurs. Il est génial, le mode puzzle. Parce que ça t'apprend quelques synergies assez faciles à mettre en place si toi tu as envie de t'en servir derrière. Et t'essayes de comprendre. Mais ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau des différents mini-jeux. Mais t'as plein de choses. Il y a le Rocket League avec Red 13. Mm. Ah oui. Ah oui. Qui est pas si mal. Non, il est très très drôle. Qui est pas si mal, qui est rigolo. En plus, il existe en plusieurs versions. Je trouve que la console, elle a tendance à liguer tous les animaux contre toi. Je trouve. Ah ouais, moi je l'ai trouvé amorphe. Et t'as pas de bol. Moi, les comment ils s'appellent là, les espèces de panthères noires horribles.
Ouais, elles se mettent toutes contre moi. Le Chocobo, il défend. Donc mais il y a la version Rocket League, mais avec puzzle aussi. Oui. Où tu dois balancer les balles dans ça, un c'est quelque chose qu'on avait déjà vu. Tu as le casse-brique, ça, c'est un truc qu'on avait déjà dans le jeu précédent. T'as le shoot them up que Hubert a montré. Bon, t'as le saut, alors ça. Et ce qui est bien, c'est que chaque mini-jeu, t'as quand même un véritable objectif. Les récompenses du mode avancé de chaque mini-jeu. Il y a toujours une récompense qui te hyper intéressante. Qui te oui, donne t'as toujours des armes incroyables. Il y a des récompenses qui te donnent envie, et je sais qu'à cause de ça, j'ai boosté. Il y a des jeux que Il y a des jeux auxquels je m'étais pas forcément intéressé, notamment il y a un jeu de tir de cible, tir sur cible, avec des degrés de précision, où tu peux avoir le matériel chronomancie qui est pété du jeu. Bon, je me suis astreint à faire. Directement. La course de Chocobo est évidemment largement mise en valeur au Gold Saucer, avec des différentes variantes d'équipement, parce que en fonction de l'équipement que tu mets à ton Chocobo, il va aller plus ou moins vite, avoir plus ou moins de bonus. Et beaucoup de trucs à craquer, hein, comme tu vois, ils volent. Mais c'est là, le but, on a vu qu'une petite portion de tous les mini-jeux. Il y a le Tower Defense qui est de retour, qu'on avait déjà vu. Ah, il y a la box. Ça, c'est dégueulasse, par contre. Ah oui, donc le Punch Out, il est nul. Ah, le Punch Out, il est nul. C'est un des rares cas où vraiment je me suis dit j'ai pas envie de jouer à ça. Je suis pas fan du Gold, enfin du Tower Defense. Ah oui. Le Tower Defense, je trouve un petit peu trop aléatoire à chaque fois. Voilà, le tir au pigeon. Hop. Bah, le Tower Defense, en fait, tu t'adaptes à ce que l'ennemi va t'envoyer puisque tu vois exactement les unités qui vont arriver. Et en plus, t'en as pas qu'un seul Tower Defense. T'as deux variantes de Tower Defense. T'en as une autre. Mais le jeu de tir au pigeon, il est super, hein, parce que. Là, on le voit. Là. Le jeu de tir au pigeon est un peu stratégique parce que tu dois attendre. Il faut apprendre, les enchaînements de cibles. Les cibles, parfois, elles se retournent, elles donnent deux fois plus de points. Et le pourcentage de précision est très important dans le calcul final. Donc, tu peux pas non plus aller à l'emporte-pièce. Ah, tu peux pas tirer n'importe où, oui. Et il faut le dire un truc, si vous êtes des complétistes, c'est-à-dire si vous voulez faire 100% dans la région, eh bien, il faut tous les faire. Bon, le piano, j'ai du mal. Bon courage pour avoir le S au piano. Hein. Pourtant, je suis un dingue des jeux musicaux. Ah oui, c'est dur. Il y a des mots, j'ai fait que A, S, il faut faire, je crois, il faut faire aucune erreur en fait. Ah ouais. Donc, j'y arrive pas encore. Et bien entendu, à chaque musique qu'on remplit en A, il y a le juge qui nous fait ah ouais, bah écoute, je te donne ce super item. Une potion. Non, il y a toujours des bons trucs. Hein. Toujours. Il y a un item très bien. Honnêtement, on pourrait dire oui, c'est pas Mario Kart, oui, c'est pas. Non, chaque mini-jeu est inférieur au jeu auquel il s'inspire, mais la qualité générale est très très bonne. C'est l'anti-Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, ils mettaient plein de mini-games et tout. Et on se retrouve à ramasser les crabes et c'est chiant et tout ça. Quand même, c'est d'un gros niveau. Hein, là, pour des mini-jeux. Il y a quand même vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de plaisir dans les jeux. Hein. Ouais. Vraiment, ils ont gamifié tous les aspects possibles. Enfin, vraiment, il y a des trucs. Il n'y a pas que le truc où on fait des abdos. Il y a vraiment plein d'idées. Et du coup, quand tu arrives au Gold Saucer, t'es saucé parce que vraiment, t'as plein de choses à voir. Et en fait, l'étendue du casino est gigantesque et tu pourrais dire ah, il faut que j'aille dans cette zone-là. Mais en fait, à chaque fois, tu vas découvrir un nouveau truc qui va te dire ah, en fait, ça valait vraiment le coup. Et c'est peut-être l'un des passages les plus kiffants du jeu. Les minigames les plus nazes, il faut le dire, c'est quand même ceux que t'es un peu obligé de faire. Pour moi, les mugs. La course au mox. Celui-là, il est affreux. Hein. Ah, les abdos, ouais. Ouais, vraiment, trop dur. Il faut prendre le coup. Donc, le mini-jeu de mog. Le mini-jeu de mog, je le déteste. La moto, évidemment. Ouais, c'était naze dans le premier, c'est naze dans le deuxième. Ouais, c'est genre. Ils auraient pu mieux fait de pas le mettre, mais bon, ils l'ont mis quand même. Il l'avait sous le coude, tu le mets. Alors, l'infiltration des chocobos, j'ai envie de détruire ce Pokémon. Non, pas Goinfrex. L'infiltration de chocobos, c'est. Je pense que, tu sais quoi, il y a une raison pour laquelle personne ne fait plus de jeux d'infiltration depuis Kojima, c'est que il n'y a que Kojima qui savait les faire. Le jeu d'infiltration le plus nul, il est vraiment catastrophique. Mais en même temps, il y en a tellement. Il y a tellement de jeux, tu peux pas dire. Oui, il suffit de continuer uniquement les jeux qui t'intéressent. Tu peux pas dire que Rebirth est nul parce qu'il y a le jeu de ramassage de poulets est naze. Mais globalement, c'est un peu Rebirth. Tu peux pas dire. Tu peux dire, ah, le rythme, je le trouve mauvais, mais en fait, c'est un jeu à la carte. Tu fais ce que tu veux au moment où tu veux. Si t'as envie d'avancer, tu peux avancer, le jeu ne va pas sanctionner. En plus, les personnages te le disent, c'est-à-dire que tu peux être Team Tifa et Aerys, on prend le temps de s'amuser et de balader. Où tu peux être Team Barrett, bon allez là, on a un monde à sauver. Mmh. Et les deux options te permettent de rester dans le scénario du jeu. C'est ça qui est bien, c'est que tu, dans d'autres jeux qui proposent ce genre de progression, tu peux dire, ah ouais, mais tu parlais de Shenmue tout à l'heure, c'est exactement ça, je vais pas jouer à Outrun, faut que j'aille venger mon père quand même. Mmh. Là, vraiment, c'est même scénaristiquement justifié.
C'est-à-dire que Tifa et Aerys disent « Non mais c'est bon, de toute façon, Sephiroth, il va pas faire péter le monde avant qu'on arrive, donc on peut bien se détendre un peu. » Donc tu vois, tu peux même pas te dire « Ah ouais, enfin, t'as même pas cette pression de « Ah si, il faut que je me dépêche, faut que... » Si t'as la pression, c'est parce que t'as envie d'aller plus loin. Et moi c'était le cas, moi j'avais pas envie de faire trop de mini-jeux, j'avais pas envie de débloquer toutes les tours Far Cry, tout simplement parce que moi je m'intéresse... plutôt à la manière dont ils ont réécrit l'histoire originale. Et j'étais pressé, tu vois, je dis, ah là, il va y avoir ça, il faut vite que j'avance pour voir comment est-ce qu'ils ont mis tel, ils ont mis tel passage en mode 2024. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, le mec en short qui a besoin que j'aille scanner une pierre, bah, il attendra, tu vois. Faut être assez honnête, c'est un jeu qui peut être fatigant. Pour les gens de... Comme les gens qui jouent des open world. Ouais. Oui. Alors, je veux dire trop foisonnant ou... Non, mais faut quand même avoir un temps. Et... Ah, pour les gens qui ont un emploi, tu vois. Non, mais ouais. Même un emploi du temps. Mais on sort de Ryuga Gotoku. Oui. Disons qu'ils sont peut-être mal dans les agendas personnels, alors... mais c'est un jeu qui demande quand même de faire beaucoup de place dans son temps perso. Parce que, alors, si t'as que ce jeu-là à jouer pendant 3-4 mois, ça va être le pied. Mais. Si t'as besoin d'avancer, si tu veux te concentrer sur la rythmique, disons que si on pouvait avoir un nouveau confinement, ça t'arrangerait. Est-ce qu'on ouvre un... Pitié, non. Est-ce qu'on fait... Je fais la transition vers l'histoire, doucement. Mais donc l'histoire sans spoil à ce stade. Ah non, attends, on n'y est pas encore à l'histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un truc qui aide à cette dissonance entre minigame et jeu. Il y a une intensité dans le jeu et en même temps que le minigame, c'est un peu à la fête du slip. Il y a un truc qui aide et c'est l'humour global du jeu, et je trouve que le jeu est très très drôle. Et c'est pas donné à tout le monde maintenant, parce que globalement quand tu fais des personnages en plus avec un rendu très réaliste, et tu sais que c'est pas dans la tradition de tous ces RPG où c'était une représentation en SD, où c'était une représentation parodique ou de pastiche, où il y avait des personnages très je qualifierais de Tales of, mais tu vois ce qu'on appelle avec Greg affectueusement la comédia dell'arte du RPG. C'est-à-dire que bah, y a la tsundere, enfin tu vois, c'est des personnages auxquels tu peux te référer et qui a une vraie qui fait la marque d'un RPG. Bah, je trouve que justement dans celui-là, l'humour fonctionne bien, la dynamique entre les personnages, les dialogues sont assez chouettes. Il y a pas de moment. Alors les gens peuvent dire ah c'est un peu cringe Japon et tout ça, mais je trouve que pas vraiment. Pour moi, en tout cas mon goût personnel, je trouve que ça fonctionne bien et ça permet de faire passer à la fois les mini-games, ouais. Et que tout d'un coup, le ridicule d'aller faire du football avec Red 13, ça passe. Il y a juste des petites séquences, maillot de bain, des petits moments, clin d'œil. Ah, et on te dit, oui, bon, bah oui, il te faut un maillot de bain pour aller à la plage. Mais voilà, c'est en même temps, Pouillot, on est devant un jeu de fanservice quand même. Ah, bah là, et puis surtout, 100%, ouais. On est devant un jeu de fanservice, c'est un jeu qui s'adresse aux gens qui ont joué à FF7 ouais. À l'époque. Qui maintenant ont de l'argent pour se payer une PS5, alors qu'avant c'était peut-être leurs parents qui lui ont fait une PS5. Si t'as 20 en maths, t'auras une PlayStation. Voilà. Et qui se disent, ah là, je vais rejouer un peu les mêmes aventures, mais en différent. Je pense que un peu de cheesecake, c'est pas la mort. Voir des beaux garçons et des jolies filles, ça fait partie de l'univers FF7, en fait. Hein. C'est pour ça que Nomura les a dessinés comme ça à l'époque. Et je trouve que la réadaptation est assez rigolote, quoi. C'est vraiment... Je trouve ça très quali par rapport à ce qui s'est fait. Maintenant, dans l'écriture du jeu, il y a un vrai... Spoiler ? Allez, est-ce que c'est le moment où on enclenche le spoiler ? Ah non, un dernier détail, pas spoiler. Ah, j'allais parler de framerate. Arrêtez de taper sur la table. Ouais, mais on est enthousiaste. Ça va, Hubert ? Il faut dire un truc. Attrape Pouillot. Hop. La musique. Oui. La musique, elle est ouf. Oh là là, les réorchestrations. C'est... Déjà, la première fois, ils nous ont fait une masterclass en termes de réinterprétation des airs traditionnels de Final Fantasy VII et tout. Mais là, ça pousse encore le... Puisque ça réadapte les trucs de map, les musiques de map. Musique dynamique en plus, suivant que tu rentres en intérieur ou pas, que le combat se termine ou pas. Dans telle ou telle zone, t'as des airs différents. C'est prodigieux. Le mambo des chocobos, il a des petites sonorités vraiment uniques à chaque fois, parce que les musiques sont un peu différentes de zone en zone. C'est la production value. Oh là là, le côté dynamique des musiques est effectivement très très impressionnant. Moi, j'ai été moins emballé que vous par les musiques. Je trouve qu'elles accompagnent le jeu. Ah, mais... Attends d'arriver dans certaines. Non, mais elles accompagnent le jeu et tout, c'est bien, mais c'est.
C'est pas ce que je mettrais en avant. Et pourtant, je connais les airs et tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas, elles m'ont moins marqué que dans le précédent. Je pense qu'elles sont moins thémisées. Greg a raison, c'est que dans le premier, vraiment, il y avait un thème. Et il réutilisait le thème de manière très intelligente et il passait en mode basse quand t'étais juste en train de marcher. Tout d'un coup, ça se réintensifiait. J'adore ce genre d'effet. Ça se réintensifiait en mode combat. C'est un truc que Fire Emblem fait d'ailleurs assez bien, je trouve, d'utilisation dynamique de la musique. Et c'est vrai que, évidemment, ils nous ont fait le coup la première fois. C'est presque un cliché de dire « Ah, ils ont vraiment cartonné la musique », mais vraiment, c'est vraiment du très très beau boulot de ce côté-là. Vraiment, je suis assez abasourdi par ce qu'ils ont fait. Et c'est le genre de truc que j'ai envie de réécouter quand ça sera disponible sur les plateformes de streaming. Je crois qu'on sous-estime aussi le fait qu'un tel monde ouvert avec autant de possibilités de parcours, ah oui, non, mais c'est un travail de titan, tourne aussi bien à 60 fps quand tu actives le mode performance. C'est vrai, non mais je fais le pivot, vraiment est obligatoire. C'est vrai que comme les gens l'ont dit sur ton stream, Daniel, les cailloux sont moches. Oui, les cailloux sont moches quand tu les mets quand tu joues en mode performance, donc pour avoir le meilleur framerate. C'est évident, c'est vrai que il faut passer en mode fidélité. Non mais déjà oui, on est d'accord, c'est moche. Ça va quoi. Le jeu est splendide. Alors oui, certaines textures sont assez inégales. Oui. Et c'est vrai qu'en plus il y a un petit gap les personnages sont flous quand tu joues en mode 60 fps et dès que tu passes en mode cinématique, ils sont tous absolument très net. Une somme de détails absolument incroyable. Très très Yakuza. Mais voir quand même un monde d'une telle envergure avec des zones aussi ouvertes et la possibilité de grimper et d'avoir des combats dynamiques qui se déclenchent aussitôt, tout ça, l'appel au chocobo qui se fait quasi instantanément, assez peu de temps de chargement. On a l'impression d'être dans Dynasty Warriors, tu t'appuies et hop, tu montes directement sur le chocobo. Mais surtout le confort global de l'expérience, oui. La profondeur de champ, les menus sont pas nuls. Faire tourner tout ça sans le moindre accro ou presque, honnêtement. Quand tu montes en hauteur et que tu vois la totalité du monde, c'est quand même impressionnant. C'est une sacrée performance là aussi. Merci l'Unreal Engine, mais merci aussi le talent des gens derrière parce que vraiment, c'est pour ça qu'ils ont choisi l'Unreal Engine 4, ils ont décidé de ne pas passer sur le 5, c'est qu'ils maîtrisaient déjà le 4, donc il n'y a pas eu de temps d'apprentissage en fait. Alors c'est vrai qu'il est moins détaillé que Final Fantasy XVI, un titre simplement comparatif. Mais moi je suis preneur de cailloux moins beaux si c'est pour avoir un jeu plus intéressant. Il y a une somme d'interaction et une somme de dynamisme à tous les niveaux, parcours, équipe, grimpe, tout ce que tu veux. Que chapeau, effectivement, t'as 2-3 rochers qui jurent un peu, mais globalement, dans la totalité du jeu, c'est hyper impressionnant. Est-ce qu'on parle de un peu, on va dire, l'expérience globale? Alors, moi, je spoilerai pas en disant. Déjà, on en a été resté avec des serpillères volantes quand même. On rentre dans le dur, on va dans le spoiler alert. Ouais, spoiler alert. Donc là, je pense pas qu'ils seront une petite dizaine de secondes. Non, on va pas aller jusqu'à la fin. 50 heures, 30 heures et 80 heures presque. Mais on va donc activer la balise spoiler. Ou au moins dire nos impressions sur le ressenti de l'histoire. Tout à fait. C'est le moment de glisser à la fin au moment où on mettra notre Famitsu Uemasen. Voilà, si vous êtes en train de regarder la vidéo. Et puis, je pense qu'on en a pour un petit quart d'heure. Allez, facile. Allez Daniel, donc on entre dans le vrai marécage du spoiler. Au serpillère. Ouais. Moi j'ai un problème avec conceptuel du jeu et je pense que c'est la seule fois où on verra un remake de cette envergure. C'est que ils ont découpé un jeu qui se tenait narrativement pour en faire 3 et j'ai toujours ce sentiment de pas avoir, surtout dans le deuxième épisode, de voir ni d'intro. Ni de développement, et je sais pas comment sera la conclusion puisque je l'ai pas encore fini, mais en gros moi ce que j'aime dans les RPG, principalement dans les RPG, c'est le setup, c'est le build-up, c'est le moment où tu réunis les persos. Là les persos ils sont tous un peu déjà réunis, y a cette ville de laquelle tu dois fuir mais en même temps tu peux y retourner quand tu veux, ce qui est très bizarre. Ben non, on te dit que les hélicoptères sont partis. Oui, ils sont partis, mais bon, ils sont de temps en temps. Ils savent que t'es plus là, donc. Mais bref, il y a un peu cette dissonance, et en fait, je pense que inévitablement, pour arriver à essayer de faire un RPG comme ça, tu es obligé d'ajouter du gras. Et alors, du gras, il y en a vraiment beaucoup. Il y a des moments où je me dis, mais est-ce que je suis obligé de passer par là pour vivre l'histoire centrale? Parce que c'est l'histoire centrale qui m'intéresse plus. Et je pense que les gens qui dash pas comme des gadgets, mais qui dash. Et les gens qui dash à travers le jeu,
qui vont d'un point à un autre de l'histoire sans trop se préoccuper du reste, je me demande s'ils n'ont pas la meilleure expérience. Ah, en termes de rythmique, tu veux dire. En termes de ce que ça raconte. C'est sûr. Je pense que ce jeu, tu dois le traverser. Il faut être Tim Barrett. C'est-à-dire que tu fais tout ce qui t'est proposé sur ta ligne droite, mais par contre... Tu l'essaies une fois, mais tu vas à l'objectif. Ouais. Parce que moi, j'ai fait quasiment toutes les régions à 100%. Ouais. Et t'es épuisé à la fin. J'étais épuisé de tout ça. J'avais l'impression qu'on m'avait mis un open world boursouflé à côté de la partie intéressante du jeu, que je faisais pour les biens de cette émission, mais qui ne m'intéressait pas. T'as changé, Pouillot. Non, mais c'est le... Faut donner le meilleur à son public. J'avais l'impression d'avoir une grosse verrue qui pendouillait. C'est dégueulasse. Qui pendouillait. Okay. Il a aimé le jeu, hein, je vous rassure. Non, mais j'adorais. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez superfétatoire. À côté de vraiment les passages qui m'intéressaient. Et du coup, j'avais le sentiment d'être contraint par quelque chose qui allait à l'encontre de la logique du jeu. À tel point que je me suis demandé, est-ce que l'open world que tout le monde appelait de ses voeux, c'était la meilleure décision à faire pour Final Fantasy VII Rebirth? Oui, bien sûr. C'est dommage, on part encore. Hein, c'est plus si, bon, bien sûr, parce qu'il faut vendre le jeu. Il faut intéresser les gens, et le monde ouvert, il n'y a rien de tel aujourd'hui pour captiver le plus large point possible. Oui, mais l'intérêt d'un monde ouvert, c'est de le découvrir. Bah, c'est de l'approprier, pas de te dire ici il y a ça, et là il y a ça, et si tu fais 300 mètres, tu vas ouvrir 3 coffres cachés. Il y a un petit peu dans cet open world, un peu de moment, ce que j'appelle du wishful thinking, c'est-à-dire les gens voulaient tellement un open world de FF7, et on leur a fait, ça ressemblait à ça. Est-ce que c'est le syndrome Palworld? Genre, si on donne aux gens ce qu'ils veulent, au final, c'est pas si bien que ça. Vu l'accueil critique du jeu, je pense que au contraire, c'est pas si bien. Hein, moi, ça a touché en plein cœur les cibles. Je trouve que c'est vraiment, ça se tient par rapport à des open worlds que j'ai fait récemment. Je trouve ça plus intéressant que le truc de Sony. Comparativement, là, on suit des animaux, mais ça m'a beaucoup plus. C'est pas un renard, c'est un. Voilà, ça m'a beaucoup plus inspiré que de suivre des renards. Mais là où le jeu est malin, c'est qu'il dit. T'en as rien à faire, vas-y. T'as les clés du camion, c'est toi qui fais ce que t'en fais. C'est-à-dire que toi, tu t'es senti le truc bleu, quoi. Tu t'es senti obligé de le faire. Alors que si tu le fais pas, tu vis l'aventure. Pensais, Daniel, que tu allais nous parler de la nomoralisation du jeu. Alors qu'on a de la volonté d'unifier certains autres jeux. Alors, j'y viens. Comme un cheveu sur la soupe. J'y viens, et là on rentre véritablement dans ce jeu. Là, c'est maintenant la balise. C'est que on était resté avec les serpillères. Qui n'était pas le truc de lore le plus intéressant que FF7 Remake nous avait donné. Tout d'un coup, et d'ailleurs, je me demande à quel point, c'est pas une vision méta, mais Balette, il dit c'est quoi ces putains de serpillères? Lutin. Barrett, il dit pas lutin. Barrett, il les cache. Mais il le dit, hein, il dit c'est quoi ces putains. Oui, j'ai trouvé ça drôle. Je pense que c'était un hommage à Soumyasen Turbo. Ouais, je pense aussi. Mais bref, tout d'un coup, d'ailleurs, beaucoup de gens ont dit que c'était Nomura, mais en fait, c'était plus. C'était Soumyasen. Nojima. C'était Nojima qui est le scénariste, mais aussi. Comment il s'appelle? Torishima? Non, c'est Toriyama l'autre. C'est Toriyama. Oui, c'est Toriyama le scénariste. Toriyama qui, lui, a dit et si on faisait ça à Nomura? Et Nomura, il devait être par fax à ce jour-là. Il a dit ouais, pas de problème. Et ils ont fait ce que eux pensaient être du Nomura. Et ils ont rajouté les serpillères. Et là, les serpillères sont devenues les Kingdom Hearts, des hommes en capuche. Alors, en fait, c'est pas les mêmes. T'as les serpillères et t'as les Kulomanto, donc les manteaux noirs. Donc, ils ont des rôles assez différents. Mais en tout cas, là, tu vas être cerné à tous les moments. Quoi que tu fasses, de mec complètement groggy à cause de l'intoxication à la Mako, donc on avait déjà vu par ailleurs, les manteaux noirs. Et tu vas les retrouver tout le temps. Tu prends le bateau, t'as les manteaux noirs, t'arrives sur la plage à Hawaï, Costa del Sol, ils sont là et ils sont tout le temps là. Et ils font partie du décor. Et les gens sont là à côté, ils font ah là là, c'est quoi, les qu'est-ce qu'ils traversent. Alors j'aime autant. Il y a aussi c'est quoi, c'est Clodo, faut qu'il dégage. Et j'aime autant te dire que si tu en mets partout des mecs en manteau noir, le manteau noir, il est plus manteau noir. Enfin, je veux dire, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens narrativement, ça n'a plus aucun sens dans l'histoire et tout. Je pense que c'est un truc dont ils auraient pu se passer. Alors, il y a un sens narratif. Il y a un sens, c'est que comme tu cours après Sephiroth et eux aussi. Donc, du coup. Réunion. La Réunion, pardon. Et je trouve que c'est pas très bien. Ça, c'est l'aspect vraiment le moins bien, le moins intéressant. Si, avec ça. Mais attends, je comprends pas ce que tu lui reproches. Qu'il y ait des mecs qui suivent ses fiances? Non, mais ils sont pénibles. Ils sont vraiment, genre, tout d'un coup. Mais ils sont pas. Enfin, ils ont l'impression d'avoir des. Enfin, des. Ils servent. Ils servent de
Ils servent à te rappeler. De ressort narratif. Oui, ils prennent le bateau avec toi. Enfin, quand c'est un peu ridicule. Quand tu prennent le bateau, ça arrive à rien. Et alors, par contre, qu'ils montent sans billet, ça, j'ai trouvé ça un peu concon. Ensuite, il y a les autres gens avec des capuches, parce que... Les fileurs. Je sais pas si on peut dire les capuches, les manteaux les noirs... Les serpillères. Non, mais il y en a un autre, et à un moment... Parce qu'il y a un autre personnage. C'est au tout début, c'est pas au tout début, mais dans les 10 premières heures, et c'est supposé être un gros reveal. Un gros reveal pour les 3 qui ont joué à The First Soldier Et là, le mec, il enlève, c'est genre, oh là là, on va voir un méchant et tout, parce qu'il y a des scènes où les méchants font dans leur base, on est les méchants. Et là, tout d'un coup, il y a un mec en capuche, il fait... Il arrive et tout. Plus méchant. Et il enlève sa capuche. Et moi, je fais qui c'est. Ouais. Je fais qui c'est. Parce que t'as pas joué à The First Soldier. Il fallait jouer à First Soldier ou à Ever Crisis, puisque c'était un des héros de First Soldier. La volonté du jeu, c'est de réunifier aussi tout ce qui est les univers autour, Final Fantasy. Alors, je peux dire que c'est nul. Est-ce qu'il y a une ref à Air Guys, ou qui est allé plus loin que moi? Non. Y compris donc des jeux qui ont fini d'être exploités en fait. Oui. Et genre... Et qui ne sont pas... Tu vois, les refs à dire Jeff Cerberus, peut-être que ça fait plaisir à 2-3 mecs. T'en auras. Hein. Je pense que le DLC, s'il n'est pas centré sur Vincent, qui n'est pas jouable dans ce jeu-là, au même titre que Sid, je pense que le DLC qui va faire le tampon entre Rebirth et Résurrection, je sais pas. Si ça fait plaisir aux fans de voir des références à Dirge of Cerberus et à First Soldier. Bah, on l'avait déjà eu, hein, dans Jeff Cerberus, dans Intergrade. Amusez-vous bien, mais... Je pense pas que ça enrichisse l'expérience de jeu des gens. Je vais vous dire un truc. Déjà, Zack, je trouve ça déjà pas très intéressant. Ah bah, Zack, il fait partie de l'univers de Final Fantasy. Ah bah oui, c'est le premier mec d'Aerys. Mais je trouve pas sa vie intéressante. À tel point d'ailleurs que quand t'es à Nibelheim, ouais. Le Cloud que tu vois, on me l'a fait remarquer, moi j'avais. Il a les comportements de Zack. Mais moi, je trouve pas intéressant. Non, si. Je trouve pas ça intéressant. Tu peux pas faire FF7 sans Zack, en fait. Mmh. Oui, non, mais. Autant les serpillères, je peux comprendre. Non, mais je comprends. Moi aussi, je lis des comics et qu'à un moment, il faut avoir le comics 180 pour comprendre il était déjà là dans le jeu d'origine. Un peu là dans le jeu d'origine. Non, il était là dans le précédent. Était là dans le précédent, mais je trouve que, tu vois, quand la fin du premier. On peut quand même parler de la fin du premier. Oui. Quand il arrive à la fin du premier, je vais. Qu'est-ce qu'ils sont genre? Ah si. On s'était quand même bien amusé à faire des théories. Hein. Et en fait, est-ce qu'il y a un multivers Square Enix? Parle vraiment aux gens qui aiment bien. Ah non, parce que ça rebat les cartes de Final Fantasy VII. Bah oui, mais c'est important, ça fait partie de l'univers. Je trouve que ça affaiblit globalement l'histoire simple de FF7. Et l'histoire de FF7, c'est simple. C'est quand même une histoire de pouvoir, une histoire d'un mec Sephiroth. C'est l'histoire d'un mec. Et toi, t'es à sa poursuite. Et globalement, t'as une. C'est pas que ça. T'as une Zaibatsu du mal. Bah, déjà, au-delà du versant écologique, c'est aussi la manipulation d'un mec qui ne croit pas être. Qui est schizophrène, en fait. Oui, bien sûr. Mais je trouve que tout le truc qu'ils essayent de brader autour. Mais c'est pas le truc dans le jeu original. Dans le jeu original, c'est très bien comme ça. Jeu original, il y a pas mal de choses qui dans le sous-texte quand même. Mais je trouve que c'est attention, c'est le moment des mugs. Ce que je peux dire sans entrer trop loin dans la balise spoiler, c'est que ils se tirent vachement bien de la fin et assez intéressant pour ce qu'il a proposé. Donc le jeu en vaut la chandelle, même si vous trouvez peut-être par un moment le jeu un peu long, ou si vous avez envie d'accélérer le mouvement. Et en plus, à la fin, on se mange quand même des sacrés tunnels. Tu dois monter 47 étages. Ah, quand j'ai vu le pourcentage qui avançait plus, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe. 82%, en fait t'as encore 15 heures. Et si vous trouviez que la fin de FF7 Remake était très étalée, alors là, avec l'autoroute qui n'en finit plus, oui. Je me souviens, quand j'étais en haut de la tour, je me suis dit ah tu sais quoi, je vais tout faire d'un coup. Et en fait faut surtout mais pas. Mais la récompense vaut le parcours et c'est très intéressant. Je te pose la question. La fin est satisfaisante. Ouais, je la trouve très. Très bien. Elle te donne envie de jouer au troisième. Quoi qu'il arrive, troisième de toute façon. Ce qui va arriver, c'est sûr. Dans 4-5 ans. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, le jeu est. Alors, j'ai eu des griefs dans le jeu parce qu'il était trop long par rapport au temps que je pouvais lui accorder. Et quand tu joues avec un chronomètre au-dessus de la tête pour aller bien des émissions, tu prends moins de plaisir, surtout dans un jeu qui passe son temps à débloquer des trucs dans tous les coins. Mais. Comme on l'a dit, tous les tunnels sont vraiment hyper captivants et le tunnel de fin l'est aussi. Et bon. J'ai fini sur une bien meilleure impression qu'au moment où je me suis retrouvé avec la troisième région à refaire systématiquement dans des régions qui en plus te contraignent vachement parce que Gondgaga a traversé ou même Cosmo Canyon d'une certaine façon
sont des zones qui sont moins plaisantes à parcourir parce que t'as beaucoup d'obstacles. Bah ouais. Tu es obligé soit d'avoir un chocobo volant, soit avoir le fameux chocobo qui saute de champignon en champignon. Est-ce que c'était plus satisfaisant que le précédent opus ? On a fini la partie spoiler ou pas ? Non, tu peux grandir encore en spoiler. Encore en spoiler ? Parce qu'on va arriver vers ouais. la moment de... D'accord, ok, c'est la satisfaction. Fin ouais. de la partie spoiler. Ouais. Voilà. Hop, voilà. C'est le moment de... On arrive à la conclusion donc, de ce Famitsu Mimasen spécial Final Fantasy VII Rebirth. Est-ce qu'on est satisfait du jeu ? Toi d'abord. J'ai eu des moments de doute. Non, mais c'est vrai, il y a des moments où je dis c'est trop long. Je pense qu'il est trop long si tu le fais à 100% pour son propre bien et pour son propre rythme. Je pense que si tu le fais de la bonne manière, alors bonne manière, c'est un gros mot. Il n'y a pas de bonne manière. Chacun en tout cas, de la manière la plus. La manière réaliste. La manière réaliste dans une. Si tu étais à la poursuite d'une menace terrestre. La manière scénaristique du jeu. Donc, c'est-à-dire que tu vas en ligne droite en t'attardant ici ou là dans ce qui t'est proposé et en faisant les moments. Mais en restant quand même. Le Gold Saucer t'oblige de toute façon à faire certains trucs. Donc, tu vas quand même goûter à tous les parfums de la glace. T'es obligé d'y jouer une fois, à tous. Mais si tu fais dans une perspective de 40-45 heures. Sans t'astreindre à tout, au 100% tout de suite, et auquel cas tu pourrais y revenir, c'est vraiment un super jeu. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup trop à mon sens et à mon goût, mais je peux pas dire. Enfin, ça reste une démonstration de force. Je sais pas dans quelle mesure il y avait aussi la volonté de mettre une pilule à l'autre studio. Je sais pas s'il y a des concurrences internes comme ça. Ah, de FF16 ou de FF15 mais. Arrêtez de parler d'FF16. Ouais, bon, voilà, on parle pas de FF16, mais en tout cas. C'est une démonstration, vraiment. C'est bravo, okay. Bravo aux concepteurs, c'est impressionnant, vraiment. Je vais enquiller alors. J'ai trouvé ça globalement très satisfaisant. J'ai pris plus de plaisir en tant que jeu que le précédent opus. Je pense que le scénario est un peu plus faible, globalement, parce que le premier parlait plus de choses intéressantes, en fait. Et puis parce qu'il couvre la partie la plus récréationnelle de FF7. Hein. Et parce qu'il est très, très centralisé, il y a un endroit, il y a une unité de lieu. Maintenant, bon, bah, si t'aimes pas ce village, tu peux aller dans le village des... tu peux aller dans le ranch des chocobos, enfin, tu peux arnacher un chocobo, tu peux aller... Tout éparpille. Voilà, tu peux aller faire l'espièglerie avec le niveau d'espièglerie. Tu peux rejouer au jeu de Mog, si tu veux, enfin, je veux dire... ça va dans tous les sens. Donc, je pense que le premier est un moins bon jeu, mais peut-être mieux construit. Le bac à sable est mieux défini, peut-être. Ouais, mais j'ai pris quand même beaucoup de satisfaction. Et surtout, ça me fait plaisir de voir un niveau de jeu triple A japonais à ce niveau sur un JRPG. Mmh. Parce que, on l'a dit par exemple à l'époque de Grand Blue, on disait « Ah, c'est ça, s'il y avait beaucoup de budget, ça donnerait ça à un action RPG. » Je suis très content d'avoir vécu ça. On va pas reparler d'un autre jeu qui est sorti précédemment, mais par rapport au 16, je trouvais ça vraiment plaisant. Vraiment, il y a des moments où j'ai vraiment pris mon pied. Et les moments narratifs, les moments où ça te raconte l'histoire des personnages et que tout d'un coup, t'as Balette qui te raconte un coup de truc qui lui est assez cher et tout. Il y a des moments assez émouvants et sont bien construits. Et les moments drôles sont très drôles. Mmh. Voilà, vraiment, c'est pas cringe, c'est pas, tu sais, Star Ocean où tout d'un coup tu fais est-ce que je suis vraiment dans ce délire-là et tout. Non, vraiment, je trouvais ça bien, globalement bien écrit, surtout très conscient. C'est vraiment un jeu très conscient de ce qu'il est. C'est très post-Death Stranding un peu, tu vois. C'est des jeux très, très conscients de ce qu'ils sont. Et je trouvais ça intéressant et je pense qu'on en rediscutera l'épisode, pour moi, l'épisode oui. suivant. Quand j'aurai fini le jeu, je pense que je peux me réserver évidemment le droit de changer d'avis ou de tout ça, mais en tout cas, pour l'instant, j'en suis très satisfait. On refera un point FF7, tu penses? Ah, il y a des chances. Ouais, obligé. Ouais, obligatoirement. Obligé. Bah, on n'aura pas le temps, il y a Dragon's Dogma 2. Ouais, les Rise of the Ronin. Oh merde, il y en a... Oh là là. Et Unicorn Overlord. Mince. Merle. Comment on va vider Greg, toi qui oui. es un défenseur de Final Fantasy depuis fort, depuis le Joypad numéro 4. Je les défends pas tous non plus, mais non, écoute, celui-là, je le trouve vraiment brillant parce que alors déjà en tant que joueur, je pense que c'est un jeu, comme tu l'as dit, qui est très satisfaisant parce que tu peux le faire comme tu veux. C'est vraiment un jeu à la carte et c'est brillant parce que tu ne te sens pas forcément lésé. Alors tu te sens lésé en tant que connaisseur de Final Fantasy parce que tu sais que si tu remplis pas tout ton Pokédex ou quoi, bah, tu vas louper la super épée ou le super manteau ou le super accessoire.
Mais le jeu n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire que si tu le fais vraiment pour son scénario, t'as pas besoin d'avoir la materia qui renvoie la magie, t'as pas besoin d'avoir l'invocation d'Odin. Tu peux avancer et poursuivre Sephiroth parce que justement le jeu est rendu tellement réaliste par sa réalisation et par sa mise en scène aujourd'hui que t'as pas besoin d'un pouvoir magique. C'est-à-dire que comme tu es dans quelque chose de très cinématique, la volonté et le pouvoir de l'amitié suffisent. Au final. Donc, si t'es pas bien équipé, tu seras moins frustré que si t'es pas bien équipé dans un Persona où t'es quand même encore très jeu vidéo. Donc Final Fantasy VII te permet de faire un peu comme tu veux. Ça, c'est vraiment super d'avoir un jeu à la carte. Je pense encore une fois que le cahier des charges était énorme et qu'ils s'en sont rajoutés. Quand tu vois le nombre de mini-jeux Enfin, ils n'en avaient pas besoin, en fait. Et malgré tout, ils les ont mis quand même, parce qu'ils se sont dit, tiens, j'ai une idée, si on mettait... Voilà. Le jeu de cartes qui est hyper complexe pour rien, mais qui est gratos. Et malgré tout, moi, qui déteste les jeux de cartes, ben, je ne suis pas obligé d'y jouer. Tu vois, quand la croisière commence, et qu'on te dit, il y a un tournoi de jeux de cartes qui arrive. Et je me dis, mince, mais je vais devoir être obligé de jouer au jeu de cartes pour avancer l'histoire. Eh ben non, en fait. C'est-à-dire que tu peux abandonner et c'est pas grave, le jeu continue quand même. Alors là, c'est un peu con-con parce que du coup, j'ai perdu au premier tour parce que ça m'intéresse pas et j'ai abandonné le tournoi. Mais après, les champions continuent à me parler genre « Ah, Cloud, j'ai beaucoup de respect pour toi » et tout. Enfin, tu sais, c'est... Ça n'a aucun sens, tu vois. C'est comme si Kayane me disait « Ah, Greg, j'ai hâte qu'on refasse un match ensemble. Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais justement, tu n'es pas obligé d'être bon au mini-jeu. Et ça, c'est vachement bien, tu vois. Moi, je repense toujours à ma tante qui a plus de 70 ans et qui fait tous les RPG japonais qui sortent depuis... elle fait au moins tous les DQ et tous les FF depuis Phantasy Star 2. Et je pense que physiquement, pour elle, c'est compliqué aujourd'hui d'avoir le meilleur score aux courses de chocobo ou quoi. Et t'es pas obligé de les faire. Et ça, déjà, c'est bien. Et encore une fois, le monde est ouvert, mais t'es pas obligé d'aller retourner chaque caillou. Évidemment, c'est Final Fantasy, donc t'as envie d'avoir le meilleur équipement parce que on vient aussi d'une génération où il fallait absolument avoir le chocobo doré pour aller battre Omega Weapon, pour aller récupérer... il fallait récupérer la matéria des chevaliers de la table ronde pour pouvoir battre Omega Weapon. On est aussi de cette génération-là où il y avait deux ou trois trucs où il fallait vraiment faire le jeu à 100%. Bon là, si tu veux faire un jeu... Enfin, si tu veux vraiment faire FF7 Rebirth à 100%, il faut poser un congé maladie. Ou une année sabbatique. Mais en tant que joueur de FF, tu as envie de le faire. Mais tu n'as pas besoin de le faire. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup. Et rien que ça, c'est vraiment une grande maîtrise de game design. Et rien que pour ça, je pense que le jeu devrait être enseigné en école de game design. Il a plein de problèmes, hein, mais rien que pour être capable de construire un jeu dans lequel c'est le joueur qui impose son rythme, c'est vraiment brillant. Parce que t'es jamais lésé. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Surtout aujourd'hui où tu sais que la moyenne d'âge des gens qui jouent aux jeux vidéo console, à la maison, quoi, et pas sur téléphone, c'est plutôt 40 ans. Donc, comme tu disais, des gens qui ont un pouvoir d'achat, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder. J'ai trouvé ça très, très malin. C'est-à-dire que soit t'es un complétiste et tu joues à tous les jeux, et du coup, tu peux pas rentrer dans chaque jeu. Soit vraiment, tu te dis, les trois prochains mois de ma vie, les trois prochains mois de ma vie, ce sera FF7 Rebirth. Je rentre chez moi le soir, je joue à ça, le week-end, je joue à ça, et c'est un jeu qui va m'occuper, et pendant trois mois, j'achète aucun autre jeu. Et de ce point de vue-là, c'est brillant. C'est-à-dire que c'est fait par des quarantenaires pour des quarantenaires. Alors, je veux mettre personne de côté, hein, évidemment. Bien sûr que les gens de 20 ans peuvent jouer à FF7. Voilà, ma tante de 70 ans va y jouer aussi. Mais le cœur de cible est parfaitement identifié et la démonstration de la manière dont on fait un jeu pour les gens qui sont occupés, mais qui est le jeu peut-être le plus riche qui sortira cette année, la démonstration est brillante. Donc voilà. Bah écoute, on va l'afficher pendant que Daniel tu conclues. Un détail, je trouve que cet épisode-là est plus intéressant que le précédent si tu n'as pas joué à FF7. Je trouve que celui-là il t'embarque dans une histoire alors que le précédent. Midgar, c'est difficile quand même. C'est quand même. Il était quand même. Midgar se passe plein de choses. Midgar était très fan service. Le précédent était un jeu dans le souvenir d'FF7. Là, tu sens quand même qu'ils sont un peu. Ils sont allés un peu au-delà quand même. Hubert, Saint-Hubert, est-ce que tu as devant toi notre fameux PDF? Est-ce que avant qu'on mette la note, je peux parler du bug qui m'a énervé et où j'ai sollicité votre aide? Bien sûr, oui. Alors,
J'espère qu'il y aura un patch Day One ou quoi que ce soit. Mais en fait, moi, je me suis retrouvé coincé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je me suis retrouvé coincé dans la mine de Mithril. Allez, au moment où tu es avec Barrett et Red 13, quand tu tombes dans le trou et il faut que tu grimpes, et j'ai passé 20 minutes parce que je ne trouvais pas où est-ce qu'il fallait. Donc, vous m'avez dit, bah, c'est là et tout, et il n'y avait rien. Et vous m'avez dit, mets la luminosité à fond. Et donc, j'ai mis la luminosité à fond. Et là, j'ai vu des trous dans un mur. J'ai dit, mais c'est bizarre, il n'y a rien. Et donc, j'ai rebooté le jeu. Et quand j'ai rebooté le jeu, là, les marches auxquelles tu t'accroches pour grimper au mur sont apparues. Donc, j'espère que j'ai été la seule victime de ce truc-là, mais ça m'a rendu fou. Mmh, je comprends. Et donc, j'en ai encore plus voulu aux gens qui ont dit « Oh, c'est nul, ils ont peint les marches en jaune. » Parce que ouais. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Le jeu, au final, se veut tellement réaliste graphiquement. Mais bon, ça, c'est un reproche de ma part. Et pourtant, je ne mets pas de lunettes. Mais, en tout cas, voilà, non, c'est un jeu qui est vraiment... brillant, je trouve. J'avais mis Unicorn Overlord, on n'en parlera pas ce mois-ci, parce que vous aurez bien compris qu'on n'a pas eu le temps d'y jouer. D'ailleurs, on l'a pas reçu. On l'a pas encore reçu. Mais il y a la démo, mais on peut pas. Rassurez-vous, ça fera partie des. Puyo. Il y a la démo, quoi qu'il arrive. Moi, je ne mettrai pas de notch, j'annonce. Ah oui? Non, j'attends la fin. Écoute, moi, je vais quand même mettre 8, ce qui est pour la simple et bonne raison que la partie open world m'a quand même fatigué. Voilà. Aussi incroyable soit le jeu, aussi incroyable soit le système de combat et la réalisation. Je pense que une moyenne de 8. Je pense que là, ouais, des 8 en batterie. Je pense que l'équilibre entre monde ouvert et jeu narratif ne s'est pas fait et que le jeu narratif reste bien meilleur que le monde ouvert qui est pénible par moment à parcourir. Voilà. Eh ben moi, je fais pas comme toi, je mets 9. Tout simplement parce que justement, je trouve que le monde ouvert, c'est un bon monde ouvert. C'est un monde Ubisoft. Ouais, mais contrairement, c'est des mondes fatigants, les mondes Ubisoft maintenant. Oui, mais ils sont fatigants parce que t'es obligé de les faire. Mmh. Oui, c'est vrai que là t'es pas obligé. Voilà. C'est la différence. Là, tu les fais à ton rythme. Je veux dire, ce qui me faisait peur au début de Final Fantasy, c'était ce côté Far Cry Fantasy où tant que t'as pas ouvert la tour, tu peux pas avancer. Mmh. Là, tu t'en fous. Tu peux marcher sur le bébé chocobo et lui dire Osef, de tes arrêts de bus, je vais direct au mont machin. Ça pose aucun problème. Et c'est pour ça que j'ai envie de récompenser le jeu, c'est que tu tout ce qui est pénible, enfin ou tout ce qui peut sembler pénible est évitable. Et il y a un détail aussi, c'est que tu peux. Enfin moi, en tout cas, je prends plaisir d'aller d'un point à un autre de la map, ce genre. Tu me dis que la ville est là et j'adore prendre le chemin. Enfin, j'aime bien la randonnée de ce jeu-là. Très bien. Bien, merci messieurs pour ce point particulièrement exhaustif. Mais ouais, je trouve qu'on s'en est bien tiré. Satisfait. Non, vraiment, c'était cool de pouvoir parler, pour échanger avec vous depuis le temps qu'on concentre la Cosmo Energy pour enfin évoquer le sujet de Final Fantasy VII Rebirth. Et bien, on est ravis de l'avoir fait. Et une moyenne de 8,5 pour l'instant. Ouais, une moyenne de 8,5. Qui sait si ce sera 9 ou 10 ou 8. On va voir. C'est un jeu qui repose beaucoup sur le... Il faudrait être là. Sur la mystique de la fin. Il faut que je vois la fin quand même. Il faudrait être là pour Soumis à 7 Turbo épisode 14. Ah bah, peut-être que moi, du coup, je vais baisser ma note si la fin me plaît pas. Oh là là là, c'est vrai que c'est là. Ça, c'est les notes à la carte là aussi, j'ai l'impression. Mais messieurs. Bon, et bien merci, on a évoqué le cas Final Fantasy VII Rebirth, mais il y avait d'autres jeux qui sont sortis dans le courant du mois de février, début mars. Alors, on le répète, on n'a pas eu le temps de tâter Unicorn Overlord, et même les autres jeux de cette sélection, de cette rubrique, il a fallu qu'ils passent un peu entre les mailles du filet. On va vous les décliner sur ce superbe PowerPoint maison. Hein. Voilà, regardez, jeu du mois Final Fantasy VII Rebirth. Le premier jeu qu'on va évoquer... C'est Mario versus Donkey Kong, sorti sur Switch. Ton jeu coup de cœur, tu m'as dit. Ah non, bah justement, ouais, tu spoil. Non, j'ai dit que j'avais justement pas eu le coup de cœur pour remake. Voilà, c'est ça. Remake de la version Game Boy Advance. Est-ce que c'est parce que le jeu original est pas ouf ou... Je pense que ça tient un peu à ça, parce que le remake est de bonne facture. Bon, évidemment, on retrouve les modèles 3D habituels désormais de la famille Nintendo, rondouillards, très colorés. On a envie de les empoigner comme ça, comme des petites peluches. Le jeu lui-même... c'est pas ouf. Ça se on est dans un magasin de jouets, Donkey Kong a tout en l'envoyé. Voilà, il y a des petits Mario, il faut les récupérer. Une fois que tu les as tous récupérés, tu as deux niveaux spéciaux. Un où il faut les faire avancer vers la sortie et un autre où tu combats Donkey Kong dans un défi de boss. Donc ça se déroule en plusieurs phases distinctes avec des mécaniques de plateforme qui sont assez... Alors, à la fois précise, à la fois bizarre. C'est-à-dire que. Faut que tu te mettes sur les mains. Très conditionnel. Alors, il faut te mettre. Alors, t'as le saut normal, t'as le saut les mains, le saut poirier, puis le double saut poirier.
Donc un saut carpé finalement. Et, non, carpé c'est... Ouais, ah oui, carpé arrivé à écart. Ça, ça me rappelle les cours de gym, c'était l'enfer. Et, ah bah le kung fu. Hein. Et donc t'as des bonus plus ou moins riches à récupérer. T'as des niveaux plus durs qui se débloqueront une fois que t'auras fait l'intégralité des premiers mondes. Je pense que t'as fait plus sur ce jeu que la plupart des médias, tous les médias confondus dans le monde. Oui, non, bah après c'est un jeu que les fans connaissent, les amateurs du genre apprécieront peut-être. J'avoue que tu moi... Tu veux dire qu'il n'y a pas d'effet Super Mario le film? Non, je sais pas. Tu veux que je te dise, le truc de ce jeu pour y avoir joué, ça me fait penser aux missions VR de MGS. C'est pas le vrai jeu, mais ça peut être un super jeu si tu te concentres que sur ça. Ouais. C'est juste, c'est pas assez. Il y a une souplesse très particulière qui est liée à ce jeu-là parce que c'est des formats très carrés en termes de niveau, de conception de niveau. Donc il faut que les sauts soient très calibrés. Ouais, ouais. Et du coup, t'as pas la physique à laquelle tu es habitué du personnage, mais ça, en l'occurrence, c'est pas si grave. Mais le fait de l'avoir 3D-ifié ici, comme ça, il y a certains obstacles, notamment je pense aux échelles et aussi à toutes les lianes. Parce que forcément, ça fait écho à la philosophie des Donkey Kong originaux, notamment Donkey Kong Junior. Et quand tu grimpes de liane en liane, si tu grimpes avec une seule liane, tu vas moins vite que si tu grimpes en tenant chacun des trucs. Et c'est toute une rythmique à laquelle il faut s'habituer. Pour l'instant, je suis pas arrivé sans doute assez loin pour y prendre. Je pense que tu vas le squatter. Non, 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 mais laisse tomber. Maintenant que t'as fini FF, ça. Laisse tomber. Voilà, je pense. je suis arrivé au troisième, quatrième monde. C'est bon, t'en as fait le tour. Bah, le jeu dure 5 heures, donc j'ai dû y jouer, allez, 2 heures. Tu veux dire qu'au sixième monde, il n'y aura pas Sephiroth et que. Je pense que il y a beaucoup, il y a du pain sur la planche et c'est pas pour lui que je vais le découper. Ouais. Daniel, t'as pu toucher un petit peu ouais. À ça? Oui. Oui, t'avais fait l'original même... peut-être, je sais pas. Non, j'avais pas fait l'original. Ouais, moi non plus. Je suis du même avis, c'est genre ça me transcende pas quoi. Ouais. C'est mignon. Je suis un peu perplexe justement par cette séquence-là. On voit que la clé, elle a une certaine autonomie, mais pas ouais. trop. Dès que tu l'as bougé, t'as 12 secondes. Enfin, c'est très bizarre. C'est vraiment des codes très particuliers. C'est pas le Pikmin. C'est pas le Pikmin c'est de rêve. C'est pas Pool Block, ça. C'était vachement bien, ça, Pool Block. C'était incroyable. J'ai essayé le jeu sur des novices et tout. Ouais. Ah, c'est sympa. Voilà. C'est bon, grosse poursuit. Campagne d'affichage à Paris. Hein, ah ouais, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, très bien. Sur ce jeu, c'est le gros jeu de mars, hein, finalement. Ah non, il y a Super Princess. Ah, c'est Princess qui est le gros jeu. Oui, ça, c'est le jeu de février, pardon. Oui, le gros jeu de mars, c'est Princess Peach. Comment elle s'appelle déjà? Je sais plus. Princess Peach Showtime, je crois. On poursuit avec un autre jeu. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de télécharger la démo de Silent Hill de Short Message. Non. Pardon. Pas pour moi. Pas pour moi. Qui avait été présenté durant le State of Play, mis en ligne dans la foulée. Alors, ce n'est pas un avant-goût d'un jeu à venir, puisque c'est une relecture des codes de Silent Hill avec toute une thématique de harcèlement un peu enfoncé au forceps. C'est un studio japonais qui est à l'œuvre. C'est pas subtil. Exactement, vous avez décodé. Incroyable. C'est pas subtil pour un sou et c'est bien dommage. Et surtout, le gameplay n'est pas transcendant, malheureusement. C'est-à-dire que y a, c'est gratuit. Qu'est-ce que tu veux gratuit. Gratuitement. Comme disait Hervé Villard, t'as pas payé, tu vas pas gueuler. Ce qui est quand même la phrase. Dire si c'est gratuit. C'est une vraie produit, phrase. Mais... C'est une vraie, une vraie phrase. T'étais au concert d'Hervé Villard. J'étais au concert d'Hervé Villard en 95. Lionel Verlet, donc notre concepteur de vignettes, s'en souvient. D'accord. Parce qu'on a assisté tous les deux à ce moment-là. Et donc, si je dis à ton cousin, t'as pas payé. Tu vas pas gueuler. Ah oui, t'as pas payé les vignettes, tu vas pas gueuler. Ah bah non, les vignettes. Bah si, oui. Ah bah non. Bon, tout ça pour bon dire bah que du coup, voilà, ça se veut à la fois aventure narrative avec beaucoup de séquences classiques. Voilà, tu te balades de salle en salle et il y a des moments où t'as des petits jumpscares. Thématique du suicide assez lourde évidemment, et notamment suicide en milieu scolaire avec cette. La meuf veut personne. Suicider alors qu'elle a 37 000 followers. Voilà, enfin, et bizarrement, ils ont délocalisé. Ils ont délocalisé. Ils ont délocalisé l'atmosphère de Silent Hill en Allemagne. Voilà, peut-être finalement qu'il y avait des rapprochements à faire. Tu veux dire qu'après les studios espagnols qui font des jeux japonais, il y a les japonais qui font des jeux allemands. C'est ça la mondialisation finalement. Il y avait des jeux connus japonais qui se déroulent. Tu tiens de Shadow of. Soul Calibur. Shadow of the Damned. Non, Memories, le truc de Konami. Le Shadow of Memories, oui, ouais. Bien sûr. Qui se déroule en Allemagne. C'est vrai. Très très bon jeu. Au centre du village. C'était en 2000. Sur PS2. 2001, c'était sympa. Là, c'est moins sympa. L'avantage, c'est qu'il est très court, mais le problème, c'est que même sur les deux grosses heures de jeu, il y a des séquences qu'on appellera pudiquement les séquences de Pac-Man, où tu te fais poursuivre non pas par Pyramid Head, mais par une espèce de monstre qui a des feuilles qui lui tombent depuis la gueule. C'est assez bizarre, quoi. Étrange comme conception. C'est le concepteur des monstres originaux de Silent Hill 2 qui
est juste, qui est revenu, qui a repris son chevalet pour nous plonger dans cette horreur-là. Et le problème, c'est que ces phases Pac-Man sont hyper complexes, scriptées, infernales. Tu ne te repères pas à 2 mètres puisque tu as forcément une espèce de brouillard. Et la séquence finale, notamment du jeu, c'est du die and retry pur. Et déjà, tu as envie d'en finir. En plus, ça vient s'ajouter. On va prendre les couloirs par cœur, c'est ça ? Tu as 5 ou 6 trucs à récupérer dans un dédale qui est où tout se ressemble, et le moindre pas de côté, t'as l'espèce de monstre qui surgit et qui te bouffe et qui te one-shot. Et c'était une épreuve. Ouais, c'était frustrant. C'était plus frustrant qu'amusant, voilà. Et en plus, écoute, ça a l'air graphiquement très correct. Hein, oui, graphiquement pas pourri, comme on disait, mais ludiquement, ludonarrativement, moyen. J'en reviens encore à Hervé Villard. Ouais, voilà, exactement. T'as pas payé. D'ailleurs, ça s'est téléchargé à plus d'un million d'exemplaires dans la foulée. Incroyable. Parce que gratuit, ça gratuit, gratuit, les gens payent pas. Ouais. C'est, je sais pas dans quelle mesure ça nous préfigure des prochains Silent Hill, puisque c'est pas Bluebird Team qui est derrière. Hein. Mais bon, ça, si jamais vous avez une heure et demie à tuer, n'hésitez pas, c'est gratuit. C'est vrai que ce mois-ci, il y a pas beaucoup de. Oui, on a du mal à trouver le temps. Allez, on va poursuivre un petit peu plus longuement cette fois-ci avec un jeu cher à notre cœur qui s'appelle Game Center CX 1+2. Et ben, je vais laisser Daniel en parler, puisque Remake. C'est toi qui en a parlé un peu plus, qui a joué un peu plus longtemps. Ah, j'adore la série des Game Center. Alors, Retro Game Challenge en US. Retro Game Challenge. Je vais renvoyer la balle à Greg pour lui demander. Ah, j'y ai pas joué. Hein. Enfin, celui-là, j'y ai pas joué. Qui est cette personne qui s'appelle visiblement Arino ? Shinya Arino. Shinya Arino, qui est. Ok, le Marcus japonais, on va dire. En gros, il a une émission dans laquelle il va jouer à des vieux jeux et commenter ces vieux jeux, mais pas que. C'est-à-dire que il donnera des tips. Il va donner des astuces. Il va dire, hey, ce jeu-là, il était super connu parce qu'à l'époque, il y avait un bug incroyable. Là, là. Il va aussi, d'ailleurs, pendant l'émission, ça arrive, aller retrouver les gens qui ont conçu le jeu auquel il est en train de jouer. Et dire, ah, mais alors, moi, je me souviens, quand j'étais gamin, on jouait à ce jeu et il se passait ça. Ah oui, haha, en fait, on n'avait pas assez de RAM, donc on a planqué un truc là. Donc, c'est une émission qui est une espèce de belle Madeleine de Proust du rétro gaming, où il y a évidemment une partie où le présentateur joue en commentant ce qu'il fait, mais il se met aussi des défis. Il dit, ah bah, y a des gens qui disent que c'est possible de finir Megaman sans se faire toucher. Je vais essayer de finir Megaman sans me faire toucher. Et donc, tu le vois souffrir, tu le vois faire des nuits blanches au bureau et tout. Parce qu'il est toujours, voilà, il est toujours au bureau. Et puis il habillé a son en laboratoire. Voilà. Et c'est un jeu dans lequel ce monsieur se lance des défis sur des jeux rétro. Et l'émission a eu tellement de succès. C'est le pinacle du méta, puisque désormais cette émission existe en jeu vidéo. Donc il y a eu plusieurs jeux qui sont sortis sur les consoles précédentes. DS, 3DS, et où c'était justement des simulateurs de petits garçons des années 80. Donc tu jouais à des faux jeux rétro. Donc des clones de Castlevania, des clones de Gradius, des clones de Ghouls and Ghosts. Et les jeux étaient super durs, et donc tu avais une partie aventure où tu devais sortir du jeu pour être dans la chambre du petit garçon que tu incarnes et aller lire des vieux Famitsu dans lesquels il y avait des faux articles et il y avait donc des tips pour te dire, voilà, si tu n'arrives pas à finir ce jeu, il faut faire comme ci et comme ça. Donc c'est une simulation de petits garçons qui jouent aux jeux vidéo dans les années 80. C'est un concept très très particulier, mais qui a eu du succès. Quand même, et parce que c'est vraiment une certaine forme de nostalgie. Le jeu en plus est très bien écrit, donc la plupart des articles que tu pouvais lire dans les magazines étaient vraiment remplis aussi de clins d'œil à une presse de cette époque-là. Enfin, tu vois, tu disais graphiquement pas pourri, c'est le genre de phrase qu'on pourrait retrouver dans la VF. C'est comme si tu feuilletais des faux consoles plus à la recherche d'astuces pour débloquer des avancées. Hein, bah, Joypad, c'était mieux. Ah oui, bien sûr. Pardon, oh là là, excusez-moi. Je savais pas que la guéguerre était encore. Il n'y a pas de guéguerre, on a gagné. Ah oui. Tout ça pour dire que. Voilà. Player One. T'as du mal à démarrer ? Et donc, surtout, les pastiches sont de qualité. Hein. C'est un studio qui s'appelle Indie Zero qui fait les Theatrism. Hein. Aujourd'hui, ils sont surtout connus pour cette série-là, qui était au chevet et qui réussit à faire des pastiches de tous ces jeux de cette époque. Et comme disait Greg, c'est très bien écrit parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit, c'est deux copains. Donc, il y a ton personnage et Arino, qui est petit dans les années 80,
Et vous discutez. Alors, de temps en temps, il y a la maman qui intervient en disant « Eh, Arino, il faut venir bouffer, enfin, tout ça. » Parler de voir. Parler de voir. Et toi, tu es avec ton pote et ton but, c'est de relever les défis du dieu du jeu vidéo. Le démon Arino. Le démon Arino. Et je pense que ça vaudra un très bon... Sumimasen combo. Ah, bah oui. Le démon Arino qui est une ref directe au démon du docteur Kawashima. Tout à fait. Et il y a plein... Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que les jeux suivent à peu près la chronologie, donc la technologie. Donc, il y a, par exemple, au début, on voit des jeux NES, mais ensuite, ça devient des jeux... Game Boy, voilà. Des jeux SNES, il y a des jeux Game Boy... Et il y a aussi des jeux moins connus. Par exemple, il y a une espèce de Dragon Quest 3, mais qui est fait sur l'équivalent de la Game Boy Color. Donc, on va voir les jeux, les couleurs toutes fades. Enfin, c'est très bien vu, en fait. C'est chaque époque à son jeu, à sa console. Et voilà, là, c'est la collection de magazines que l'on feuillette avec tous les... Et donc là, ils te disent Wizman. Alors, Wizman, il faut... voilà les meilleurs moyens pour récupérer. Parce que pour relever les défis, si tu as des vies infinies ou des astuces qui te permettent de warper dans une zone beaucoup plus avancée, exemple, tu vas répondre aux défis. Sur la sauvegarde que j'ai prévue pour jouer avec en combo, il y aura un moment où ils me disent il faut faire un tel score, mais sur le niveau 3, mais le niveau 3, c'est chiant d'y aller. Bah, du coup, ils te donnent le pro tips dans le faux Mitsu. J'appellerais ça pas le faux Mitsu, mais le faux Mitsu. Et dans le Fomitsu, on te donne les comment aller directement au niveau 3. Ça, c'est un shoot'em up jouable à 2. Oui, c'est fait partie des ajouts de cette nouvelle version Switch. Donc avec un shoot'em up jouable à 2, le Tetris qui est jouable à 2 et même un nouveau mini-jeu inédit. Yataman. Salaryman Yattaro, je crois. Yataman, Qui, pour le coup, qui est l'équivalent de Mighty Final Fight chez Capcom de l'époque, donc avec un gameplay très NES. Mighty Final Fight et Kunio-kun. Ouais, Yataro. Voilà. Et la possibilité avec des petites mécaniques de RPG greffées sur un gameplay de beat'em up tel qu'on l'avait dans les Kunio-kun notamment. Qui n'est pas si loin des amis de Ringo Ishikawa, si tu veux. Oui, tout à fait. Donc, problème, c'est que pour l'instant, le jeu est en japonais, donc vous risquez de passer à côté à la fois des astuces, à la fois des défis qui vous sont imposés. Les jeux d'origine étaient sortis. Alors, c'était pas Bandai qui les avait sortis directement, donc à voir si ce sera le cas. Pour cette version Switch. Mais en tout cas, c'est un jeu génial. Ouais. C'est l'écran parfait. À un détail près, c'est qu'il n'y a que 2 jeux sur 3. Oui. J'aurais pu mettre le jeu 3DS. La version 3DS n'est pas intégrée, mais il avait été moins bien reçu, je crois. Ah non, mais il est vraiment moins bien, le jeu 3DS. Ouais. On va poursuivre dans le rétro gaming avec un dernier jeu, avant-dernier jeu. Juste pour dire, dans le 2, ils remettent les jeux du 1, donc c'est un peu... Voilà, donc c'est un peu doublon. Qui s'appelle Euphoria 2 The Saga, qui est sorti fin février. Qu'est-ce que c'est, Pouillot, en face de Final Fantasy VII Rebirth. Prends garde à toi. Qu'est-ce que c'est, Pouillot ? Édité d'ailleurs chez Red Art Games, un label français, chez nous. Eh bien, c'est la suite de Hebereke. À savoir la mascotte de Sunsoft de l'époque. Je crois qu'on peut dire ça. Il y a eu plusieurs mascottes chez Sunsoft, notamment Aero the Acrobat. Et ça fait partie de cette ménagerie, c'est un petit pingouin avec un petit bonnet. Et Hebereke, à l'époque, donc, qui est sorti aux États-Unis sous le nom Euphoria, eh bien, c'était un Metroidvania avant l'heure. Lui aussi, il avait ce côté non linéaire qui était assez relativement rare, finalement, à l'époque. Enfin, on ne parlait pas de Metroidvania. On parlait de Metroid, de Simon's Quest, mais ce n'était pas vraiment un genre à part entière, avec, comme tu le disais, déblocage de persos, déblocage de compétences en fonction des persos, et une progression qui permet de s'aventurer dans différentes parties en fonction des pouvoirs que l'on débloque. Est-ce que c'est un Metroidvania, ce 2? Alors, plus ou moins, c'est qu'il a une philosophie assez particulière, c'est-à-dire que oui, tu vas débloquer de nouveaux personnages, donc t'as le pingouin, t'as le renard qui peut flotter, t'as l'espèce de petit poisson qui peut lui aller dans l'eau, donc t'as toujours ce déblocage de partie de niveau, ça se fait toujours comme ça, mais en fait, tu es obligé de retourner dans des niveaux que t'as déjà parcourus, qui vont un petit peu changer de topographie, à la recherche de canettes qui seront réutilisables dans le distributeur automatique pour débloquer de nouveaux éléments de progression, ça peut être une carte, ça peut être une boussole, ça peut être un radar... plein de choses qui vont donc permettre au fur et à mesure de développer les différentes régions. Lui aussi, il aura droit à son petit Sumimasen combo. D'ailleurs, beaucoup d'imports, beaucoup de trucs. Lui, il est disponible officiellement, tu vois. Oui, bien sûr. Et je voulais juste insister Beaucoup de jeux, genre, tout le monde fait Final Fantasy VII, Puyo. Nous, on a décidé de faire Hebereke. Et
Game Center. Je voulais juste insister sur la partie graphique qui nous avait bien plu déjà au Tokyo Game Show et même à l'annonce du jeu. Déjà, c'est le retour de Sunsoft en tant qu'éditeur, parce que Sunsoft est resté très très. Enfin, Sundenshi existait toujours, mais là, ils réhabilitent le label Sunsoft pour plusieurs productions, notamment Ebereke 2, enfin voilà, Euphoria 2. Et je trouve que le style graphique un peu à la Good Feel, donc les Kirby au fil de l'aventure, Wario Land Shake Dimension, etc. T'appelles ça comment? À la quoi? À la Good Feel, c'est le studio. Feel. D'accord. C'est le studio qui fait Yoshi. Derrière. Ah, donc, Yoshi Woolly World, ce genre de truc. Ah oui, ok, d'accord. J'avais pas compris ce que t'avais dit. Cette pâte à modeler, entre guillemets. Enfin, pas vraiment. Il y a l'espèce pâte à modeler et laine. Et laine, gameplay, je trouve ça. Comme les émissions de l'enfance faites en stop motion, un peu. Ouais, je trouve ça très sympa. Là, vous voyez ce personnage de fantôme qui lui peut flotter. Enfin. Je vais pas dire que c'est le plus grand jeu de plateforme de tous les temps, mais je passe un bon moment pour ce qu'il a à proposer. Et c'est je pense déjà que tu peux y jouer avec ta fille. En plus, ouais. Il n'y a pas de coop par contre. Hein. Mais voilà, c'est un divertissement. Sympathique divertissement qu'on aura l'occasion de vous présenter plus en détail. Avant de passer à la suite, un petit instant preview, histoire de nous allécher pour le mois prochain, puisque Daniel, tu as eu l'occasion de tâter Dragon's Dogma 2 plus longuement. C'est vrai, c'est vrai. J'ai eu l'occasion de jouer à Dragon's Dogma dans une preview. Au deuxième opus. Et je sais que toi, Pouillou, t'avais un peu l'inquiétude de est-ce que c'est pas un 1.5 ? Un Dragon's Dogma 1.5 ? Oh, j'aurais pas ce. Tu sais quoi, il y a 10 ans qui sont écoulés entre les deux. C'est vrai que c'est vieux maintenant. Alors, certes, il y a toutes les mécaniques que tu connais. Il n'y a pas, en termes de mécanique pure, il n'y a pas grand-chose, à part juste les petits raccourcis, tout ça. Tu rappelles un jeu d'action-aventure chez Capcom, voilà, qui s'enivrait dans le médiéval fantasy qui est, occidental. Qui est à la fois, c'est paradoxal, parce que c'est la réponse aux Souls, avant que les Souls deviennent Souls, puisque, apparemment, Dragon Dogma était contemporain du premier Dark Souls. Et c'est étonnant de voir que deux studios, en même temps, se sont essayés de se réapproprier l'héroïque fantasy à l'occidental. Et vraiment, les environnements sont ultra travaillé, il y a une possibilité de grimper tout ça. Mais ce que j'aime particulièrement dans Dragon Dogma, c'est quand même la convivialité de l'équipe, c'est-à-dire que tes potes, ils existent, ils te parlent, ils s'arrêtent pour te dire il y a un passage secret, je sens qu'il y a un truc. Ils montent sur des bisons. C'était un peu artificiel ça dans le premier là. Ouais, tu crois que c'est plus naturel quand même. Là, c'est un peu plus naturel. Ouais. T'as plus de fonctions. T'as vraiment. Le menuing est vraiment été refait. Et là, c'est le moment que j'ai adoré dans lors de ma preview. C'est le moment que je qualifierais de Monster Hunter. Ah bah c'est la patte du jeu, ouais, c'est clair. Il y a un colosse. Et regarde, tu as plusieurs types. Là, je joue à un archer, donc tu as plusieurs types d'armes. Tu peux faire des flèches de glace, des flèches de feu, des flèches qui rendent de l'énergie. Mais surtout, là, regarde, tu as un gros balèze, mais tu vas voir, tu as un écosystème, puisque tu vas avoir un deuxième gros balèze qui va se battre. Et ensuite, encore, ça va aller de mal en pis. Donc, t'as l'impression de pouvoir croiser toujours des espèces de grosses trames. C'est très Monster Hunter-isé. Ouais, ils insistaient là-dessus, sur le côté soi-disant organique des rencontres de monstres qui peuvent se taper comme le Monster écosystème. Hunter World. Écosystème. C'est très Monster Hunter-isé. Oui, et ils ont pas tort. C'est vraiment un truc que tu ressens. Ah, c'était déjà la fusion voulue oui, à l'époque. Dans hein, le mais, premier, ouais. Mais, là, mais là, ils ont encore poussé plus loin, ils ont intensifié le truc. Les jobs se jouent très très différemment. C'est assez intéressant. Ah oui, dis donc, là, t'as pas de bol. Il y a un troll qui te court après, il y a des loups qui veulent te bouffer. Est-ce que la nuit, c'est toujours aussi. La nuit. Est-ce que tu vois toujours pas à deux pas alors, est-ce que tu meurs toujours la nuit T'as une lampe. Parce que tu prends plus de dégâts. Regarde, le loup, il m'emmène, genre, il est en train de me bouffer. Prends un côté. Il est en train de me bouffer. Et regarde, derrière, c'est. Ah oui, il y a tout le monde qui. Donc, impression plutôt positive au stade de la preview. Ah, franchement. Gageons que la version finale sera à la hauteur de ces gageons que la version finale. Ah oui, tu t'es fait avoiner là, toi. Ah, je me suis fait défoncer. Et après, il y a encore. Je ne vais pas montrer la vidéo, mais après, il y a encore un griffon. Parce qu'il faut dire que c'était vidéo. Là, c'est toi qui joues. Là, c'est moi qui joue. Il y a des gros griffons qui sont venus et tout. Qui se sont dit, on va bouffer Daniel. Ouais, non, mais genre, j'ai trois colosses sur moi en fait. Et ça promet, en tout cas, ce sera notre gros rendez-vous. Je suis désolé pour émission. Toi, Pouillot, mais c'est encore un jeu qui va prendre du temps. Là, je sais pas. C'est encore un jeu qui va prendre du temps. On a hâte de revenir à Ebereke 3. Je sais pas si il est important d'aller jusqu'au générique de fin pour celui-là pour avoir un avis. Et alors, il y a un moment génial, c'est que tu vois, j'essaie de m'accrocher tant bien que mal, mais ensuite,
il va choper un de mes potes et ensuite il va le balancer. Ah, quand il te balance de haut. Ouais, oui, il y en a un qui fait de la lévitation. Ouais, ouais, non, non, mais il y a vraiment plein de trucs, quoi. Très bien. Et là, regarde, là, je suis paumé et je me dis, bon, il est où mon pote? Eh ben, il est là-bas. Oh, ah, le pauvre. Ah, là, c'est mort instantané. Ah, oui, là, il est mort instantané. Il a gagné un niveau, tu vois. Non, non, c'est nous. Mais bref, c'est vraiment l'éclate. Et c'est vraiment ce que j'ai envie d'un jeu que j'imagine être un peu ADD, tu vois, Advanced Donjons & Dragons. Eh ben très bien, le 22 mars. Ah, moi aussi c'est un des jeux que j'attends le plus depuis le TGS dernier. Ah ouais, j'ai hâte vraiment d'y jouer. Ah oui, 22 mars, bah c'est bon, les gens ils ont un mois pour finir. Voilà. Et surtout c'est un jeu très beau. Ah bah. C'est un jeu vraiment très beau. Ouais, je sais pas, surtout que Rise of the Ronin sort exactement le même jour. C'est pas de bol pour l'un des deux. Oui, je sais pas lequel va être le perdant, mais je pense que Rise of the Ronin, je suis très très impatient aussi. Ouais. Mais on a vraiment les jeux japonais, on s'ennuie pas quoi. Non, c'est clair. Dragon's Dogma 2. Eh bien, merci pour cette fin de rubrique Famitsu Mimasen. On va enchaîner. On va enchaîner sur l'actualité du jeu vidéo. Promis, hein, je vous la fais courte. Hein, vous avez l'habitude désormais. Oui. Hein, c'est un tunnel. Encore une heure. Non, 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 vous dites pas ça. Et après, eh bien, les petites surprises. Il s'est pas passé grand-chose. Hein ? Si. Si, quand même. Ouais, je pensais que non, mais en fait, si. On va le voir juste après la petite coupure. On entame la dernière ligne droite de cette émission de ce Soumis Massen Turbo, épisode très absolument exceptionnel avec un petit tour de l'actualité. Cette semaine, il s'est passé pas mal de choses, notamment du côté de chez Pokémon. Eh oui, c'était le Pokémon Presents, le rendez-vous. Bah, le 27 février, annuel, 27 février, c'est le Pokémon Day. L'anniversaire de la sortie des premiers Pokémon au Japon. Et on a eu plusieurs annonces, à commencer par l'arrivée d'un nouvel épisode de Légende Pokémon. On avait eu Arceus dans le passé. Voilà, quelque chose me dit... On va avoir une ambiance un petit peu plus futuriste. Je sais pas, quelques indices comme ça sur votre écran. J'ai vu un monument rouillé. Un monument rouillé qui ressemblerait à la tour Eiffel. Mais oui, ce nouvel épisode se déroulera donc à Kalos, dans la région de Kalos, qui était dérivée de la France, mesdames et messieurs, la France de Pokémon XY. Eh oui. Et il n'y avait pas eu Pokémon Z. Donc finalement, celui-là, il s'appellera Légende Pokémon ZA. Ah, c'est ZA. ZA. C'est marrant d'avoir le Z... 3 générations plus tard. Ouais. Alors, ce ne sera pas évidemment le Z tel qu'on se l'imagine, parce qu'il y aura toutes les mécaniques, sans doute, les mécaniques de base de Légende Pokémon, à moins qu'ils révolutionnent complètement le gameplay. Oui, mais il y aura aussi les mécaniques d'XY, puisqu'on retrouve les méga évolutions. Exactement. Et Zygarde. Zygarde qui sera au centre des débats, donc le légendaire. J'ai dit quoi ? Zygarde sera au centre de la présence des débats. Le légendaire. Si t'es pas au courant de ce qu'on dit, le légendaire de Pokémon XY, l'un des trois légendaires qui n'avait pas eu droit à son jeu dédié, ben là, visiblement, il a l'air au cœur de l'intrigue. Pokémon Trading Card Game Pocket, c'est la nouvelle tentative. Ils ont déjà fait ça. Oui, plusieurs fois. Ouais. De moult reprises, que ce soit même de base sur Game Boy Color avec Pokémon GB, si l'on veut. Mais là, l'idée, c'est à nouveau d'en faire un véritable jeu service. Il y a eu des tentatives, des déclinaisons qui ont pris. Mais là, on sent qu'ils veulent mettre encore plus l'accent. Et notamment avec la possibilité d'acheter des petits packs virtuels. La collectionnite. Bah, le problème, c'est que quand tu achètes c'est le père qui parle. Quand tu achètes un paquet de cartes Pokémon, t'as toujours une carte avec un QR code dessus, et ça, c'est la première carte que les gamins foutent à la poubelle. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu as des influenceurs... les influenceurs qui ouvrent beaucoup de paquets donnent les QR codes gratuitement pour que les gens les récupèrent, parce que ça te permet justement de jouer en ligne... avec les cartes que tu as eues dans ton paquet en papier. Parce que tu scannes le code et tu peux du coup jouer ensuite sur le portail. Je ne sais plus comment il s'appelle, c'est JCC slash... Mais finalement, les enfants le font assez peu. Parce qu'on ne va pas se cacher que même s'il y a un tournoi, même s'il y a des gens qui jouent, il y a quand même beaucoup d'enfants qui achètent les cartes pour les collectionner avant même d'y jouer. Et c'est vrai que du coup, les solutions pour y jouer en ligne... Parce qu'il faut quand même de la place pour jouer au jeu de cartes Pokémon. Hein. Il faut deux tables, il faut la place pour étaler tes cartes avec ton deck, avec le côté, les cartes récompenses, etc. Et ça prend un peu de place. Et c'est vrai que la solution de pouvoir y jouer en ligne, c'était bien, sauf que personne ne le faisait. Donc on espère que cette solution-là permettra enfin aux parents comme moi d'arrêter de fouiller dans la poubelle, de récupérer les QR codes en se disant peut-être qu'un jour... Parce que j'ai autour de moi des exemples d'enfants qui jetaient les cartes QR code et qui, une fois devenus ados, genre 17-18 ans, qui plongeaient dans Magic, etc., qui disent « Eh, mais
Où sont mes cartes QR code pour jouer en ligne et tout ? Bah, tu les as balancées. Ah, mais non, mais j'étais trop machin. Donc, moi, j'ai toujours cette peur de me dire quand il sera grand et qu'il, si ça se trouve, ça sera un joueur de cartes et il sera bien content de retrouver les centaines et centaines de cartes qu'il s'est acheté quand il était petit avec ce QR code. Et c'est vrai que si l'appli est bien faite, ça peut prendre. Je manque à tous mes devoirs, mais cette appli sortira en 2024. Petite pression, Legend Pokémon ZA, lui, il est prévu pour 2025. On pensait que ce serait le Pokémon de fin d'année. Mm-mm. Non, ce sera 2025 sans précision. Mais comme ils avaient sorti le précédent en janvier, je crois. Oui. Sur les consoles de la famille Nintendo Switch. Voilà. Ce qui veut tout et rien dire, mais ce qui laisse la possibilité éventuelle d'une Switch 2. Ils ont dit sur console Nintendo Switch System. Systems en anglais et de la famille Nintendo Switch, ce qui est, alors évidemment il y a la Switch OLED, la Switch Lite et la Switch classique. Est-ce qu'on devrait pas découper ce segment en une vidéo avec nos têtes genre comme ça, la Switch 2, la Switch Family. On sait, nos révélations. Bah, on sait que Hubert est en train d'y penser. Hein, je peux vous donner l'information. Mais... Il est possible, en tout cas, il est possible que les gens de Pokémon ZA sortent puisque c'est écrit dans le texte. D'accord. Il se laisse cette opportunité-là. Moi, je vais vous donner une autre info. Il est possible que Nintendo travaille sur une nouvelle console. On en parlera tout à l'heure. Là, on va parler du Nintendo Direct avant d'évoquer la suite. Nintendo Direct qui a eu lieu il y a quelques semaines déjà, avec pas mal d'infos. Pardon, t'en as fini sur Pokémon. J'en ai fini sur Pokémon. D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose ? Non, à part que... bah, Nintendo Direct Nintendo Direct, on a eu pas mal d'infos et surtout pas mal de démos jouables, notamment celle d'Unicorn Overlord. Qui permet de transférer sa sauvegarde. Donc ça, c'est bien, c'est un prologue jouable. Ça, c'est vraiment le luxe. Hein. Tu commences et tu peux transférer la save plus tard. Et du coup, nous, polémique. Ça nous avance. Ah, il y a une polémique, Oui, il y a une polémique. Parce ah, mais oui, bien sûr, évidemment. Mais tu allais y revenir. Tu voulais en parler ou pas ? Ah bah non, mais vas-y, je t'en prie, parce que ça me paraît très intéressant. Mais du coup, je peux en parler Oui, ah bah évidemment. Ça concerne la localisation d'Unicorn Overlord et exactement, donc Twitter... Divergence de traduction. Twitter s'est énervé parce que la version anglaise n'est pas exactement comme la version japonaise. Il y a quand même des libertés qui sont prises. Il y a des libertés qui sont prises, sauf qu'on découvre que ces libertés en général sont prises à la demande du studio. Donc le coup des défenseurs du Japon qui disent qu'on trahit l'esprit, bah, finalement ils se rendent compte que c'est les Japonais eux-mêmes qui demandent aux gens... C'est Mishima qu'on assassine. Voilà. Et à tel point d'ailleurs que Yasumi Matsuno est intervenu. Créateur de Vagrant Story. Voilà, pour dire, nous... quand le premier FF Tactics sur PlayStation 1 est sorti en Angleterre, on l'a traduit à l'arrache parce qu'on n'avait pas trop le temps et puis on n'espérait même pas qu'il sorte chez nous, enfin chez vous. Donc il a été traduit viteuf. Et c'est vrai que quand il y a eu le remake sur GBA, la traduction a été beaucoup plus travaillée. Sur PSP, pardon, excusez-moi. Non, sur GBA, c'était le 2. Ouais. Donc quand le jeu est sorti sur PSP plus tard, Lions machin là, la trad a été revue et même trop revue. Les gens ont dit qu'elle était trop riche parce que... Ils parlaient tous en ancien anglais, super précieux, super courtois, et ça, il y a des gens qui trouvent ça trop lourd. Et alors que c'était justement à la demande, suite à la réussite de la VA de Vagrant Story, c'était une demande de justement laisser liberté aux adaptateurs anglais. Donc le débat se fait sur les réseaux sociaux, il y a des gens pour, il y a des gens contre, il y a des arguments pour et des arguments contre, c'est-à-dire que... On ne peut pas dire oui, il faut laisser toute liberté ou non, il faut absolument coller aux Japonais au maximum. C'est des choix. C'est des choix. Mais après, il y a aussi des erreurs, il y a aussi des choix, il y a aussi des volontés de transformer. On avait déjà eu ce débat sur FF16 où la version anglaise n'avait rien à voir avec la version japonaise dont la version française était finalement assez proche. Et où FF16 changeait un peu quand même de tonalité. De tonalité et surtout le caractère de certains personnages, surtout personnages féminins comme par hasard. Oui. Bref, ça a beaucoup parlé sur cette démo de Unicorn Overlord, donc tant mieux pour eux. Ouais. Ça leur fait un peu de pub parce que Unicorn Overlord, ça reste quand même un de mes jeux les plus attendus de l'année, vous aussi j'imagine. Et il va avoir du mal à exister entre tous les triple A. Voilà. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire qu'entre Tekken, Dragon's Dogma et FF7, Unicorn Overlord. Les budgets sont pas extensibles, oui, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est tous des suites, c'est tous des jeux connus, c'est tous des jeux de gros éditeurs connus. Unicorn Overlord, c'est une nouvelle IP d'un studio. De niche. Ouais. Moi je lui souhaite le meilleur. D'où la démo, hein. Je pense que c'était salutaire, au moins pour l'exposition du jeu, au-delà de la polémique sur la localisation. D'autres titres ont été annoncés, notamment un portage de Monster Hunter Stories sur Switch, mais également sur PS4 et PC. Monster Hunter Stories qui était la Level 5 isation
Donc la volonté de tendre la main de Monster Hunter vers les, une population plus jeune, avec notamment la, une série animée, plein de goodies, etc. Un jeu qui à l'origine était fait par From Software d'ailleurs, je crois. Le premier, non ? Ah bon ? Il n'était pas sous-traité par From ou Kadokawa ou un truc comme ça. Je... Là, vous le mettez premier. Le doute, j'en sais rien. Je sais plus. On avait eu un 2 entre temps, mais voilà, Monster Hunter Stories. Et là, il, a pas eu le succès il sortira escompté, hein. L'été 2024, non. Bah non. Il n'a pas eu le succès escompté. Il a vécu. Le gameplay combat, Pierre Feuille Ciseaux, c'est. Il pas a vécu, forcément. Non, mais non, il a vécu une saison. Il n'a pas été déshonorant, mais. Les amis, pas très rare. Sachez-le. Voilà. Tu sais quoi il a pas explosé comme il aurait. Puyo, je viens de me souvenir, From Software, ils avaient fait le Nikki. Oui, le avec les félines, tout les à fait. C'était un petit jeu dérivé sur PSP. Qui est évidemment pas sorti parce que c'est à l'époque. Il sortait Monster Hunter. Ah, il loue des puzzles loups. Ouais, avec de lui puzzles. Je l'ai. Bon, J'aime bien toujours ces petits apartés. Je l'ai. Ouais, oh, les amiibo sont chers. Je sais pas pourquoi. Ouais, non, ah oui, tu voulais vraiment me signifier que t'avais l'amiibo. Non, bah, l'amiibo de Monster Hunter, oui. Ah, oui il a gonflé le prix. Bon, alors, on enchaîne avec quel Shin Megami Tensei 5 aura droit à. Je l'ai aussi. Ah, le spin-off de Persona. aura droit à sa version Vengeance, donc sa version plus alpha améliorée qui comprend le jeu de base et. Une histoire supplémentaire qui s'annonce tout aussi longue, visiblement. Il mise sur 80 heures supplémentaires. Ah, bah oui, c'est sous un autre angle. Moi, j'ai envie de dire, est-ce que ce serait pas la framerate édition surtout? Et ça, c'est important hein, pour les amateurs de framerate. C'est vrai que la version. C'est un RPG, ça va. Non. Ah non, sur Switch, je pense à mon camarade N6, alias Antoine, ancien CM chez Gamekult, qui avait renoncé au jeu à cause de la technique. Et pourtant, c'était pas le dernier à rechigner ouais, sur Shin Megami Tensei. Tu peux renoncer à un truc. Mais non, mais là, c'est bien. Là, au moins, ça va conjuguer le meilleur des deux mondes. On peut être ravi pour les gens qui ne l'ont pas fait. D'accord. C'était une exclusivité en plus sur Switch. Et là, tu l'as fini en plus, toi. Oui. Super jeu. 80 heures, je sais. Donc, Shin Megami Tensei 5, Vengeance sortira dans le courant de l'année. Est-ce qu'il y aura un mode facile? Ah oui, maintenant. Il y avait déjà. Il le mettait déjà. Oui, heureusement. Gundam Breaker, pour les amateurs de Gunpla. Gundam Breaker très populaire Gundam dans la Breaker commune. 2024 le 3 en le tout 3, cas le 3 Gundam Breaker super, 4 super populaire donc qui offre la possibilité de customiser son Gundam pour des combats en arène. Vous connaissez la formule, mais là ça revient sur les consoles actuelles. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais bon, vous savez, vous-même vous savez, avec des PS plus ou moins rares et une progression qui se fait comme ça, la possibilité de customiser les différentes couleurs, etc. On y sera 25 juin. Sortira Super Monkey Ball Banana Rumble. Alors au début je pensais que c'était un DLC pour un ancien, mais non, c'est un nouveau. Un nouvel épisode. Oui. Ils ont la foi ces gars. 200 nouveaux niveaux hein, quand même. Coopération à 4 joueurs, multijoueur compétitif. C'est l'argent de Yakuza. Hein. À 16 À 16 hein, quand même. Et bon, voilà. À 16. Multijoueur à 16 sur un mec. Tu parles, même si genre gamin. Mais bon, je sais pas. Monkey Ball, bon, pour les amateurs du genre, comme on dit. Ouais. Tu frappes comme ma fille. On a eu de la chance, durant ce Nintendo Direct, on a enfin une date de sortie pour un jeu level 5. Et oui. Alors ça peut arriver. Et en français, en plus. Et en français. C'est pas Decapolis, malheureusement, c'est Fantasy Life High. Non, mais Decapolis, il est pour l'année prochaine, déjà. Oui, c'est vrai. Non, au mieux en 2024, c'est pas ça? Je sais plus, il y en a un qui est comme ça. Bon, Fantasy Life High, la voleuse de temps, tel est son nom en français. Vous connaissez la formule, sortira le 10 octobre. Day One. Ah ouais? Ah ouais. Un Fantasy Life Zouz? Ah mais complètement, je pense que Fantasy Life, c'est un de mes jeux 3DS préférés. À ce point-là? Ouais. Ah, j'ai jamais accroché, tu vois. Comme on dirait pour Mario vs Donkey Kong, j'ai jamais accroché. Mais c'est un MMO solo avec un gameplay de action RPG, je trouve ça brillant. Ah, et ils ont rajouté un jeu. Ils ont rajouté le jeu de pêche, et là, c'est GOTY. C'est GOTY. Ah bon, prends garde à toi, DLC d'Elden Ring. Soyez là pour Simulation Turbo en novembre, je pense qu'on parlera de Fantasy Life High en des termes plutôt laudateurs. Suika Game a refait parler de lui, et heureusement, avec son petit DLC multijoueur qui nous offrira là aussi la possibilité d'une revanche dans Simulation Combo, parce que je crois que l'orgueil a été bafoué. Non, mais attends, tout le monde a vu la mécanique. Bon, l'avantage, c'est que moi, j'ai rien à perdre. La mécanique dégueulasse. Parce qu'au pire, il y aura une belle. Donc voilà. Donc, avec deux cuves qui se font face à face et plusieurs modes multi, un mode chronométré, un mode versus où tu peux parasiter l'écran de l'adversaire comme dans Puyo Puyo et un mode survie classique. L'argent les a fait changer. Ouais. 2,65€, je crois que je l'ai payé. De toute façon, j'avais pas le choix puisque ma fille l'a exigé. Et elle me met des pilules. Donc voilà, ça, il faut le savoir. Autre jeu purement japonais qui est ressorti des limbes, c'est Pocket Card Jockey. Voilà. Qui est j'avais loupé l'info. Il y a une démo qui est disponible. Démo en français qui plus est. Rappelons-le. Quoi ? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un jeu de course hippique, mais en même temps un jeu de solitaire. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut. Donc c'est un solitaire, et en fonction des résultats que tu as au solitaire, ton canasson va aller plus ou moins vite. Mais
pourquoi maintenant enfin, je sais pas. Moi, je pense que on est. Je pense qu'il y a des. On est en fin de vie. On est à ça du jeu de drague des mineurs quand même. Ouais. Quoi ? Il y a un concept à explorer là. Et donc, plus on gagne et plus notre, on va pouvoir customiser. J'ai jamais bien joué à ce jeu. Parce que solitaire, c'est compliqué. Bah, solitaire, il y a trop de random. Il y a trop de random dans le solitaire. Mais tu sais que le ressortir aujourd'hui, ça lui donne un petit côté charmant que t'as dans les, tu sais, dans les pubs de jeux mobiles. Ouais. Tu sais, les jeux mobiles nuls dont tu vois tout le temps les pubs. Bah, il est disponible, en tout cas, ouais. Si tu le veux. Mais c'est incroyable. C'est ouf, hein. Bon. Et le dernier jeu, histoire de combler le trou du printemps, le trou du mois de mai chez Nintendo, c'est Endless Ocean Luminous, à savoir une nouvelle déclinaison de Endless Ocean, le jeu d'exploration sous-marine. Avec des plongées en multijoueur, cette fois-ci. Voilà. On pourra jouer jusqu'à 30 simultanément, c'est pas rien. Subnautica pas stressant. Oui, voilà. Exactement. Et ça sortira le 2 mai. J'avoue que je suis passé à côté de cette licence et qui compte déjà pas mal d'épisodes. Ouais, mais toi, maintenant qu'il est un peu adepte de plongée, ça peut peut-être. Moi, de la plongée ? Mais non, lui, il monte, il descend. Ah oui, il monte. Ah non, zéro plongée. T'es pas plongé mal ? Je suis plongé une fois et tu sais quoi ? C'était dans. Je suis plongé dans une épave de la Seconde Guerre mondiale. Ah bah, c'est pas mal. Et j'ai l'impression d'être dans Mario 64. J'ai fait de la plongée une fois, je referai plus jamais parce que ça m'a trop stressé, mais j'ai bien aimé ce que j'ai fait. Ah non, mais c'est pas du tout pour toi la plongée. Ah oui, j'ai l'impression que. Non, moi, juste, c'est une histoire de. Il y a une merde, je meurs. Moi, c'est le contraire. Je veux en faire et j'ai pas le droit. Moi, c'est la pression. Moi, c'est la pression de. Oui, c'est vrai que ça fait mal aux oreilles. Désolé, il y a que Hubert qui peut plonger de base. Voilà, non, mais Hubert ira visiter des on épaves. On n'est pas soumis à scène plongée ici, hein, quoi qu'il arrive. Hubert, on compte sur toi pour visiter des épaves nazies et remonter les trésors de guerre. On va assister sur deux jeux qui ont également été présentés dans le Nintendo Direct. Le premier, c'est Ender Magnolia Bloom in the Mist, qui est la suite de Ender Lilies. Ce Metroidvania un petit peu chelou gothique. Eh bien, celui-là, il aura un Early Access qui va débuter le 26 mars. C'est japonais. Au studio japonais LiveWire qui replonge, effectivement. Et là, on va pouvoir incarner cette jeune exploratrice qui s'appelle Lila et qui peut donc s'allier à différents types de homunculus pour débloquer différentes capacités. Toujours une belle ambiance assez travaillée. J'avais bien aimé le peu que j'avais joué d'Ender Lilies, mais malheureusement, il s'est retrouvé eh bien, dans un planning particulièrement chargé, celui de Soumimassel Turbo, mais toujours aussi stylé. Hein. Je sais pas. Un peu lent en termes de déplacement, c'était le principal défaut. Ah bah c'est un jeu très contemplatif. Exactement. Et l'autre jeu sur lequel je voulais insister, eh bien, c'est un JRPG du studio Furyu. Furyu, cher à Daniel. Furyu, tu te souviens ? Il a ouvert, oui. Remember. Comment il s'appelle déjà le Unchained Blade ? Non, comment il s'appelait ? Unchained Blade Rex. Ouais. C'est, en tout cas, c'était sympa. Il y avait Unchained Blade Xavier. Eh bien, ah, ils ont payé des piges à des grands noms du jeu vidéo japonais, à savoir le scénariste Kazushige Nojima, dont on parlait tout à l'heure pour Final Fantasy VII. Eh bien, il sera au scénario, au synopsis de ce Reinatis. Il y a des mecs avec des capuches. Qui a également la compositrice Yoko Shimomura qui sera bientôt auréolée. Un achievement. À la GDC, durant la Game Developers Conference, pour un Lifetime Achievement. Eh bien, elle recevra. Oh attends, il y avait un truc, un blurb en anglais qui ne voulait rien dire. Et Yusuke Naora, illustrateur notamment, illustrateur de Final Fantasy VIII, mais pas que, hein, bien sûr, d'autres jeux. Mais Yusuke voilà. Naora ouais. Ah ouais. Ah, donc il a le... signé l'illustration principale. D'accord, attention, oui, tu monsieur. Vois le... merde, comment s'appelait ce jeu-là son grand truc. Oui, son jeu Square Enix. De quel vous parlez c'était avant. Merde. Ça nous reviendra. Mais arrête de dire des mots. Mode supprimé, mode libéré, c'est ainsi voilà. Qu'on alterne entre les réalités des deux personnages. Ça débloque différents bonus en exploration. Ça sortira le 25 juillet au Japon, avec un petit tempo. Voilà, il y a un petit décalage avec la sortie européenne, ce qui nous laissera une petite fenêtre de tir pour en parler en import, si on a du temps durant cet été. Ouais, t'as vu, on peut se balader dans Shibuya déguisé en Asie. Et oui, c'est Shibuya, bien sûr, évidemment, avec le 109, etc. Vous connaissez les repères. Et c'est un peu le The World Ends With You, mais un peu plus dark, qui sait. Avec plus de capuches. Bon, est-ce que la prochaine Nintendo Switch sortira début 2025? C'est ce que suggère le Nikkei, et pas que lui, mais enfin quand le Nikkei suggère. Moi, je veux juste un zoom sur le visage de Puyo quand je vais dire ce titre. Attends, on parle de la Switch 2. Non, vas-y. Zoom sur le visage de Puyo. T'es prêt? Ouais. The Last Remnant. Ah oui. Ah. C'était lui, c'était Cara Designer de The Last Remnant. Oui, exact. Bon. La Switch 2 sortira-t-elle en mars 2025? C'est ce que croit savoir le Nikkei. Et souvent, quand le Nikkei croit savoir, c'est quand nous on est. C'est que le Nikkei sait. J'allais dire, on va Nikkei ce soir. Mais en tout cas. Oh, c'est nul, lamentable. Ah, je l'ai préparé. Bloomberg. C'est vrai, aussi. T'as préparé ça. Ouais. Voilà. Bloomberg le prévoit également pour le mois de mars. Est-ce que vous pensez qu'ils pourraient caler leur planning
De... Sachant que normalement, elle est censée avoir un petit retard à l'allumage. Donc, ce pour... sera pas mars. Non, il y avait des pronostics comme quoi elle arrivera en fin d'année. Et non. Finalement, histoire d'avoir un catalogue de lancement plus étoffé, et elle aurait été repoussée quelques mois plus tard, en mars 2025, ce qui permettrait finalement de se caler sur un planning un peu à la mars, Nintendo Switch bah, numéro 1. La première 1. Switch qui est sortie en mars en aussi. En mars, hein. Ça l'a pas empêché mars, de cartonner. C'est une date traditionnelle pour les consoles Nintendo. Mm. Mais si tu me dis qu'ils temporisent pour avoir plus de matos... Qui sait. De toute façon, on aura des précisions comme on l'a sur dit. Sur quelle date tu temporises? Genre, si tu ne peux pas mars et que tu temporises pour, avoir plus, pour être plus loin... Tu peux sortir en juin comme la N64. La juin, ils le feront plus. Mais ce qui est certain, c'est que quoi qu'il arrive, courant mai, il y aura la publication des résultats officiels, des résultats financiers. Là, tu ne peux pas forcément tricher avec les actionnaires. Tu es un peu obligé de donner quelques petites billes. Donc, on aura peut-être un petit peu plus de précisions. Pour l'instant, Shuntaro Furukawa, le PDG Nintendo, dit « Nous vous encourageons à faire preuve de discernement en vous basant sur les informations que nous fournissons sur nos sites web officiels et nos comptes de médias sociaux. » Autant dire... La société ne commande pas les rumeurs et les spéculations, mais mieux dit. Voilà. On va ouvrir une autre page. Cette fois-ci, ça concerne Sony. Et c'est une page un petit peu moins glorieuse, reluisante. Ça s'est passé cette semaine. C'était mardi. On a appris avec fracas le licenciement de 900 personnes et notamment la fermeture de toute une branche anglaise de London Studio qui bossait notamment sur les projets réalité virtuelle. C'est très malin hein, quand tu sors un casque. Ils avaient Blood and Truth, ils avaient fait notamment ce genre de projet-là, PlayStation VR Awards. Bon, visiblement, la VR n'est plus à l'ordre du jour à l'heure où l'on parle de rendre compatible le casque PSVR 2 sur PC. Un casque PSVR 2 qui n'a forcément pas eu le succès escompté. Hein, si étonnant. On n'a pas de chiffres, mais entre l'absence de rétrocompatibilité et la disponibilité assez plus le erratique. Plus le catalogue. Et surtout le catalogue, qui n'est ni rétrocompatible ni étoffé, c'est vrai que ça. Bah, du coup, j'imagine que chez Sony, ça a pris des décisions assez drastiques. Des décisions de merde. 8% du personnel de Sony Interactive Entertainment. Mais qui sont étendues à tous les studios affiliés à Sony, dont le studio de Spider-Man. Enfin, c'est gros. Insomniac, Naughty Dog, Guerrilla ont été sommés eux aussi d'adopter le fameux 8% d'effectifs. Voilà, et comme quoi, tu peux sortir des jeux qui sont vendus à 20 millions d'exemplaires, mais t'es pas à l'abri, quoi. Tu peux faire plus de 90% sur. Tu peux générer 1 milliard d'euros de bénéfices à l'année et décider que tu ne marches pas suffisamment. Voilà. C'est-à-dire qu'ils gagnent énormément d'argent, mais pas suffisamment par rapport aux promesses qu'ils ont fait miroiter aux actionnaires. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils virent les gens qui ont suivi leurs ordres, alors qu'au final, ceux qui devraient dégager, c'est ceux qui ont fait les mauvais choix. Ouais. Parce que ça veut dire que toute la politique visant à étoffer les jeux-services et le PlayStation et la réalité virtuelle. Sont tués dans l'œuf désormais. Oui, mais parce que c'était un mauvais choix des dirigeants. C'est-à-dire que si le studio de Londres est devenu une branche spécialisée dans le casque VR, c'est parce qu'il y a un mec en cravate tout en haut qui a dit « Oh, les casques virtuels, machin !» Et puis en fait, c'était très cher, ça n'a pas marché. Les gens, ils voulaient, comme d'habitude, une PlayStation pour jouer à FIFA et à Tekken. Et ils se sont dit « Ah bah tiens, comme beaucoup de patrons d'ailleurs, hein, ils se sont dit « Bah voilà, on fait 100%, mais je suis sûr qu'en forçant un peu, on pourrait faire 110%. » Résultat, ils ont épuisé des gens. Parce que quand tu es à 100% et que tu veux faire 110%, les 10% supplémentaires te demandent une énergie extraordinaire. Et le problème, c'est que cette énergie, elle a été donnée. C'est-à-dire que les employés ont vraiment... Enfin, le contrat a été rempli. C'est-à-dire le PSVR 2, il est sorti avec des jeux qui étaient là, qui étaient de qualité, qui étaient prêts. Et puis un an plus tard, on dit « Ah bah non, en fait, on s'est trompé. C'est pas ça qu'il fallait faire. Salut !» Enfin, c'est horrible. C'est-à-dire que... Et rappelons... Au lieu de se dire, ok, on a pris une mauvaise décision, donc on prend nos responsabilités, on arrête d'être des patrons nuls, ils disent, bon bah, pour pouvoir continuer à faire des choix nuls, on est obligé de virer les gens qui ont suivi nos ordres. Enfin, c'est une fois de plus, une injustice criante. Rappelons deux choses qui sont importantes, c'est que Nintendo avait eu, au moment de la plus grosse de sa crise récente, avait, sous l'impulsion d'Iwata, avait choisi justement de garder tout le monde... En disant, bah, on peut pas. Ce sera une perte de savoir-faire, on peut pas motiver les gens s'ils ont peur pour leur travail. Et c'est le fameux quote de Iwata. Ils avaient vraiment minimisé les pertes dans le monde, hein, sur une petite société de petits artisans. Non, mais ne me laissez pas croire que Sony n'a pas de trésorerie.
Non, non, bien sûr, ils gagnent des milliards. Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, je veux dire, la masse salariale de Sony, c'est pas ça qui coûte le plus cher, hein, le recherche et développement, la publicité. C'est ce qui réduit sa marge opérationnelle. Ouais. mais du coup, faut rappeler, donc, je citais l'exemple de Nintendo. Au Japon, le Japon est moins touché par ça, déjà parce que Sony avait essentiellement... Ils ont quand même fermé Team Asobi bien avant. Hein. Ils avaient oui, fermé mais sous l'impulsion des Américains. Ils avaient fermé les studios japonais avant. Et au Japon, tu fais pas de grosses vagues de licenciements comme ça. En général, tu planques ça. Soit tu fais un déménagement et tu t'emmènes pas tout le monde, ou tu incites au départ à la retraite. Oui, ou tu les mets dans des salles de sport. Dans le message assez ironique de Jim Ryan qui a été publié à l'annonce de ces licenciements, ça c'est assez incroyable. La prochaine fois, comme on en plaisantait sur notre canal, là, on disait la prochaine fois, ils vont carrément mettre la convo Zoom en pièce jointe de l'annonce des licenciements pour essayer de jouer la carte de la transparence et de... Ce qu'ils ont fait sur Twitter. Sur Twitter, où ils donnent le détail des régions qui sont impactées au fur et à mesure et disent le Japon, on va parler de reconversion professionnelle pour les différents talents qui doivent nous quitter. Mais je trouve l'exercice de transparence alors à la fois salutaire et en même temps assez inhumain. Assez inhumain parce que es exposé, tu apprends ton licenciement en même temps que les fanboys Sony pour essayer d'éviter le maximum de shitstorm et je trouve ça assez... Et le pire, c'est que tu auras toujours des fans, parce qu'il y a des fans de toutes les marques, des gens qui vont dire « Ouais, ils ont raison, il faut s'alléger et tout, machin. » Et puis tu vas voir ça alors que tu viens de perdre ton job. Enfin, il y a des gens qui étaient au studio de Londres de chez Sony que je connais depuis la PlayStation 1, depuis plus de 20 ans. Et ils ont construit toute leur vie autour de ça. Et là, les casques VR, c'était une mauvaise idée. Salut. Enfin, vraiment, le caractère inhumain de la procédure. Alors, et il faut juste dire un truc, c'est que Sony, c'est pas exclusivité. Ce n'est pas un cas isolé. Non, mais bien sûr. On parle de la plus grande saignée qu'il ait jamais eu dans un... Il y a deux, trois semaines précédemment, Microsoft... Oui. Faisait un carnage entre ça et... Tous les studios. Et Electronic Arts en a annoncé ce matin. Unity, Electronic Arts, enfin c'est... Epic, enfin... Je veux dire, tu possèdes Fortnite, mais tu vas virer les gens quand même, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est le... Sans parler de leur partenariat avec eux, Disney, enfin... Je pense que on a un gros problème, là, depuis 2 ou 3 ans, où il y a une vraie disparition du savoir-faire dans les studios de jeux vidéo occidentaux. Là où les Japonais arrivent à se recycler... vraiment toutes ces écluses de ces brouettes de licenciements, comme disait Iwata, tu perds un savoir-faire parce que derrière tu utilises des prestataires, donc t'as plus rien en interne, donc il suffit que tu tombes sur l'équipe A, t'as un bon jeu, tu tombes sur l'équipe B, le jeu est moins bien, et ça devient tes jeux vidéo deviennent des coups de poker, enfin tes prods deviennent des coups de poker, et ça devient très très surtout bizarre. Des coups de poker à 500 millions quoi. Oui, c'est ça le problème, c'est que les budgets sont tellement... Mais non, gigantesque. Ils ont demandé que l'échec n'est pas permis. Ils ont demandé aux studios qui ont fait Horizon et tout ça de virer des gens. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ils n'ont jamais fait autant de blé. D'ailleurs, tu parlais d'augmentation des budgets. Même Arada a parlé il n'y a pas si longtemps du coup. La différence de conception entre un Tekken 2 et un Tekken 8, par exemple. Que Tekken 8 aujourd'hui lui demande, c'est-à-dire. Il demande de. Aujourd'hui, il y a le jeu en ligne, le jeu réseau, il faut faire du jeu service, il faut faire du jeu total, faut boxer sur tous les tableaux possibles. Alors qu'avant, le jeu, il sortait sur la galette, il n'y avait même pas de mise à jour, voilà, c'est bon. Tu passais à la suite. Tu passais à la suite. Là, maintenant, il faut faire du jeu service, faut suivre, faut faire. Et que ça continue de te coûter de l'argent, même après la sortie du jeu. Alors que le jeu est le même prix. Ouais. Enfin, c'est toujours 50€, 60€. Le jeu est le même prix, et surtout, t'as pas la garantie de. D'avoir un rendu, t'as pas d'un retour sur ton investissement, en sachant qu'en plus Tekken, prenons cet exemple-là, a coûté démentiellement, on l'a vu en termes de qualité et de structure, c'est un jeu qui a coûté excessivement cher. Ouais, avec des coûts de production exponentiels aussi, tu peux plus te contenter d'un semi-succès, c'est ça le problème, c'est qu'avant tu pouvais vendre 1 million, 2 millions d'exemplaires et c'était tu entrais complètement dans tes frais de production. Là désormais t'es obligé de viser les 10 millions sur des projets aussi gigantesques. Tu peux avoir et même sans ça t'es même pas protégé derrière. Ouais, tu peux avoir un micro succès, mais il faut avoir un FF14 qui rentre de l'argent tout le temps, voilà, par exemple. Dans le cas ou de Fortnite. Oui, non, mais même pas. C'est-à-dire que tu n'es même plus protégé en cartonnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... T'imagines Insomniac, t'as réussi à sortir 2 Spider-Man d'affilée, un Ratchet & Clank, et on te dit... Deux Spider-Man d'affilée. C'est pas assez. Ils en ont sorti trop. Oui, Miles Morales, bien sûr. Non, mais c'est pas... Ah,
vous n'avez vendu que 25 millions de jeux. Ouais. Littéralement, ils ont vendu le jeu Sony la plus grosse vente Sony de tous les temps, c'est Spider-Man. Et ça n'a pas suffi. Tu n'es plus protégé parce que il faut maintenir le salaire des patrons qui font des mauvais choix. C'est et surtout les rendements, les dividendes des actionnaires. Et il y a un autre truc qui rendra à terme tous ces gros développeurs, je parle principalement américain et Xang, c'est qu'au fur et à mesure, cette insécurité, cette précarité, ça fait perdre aussi les meilleurs éléments qui se disent « je ne vais pas rester sur le jeu vidéo, je vais être... » Ah bah non, bien sûr, évidemment, si tu es un super graphiste ou un super statisticien ou un super programmeur, tu dis « bon, je vais aller bosser dans une banque. » Ou dans une banque, ou tu as Apple, enfin les autres... Les GAFA, enfin je veux dire... Bon, les GAFA, c'est pas aussi les meilleurs exemples en termes de licenciement, mais c'est bien sûr que oui. Non, mais limite, tu dis que je vais dire freelance, quoi. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que à terme, c'est un truc qui va faire peur à l'industrie tout entière, et ça se voit, quoi. Enfin, c'est grave, hein, ce qui est en train l'industrie du jeu vidéo n'a jamais été aussi fragile, alors qu'elle n'a jamais généré autant d'argent. Je dirais l'industrie du jeu vidéo occidentale. Parce qu'au Japon, ils s'en sortent mieux... Le yen est bas, donc la vie au Japon, c'est pas forcément la joie non plus, mais le jeu vidéo japonais ne s'est jamais aussi bien exporté. Et attention, bien sûr, ça on l'a souvent dit, c'est pas parce qu'on aime le jeu vidéo japonais et qu'on en parle, qu'on idolâtre aussi la structure. Le monde du travail au japonais, on a beaucoup d'échos de la part d'amis communs qui sont dans l'industrie. C'est très différent, et aussi il y a aussi une précarité aussi qui est en train de s'installer au Japon, où au Japon, juste par exemple, ils ne payent pas assez, en fait. Simplement, les éditeurs, quels qu'ils soient, les salaires sont trop bas par rapport aux montées de la vie, et on le voit en ce moment, il y a une espèce de bulle qui est en train de se créer au Japon. C'est que le Japon était ultra moderne. On disait que c'était dans les années 80, on disait que c'était les années 2000, et en fait ils sont restés dans les années 2000 économiquement parlant, en fait. Et il y a un truc qui est en train de se passer d'assez dangereux, en fait, en termes de pouvoir d'achat, qu'on le voit pas que dans l'industrie du jeu vidéo, mais dans toute l'industrie tout entière du Japon. En tout cas, tout ça pour dire que le cynisme de Sony est... Surtout quand Jim Ryan... Il laisse pas une bonne... Ah, Jim Ryan fait son pot de retraite international en se baladant de studio en studio, où on voit les selfies, notamment avec les équipes de PlayStation London. À 3-4 jours de l'annonce de leur licenciement massif. Alors peut-être qu'ils étaient au courant, mais enfin, lui était au courant. Je pense que c'est difficile pour un grand patron de Sony Interactive Entertainment d'ignorer que tu vas demander des sacrifices de cet ordre. Bravo, Jim, vraiment. Après avoir fermé Sony Japon. Ouais. Repositionnement stratégique chez Microsoft également, et ça concerne un jeu japonais, puisque Hi-Fi Rush fait partie de la sélection de jeux Xbox Game Studios qui fera la trajet sur les autres plateformes. La ségalisation de Microsoft. Il sortira sur PS5 exactement le 19 mars prochain, au même titre que Grounded ou Sea of Thieves et Pentiment. Voilà, bon, Hi-Fi Rush, c'était l'une des grandes surprises de l'année 2023. Mmh. Très, très bonne surprise. Sorti à l'issue d'un développeur direct, je crois, ou je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Ah oui, il était Showcase, dispo le jour même. Hein. Dispo en Shadow Drop du studio Tango Gameworks de Shinji Mikami. Et à la fois beat'em up, jeu musical, un jeu qui avait tapé dans l'œil de Hubert, hein, si vous avez su les Summer Games Awards. Eh bien, il l'avait mis dans ses grands coups de cœur. C'était mon coup de cœur aussi, partagé avec Hubert. Bon, on parlait de jeux qui prennent du temps. On parlait de jeux exigeants, on sait qu'on va avoir un agenda très chargé jusqu'au mois d'avril. Eh bien, préparez-vous également pour le mois de juin, puisque c'est à ce moment-là que sortira l'extension d'Elden Ring, Shadow of the Heart 3. Ah là 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 là. Et oui, 23 millions d'exemplaires d'Elden Ring, c'est normal de sortir un DLC. On a vraiment un gros rendez-vous par mois, là, putain. Ouais. Lutin. Lutin, eh oui. Alors, il n'y aura pas de lutin, il y aura des boss gigantesques dans ce jeu, une dizaine de boss supplémentaires à affronter. J'espère des boss uniques, hein, et pas des clones de clones. Un DLC assez cher en plus. Hey, le prix d'un jeu, quasiment le prix d'un jeu complet. 39 ou 49, je sais plus. Il y a 39, entre 40 et 50 moi, euros. Moi, j'ai entendu 40 balles. Ouais, 40 euros. Bon, a priori, le DLC fait 40 heures, donc... On y accédera depuis le cocon de Mikaela pour une zone qui se veut aussi vaste que Nécrolimbe. Et ça s'annonce tout aussi costaud. Et on fera la connaissance de Mesmer l'Empaleur. Et je rappelle un truc, c'est que From Software a sorti à ce jour, à mon avis, ce qui est le meilleur DLC au monde, à savoir celui de Bloodborne. Ouais, The Old Hunters. Ah ouais. Ouais, extraordinaire DLC. Extraordinaire, je pèse mes mots. C'est bon comme un des meilleurs jeux vidéo de tout court. Ouais. Juste le DLC, quoi.
Il sera là. Il a même sa petite édition collector avec sa belle figurine. À 260 euros. À 260 euros. Mais qu'est-ce que c'est que 260 euros, tout ça. Putain de nerd. Quand on est fan de From Software, voyons. Bon, 23 millions d'exemplaires, hein, ça monte. On va parler justement de chiffres de vente. Tiens, tant qu'on y est, on avait évoqué durant le live de Soumis Massin Turbo les ventes de Persona 3 Reload, de Like a Dragon 8, de Grand Blue Fantasy Relink, Banir Automata, on l'a dit tout à l'heure dans les recos, 8 millions d'exemplaires, hein, en physique et des maths. Soit 1 million de plus que les chiffres qui avaient été communiqués en novembre 2022. Donc ça veut dire que ça continue de drainer un public toujours plus large, soucieux de découvrir eh bien, 2B, A2 et 9S. Et ce jeu cher au cœur de Daniel, hein, on le sait. Moi, je pense que c'est un des grands jeux de la décennie. Ouais. Bah, il n'a pas encore fait de 8 millions, mais il cravache pour les atteindre. C'est Tales of Arise. Grand, lui aussi, grand JRPG de la décennie. 3 millions d'exemplaires. Hein, c'est, pas, mais, c'est pas rien. C'est quoi depuis si le 21 cher février. À ton cœur comme à tel, je respecte. En plus, il est disponible sur PlayStation Plus et Game Pass. Alors, sauf les offres Core, les offres Essential, les offres des moins bien lotis. Et bah voilà, ça continue de se vendre. C'est bien pour un JRPG de cette qualité, de cet ordre. Tout à fait. Ah, voilà, formidable. Regardez les yeux pétillants de Puyo. Tekken 8, le jeu dans lequel je suis tombé. Ma grande surprise. Pardon. Tekken 8, bah lui démarre en trombe, 2 millions de ventes en l'espace d'un mois. Ça valait bien une petite feuille de route et l'introduction d'un Tekken Shop. Bah oui, parce que allez. Voilà, maintenant que les tests sont tombés et maintenant que les gens ont acheté, bah on va vous mettre quelques petites microtransactions. Hop, on a déverrouillé l'option. Donc voilà, le Tekken Shop avec des costumes disponibles. Là, on voit la feuille de route. Les costumes sont chouettes. Hein. Ouais, on voit la feuille de route avec évidemment Eddie Gordo qui nous attendra dès le printemps. Il y aura également en collection été, collection automne, collection hiver. Oui, les costumes sont chouettes, mais ils valent 3,99€. Hein, donc, pièces. Oh, donc ils sont chouettes, mais ils sont, ça se mérite, quoi. Il y aura également des contenus gratuits, à ce qu'on nous dit, et surtout le patch d'équilibrage arrivera, lui, dans le courant du mois d'avril. Attention au Rage Quitter, le stick du ban va se... Il va vous mettre un petit coup de matraque si vous êtes trop là après Rage Quit, ce qui n'est pas notre cas, évidemment, puisque, non. On rappelle, nous sommes sortis invaincus de invaincu, ce grand tournoi soumis à cette combo. Il y a un mec dans le public qui disait dommage que c'est pas tombé sur moi. Ouais. Oui, vous aurez éclaté, vous savez même pas garder, on m'a dit. Mais bon. J'en profite, oui. Puisque donc, comme on encourage les gens à mettre des commentaires sous les vidéos, c'est aussi parce qu'on les lit. J'en profite, il y a des gens qui ont joué à Tekken avec plus d'attention que moi ou qui ont plus naviguer dans le menu d'options que moi, m'ont signalé qu'un de mes principaux griefs contre Tekken 8, c'est que c'était un peu trop disco, avec trop d'effets de lumière, etc. etc. Vous les retirez. Et en fait, dans les commentaires, quelqu'un m'a dit « Mais Greg, tu peux les baisser dans les options. » Donc voilà, dont acte, voilà, pour dire que... Enfin, tu vois, c'est important. C'est important de dire aussi quand on s'est trompé ou quoi. Non, je voulais y rejouer pour... notamment parce que quand j'ai mis ma note, j'avais pas pu bien y jouer en ligne. Donc je pense que j'aurais pu remonter la note en y jouant en ligne parce que j'avais été choqué, j'avais dit que les personnages étaient vraiment un peu lourds à mon goût, mais je pense qu'une fois que tu t'y habitues, ça va mieux. Et donc j'essaierai de lui redonner sa chance un peu plus tard, une fois que j'aurai découvert la fin des serpillères volantes. Mais voilà, je voulais signaler ça. Je voulais signaler aussi d'ailleurs aux gens qui nous ont reproché, enfin qui m'ont reproché un petit peu dans les commentaires, voilà, d'avoir un peu trop insisté sur Grand Blue. Ah, le Loregate. Voilà. Alors c'est pas le Loregate, c'était plutôt. Alors le Loregate, c'est surtout qu'on m'a beaucoup reproché de parler que des défauts, et c'est vrai qu'effectivement. Par rapport à la note derrière. Alors déjà, je m'en excuse. C'est juste que j'en attendais tellement de ce jeu qu'il a fallu que tout ce que j'ai fait sur le cœur ressorte. Tellement et longtemps. Voilà. Ah oui, non, c'est un jeu que j'attendais vraiment beaucoup. C'est-à-dire que Grand Blue, comme je l'ai dit, j'ai pas réussi à y jouer au moment où il est sorti sur les téléphones au Japon. Et donc, du coup, j'étais curieux de savoir ce que c'était. Et puis, bon, voilà, les personnages m'attiraient énormément. Et j'en attendais beaucoup. Et au final, j'ai été déçu de ce qu'on a eu. Alors que en soi, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est juste que j'en avais gros sur la patate et il fallait que ça sorte. Mais oui, effectivement, on m'a dit que j'avais même pas parlé des musiques qui sont vraiment de très bonnes musiques, oui, il faut le dire, que le système de jeu, comme tu l'as dit, est très bon, que c'est un excellent action RPG dans lequel il faut parler de ton ressenti, hein, voilà. Et il y a aussi un autre commentaire qui a dit que en fait je m'étais très mal débrouillé puisque lui et ses potes avaient réussi à jouer au jeu dès 2016. Excusez-moi, j'avais peut-être pas trouvé le bon tuto.
Voilà. Très bien. Donc voilà, je retire ce que j'ai dit. Il était possible, en craquant un téléphone japonais en 2016, de jouer à Grand Blue Fantasy, ce à quoi je n'étais pas parvenu, malheureusement. Très bien. Eh bien, on va terminer. Allez, on est dans la dernière ligne droite de cette émission avec quelques petites infos en vrac. La team Asano, la team de Bravely Default, la team d'Octopath Traveler, a soumis à la communauté quelques idées de projets. Ouais, c'est ça, à la communauté, quelques idées de projets pour des jeux sur téléphone. Avec d'un côté un city builder, de l'autre un dungeon RPG en 3D et enfin un puzzle RPG avec la possibilité de retrouver les différents personnages de ces univers, donc lequel aura le plus de votes et lequel se concrétisera, on ne sait pas encore, mais en tout cas, ils ne comptent pas lâcher de sitôt les univers qu'ils ont contribué à créer. Rise of the Ronin, qui sera l'autre gros jeu du mois de mars. Enfin, il y a plein de jeux en mois de mars, mais Rise of the Ronin en fait partie. Le Ghost of Tsushima slash Nioh de Team Ninja, ouais. Il arrive 22 mars. On a appris qu'il y aurait du co-op à 4, ça c'est déjà plutôt sympa, et on a appris également qu'il ne sortirait pas en Corée. Enfin, t'as pas peur que ce soit le bazar à 4? Si, mais alors je sais pas si c'est pas limité à certains moments, endroits, à certaines zones, on ne sait pas encore exactement. Et l'autre, c'est que le jeu ne sortira. En fait, c'est une confirmation, il n'a jamais été annoncé en Corée du Sud, mais on sait désormais qu'il ne sortira jamais, pour notamment toute une question. Polémique, toute une polémique sur l'histoire. On rappelle la polémique ou pas? Ouais, je veux bien. Greg, si tu te rappelles du. Oui, en fait, le producteur du jeu admire un philosophe japonais. Il l'a comparé au Platon. Japonais. Socrate. Shuin Yoshida. Voilà, il l'a comparé au Socrate japonais en disant voilà, c'est un très grand philosophe qui avait une belle vision pour la construction d'une nation forte, etc., etc. Sauf qu'on oublie de dire que ce monsieur avait dit que pour le bien du Japon, ça serait bien d'écraser la Corée et de prendre possession de ses terres. Bon, pas ouf. Donc, évidemment, polémique sur le net coréen. Parce que c'est une figure historique que l'on retrouvera dans le jeu. Ah voilà, donc du coup, polémique sur le net coréen, et donc en réponse, donc Sony Corée, puisqu'il y a une branche coréenne de Sony, a dit « Non mais TKT, le jeu ne sortira pas chez nous ». Ce qui est assez triste, parce qu'au final, pour l'expression d'un seul homme, on va priver les gens d'un jeu qui a l'air excellent, et qui a été réalisé par plus de 300 personnes qui, elles, n'ont peut-être rien à dire. Il n'était pas prévu à la base, hein. C'est même pas la polémique qui a fait que le jeu ait été annoncé. Ce qu'on dit, quand même. Il n'a jamais été annoncé en Corée du Sud. Ouais. Je crois que c'était entendu qu'il sortirait. Ouais. À vérifier. Bah, en tout cas, c'est ce que Sony a dit, et c'est visiblement ce que tous les trackers du PlayStation Store montrent également. Nobuo Uematsu. Oui. Le compositeur illustre de Final Fantasy à 65 ans, et forcément il est plus proche du début de la retraite que du début, et il a admis qu'il n'avait plus l'énergie nécessaire pour s'investir dans les années de travail que représente une bande originale complète. Sa dernière œuvre date de Fantasian, c'était le jeu sur téléphone de son compère Hironobu Sakaguchi, mais voilà, il a évoqué un petit peu ses journées, son quotidien, et il admet que voilà, ça lui demande beaucoup d'efforts pour réussir à composer de nouveau. Non, mais il va faire de la musique d'un jeu. Il va faire de la musique d'un jeu. Bon, écoute, il a fait une chanson pour FF7. Il a fait la chanson de FF7 Rebirth, qui est d'ailleurs plutôt stylée. Quelques petites nouvelles d'Ikumi Nakamura. Ah. La conceptrice du studio qui s'était fait remarquer lors d'un E3 ou d'un Summer Game Fest. Oui, E3, hein, je crois c'est qu'on en a encore. Le studio Unseen a montré quelques ébauches de Kemuri, qui sera le prochain jeu. Centré autour des yokai. Alors c'est plus une note d'intention qu'un projet actuel, hein. On voit vraiment des choses assez early, comme on dit, mais ils essaient de s'inspirer de certaines mécaniques d'exploration du monde ouvert, et ils ont recruté dans de nombreux studios, chez Insomniac, chez Guerrilla Games. De chez Guerrilla Games, il y a une conceptrice, il y a le directeur de l'animation qui vient de chez Ubisoft, un ingénieur qui vient de Dontnod. Bref, une équipe cosmopolite et au chevet de ce projet. Ikumi Nakamura qui a sorti, je crois il y a un ou deux mois, un bouquin d'Urbex. Ah, très bien. Parce qu'elle fait des photos d'Urbex aussi. Très bien, très bien. Un petit peu de rétro gaming, si l'on ose, avec Ninja Cop. Je ne sais pas si vous connaissez Ninja Cop. Là, je vais encore dire je l'ai. Ah, ben oui, je vais encore dire je l'ai, et tu vas me dire ah, mais tu dis mais. C'est un vieux jeu. Vieux Konami, jeu Game Boy Advance, vieux jeu signé Konami. Un jeu très rare. Non, c'est Ninja 5O. Ninja 5O aux US et Ninja Cop chez nous. D'accord. Eh bien, il ressortira, comme il coûte la bagatelle de 600 voire 1000 euros
En fonction de la provenance, Konami et Limited Run Games ont décidé de le rééditer pour le mettre à disposition du plus grand nombre avec eh bien, ce Carbon Engine qui permet de remettre au goût du jour certains des jeux de l'époque sur grand écran, bah, notamment voilà, les pixels sont très pixelisés, mais ils le sont moins que si vous jouiez sur un écran étiré. Et voilà, et ça sortira très prochainement. On sait que Konami et Limited Run, c'est une affaire qui marche, puisque c'est à eux que l'on doit les ressorties. On avait déjà évoqué de Rocket Knight et de Félix le Chat. Voilà. Is This Nordics. Mais il était très bien ce Félix le Chat en plus. Ouais. Is This Nordics sortira cet automne. On l'a déjà chroniqué dans cette émission, mais il sortira cet automne. On a même fait un combo. En français sur PS5, PS4, Switch et PC. Donc c'était bon de le préciser. Et enfin, on ne voudrait pas quitter cette émission sans rendre hommage à Yoshitaka Murayama, qui est disparu. Le créateur de Suikoden nous a quittés. On aurait dû lui rendre hommage durant le live. On le fait dans cette émission. C'est le créateur de Suikoden et malheureusement, il ne verra pas la trajectoire de sa dernière œuvre. Eiyuden Chronicle 100 Heroes, elle-même inspirée de ses premières créations de RPG chez Konami. Sera sans doute dédié. Un jeu qui lui sera sans doute dédié. Il est disparu à un jeune âge, 55 ans. Et voilà, les autres créateurs de Suikoden et d'Eiyuden Chronicle lui ont rendu hommage dans un post de blog en lui disant qu'il regrettait que son travail acharné sur Eiyuden Chronicle ne pourra pas être partagé, enfin il ne sera plus là pour voir les réactions du public qui attendait ce titre particulièrement attendu pour tous les fans de Suikoden et pour tous les fans de JRPG en règle générale. Voilà, on en a fini pour ce Tsumimasen Turbo épisode Final Fantasy VII Rebirth. Ouais. On vous remercie d'avoir suivi, qui était... On donne plus les numéros. Deux. De Tsumimasen. Ah, si, je l'ai dit. Bah, je peux arrêter de le dire dans l'émission. Épisode 13. On remercie évidemment toutes celles et ceux qui l'ont suivi, qui sont arrivés jusque-là, qui écoutent bientôt les notes du générique de fin. Très apprécié. Dubert également, qui était là en régie pour non seulement réaliser, mais ensuite Hubert pour monter. Hubert qui va prendre ma place pour le Director's Cut. Pour le son, pour tout ça, et qui sera présent pour le Director's Cut également. Voilà. Et merci à vous, messieurs, d'avoir été merci à toi, Puyo. T'as gardé le rythme. Oui, ouais. Le rythme de la Corée. C'est pas simple, faut savoir qu'on fait des petites pauses de temps en temps, et voilà, après, il faut réussir à se remettre nos émotions. Merci encore une fois à tous ceux qui rendent cette émission possible chaque mois par leur soutien sur Patreon.com/Tsumimasen, leur soutien sur YouTube, leur soutien sur les réseaux sociaux, sur les petits pouces qu'ils laissent ici ou là. Mais et en parlant autour d'eux de cette émission. En parlant autour d'eux, voilà. En partageant la vidéo, en partageant le... En disant, oh, regarde ce qu'ils ont dit sur FF7 Rebirth, il a mis 8, il a mis 9. Voilà, ce genre de petit... La polémique FF7 Rebirth, il n'y a pas vraiment. Ils ont dit qu'il y avait des serpillères. Ouais, c'est vrai, des serpillères volantes. Mais merci encore une fois pour cette nouvelle émission. Nous, on se retrouve le mois prochain. Pas de live intermédiaire cette fois-ci. Tsumimasen Turbo épisode 14 arrivera début avril. Avec un gros. Mais un gros programme. Gros programme, puisqu'on a deux très gros jeux. Plus le dogme du dragon. Plus le trucs, deuxième dogme. Plus les jeux qu'on n'a pas fait. Par exemple. Unicorn. Crayon Shin-Chan, j'ai pas eu le temps de squatter, mais voilà. Macross First Insight. Ah, ça y est, il arrive mi-mars. Mars. Bon, Shooting Inside. Ça, c'est acté. Voilà. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Jouez bien, sans doute, à Final Fantasy VII Rebirth, entre autres. Et nous, eh bien, on revient début avril pour Tsumimasen Turbo. Ciao à tous. Bye bye. Salut. Sayonara. Et merci, Hubert. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。